Ça bosse pas là. Ça attend. Ça bosse pas là, ça attend. Un, deux, un. One, two, test micro. Ouais, 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 Planète VTC. Ah, si vous saviez les amis comme c'est hot, c'est trop dur. Salut à tous, Dadou, transporteur. Tout le monde est là, 1-2-1-2, Victor, bonsoir, Nasero, Aïssam M, Planète VTC, VTC, YQ, salut tout le monde, 9 €, il est là mon 9 €, il est là tous les soirs mon 9 €. Queen, comment ça va Queen? Queen VTC, dédicace à Queen VTC, je croise ta petite publication Facebook à chaque fois, ça fait plaisir. Essaye de booster ton truc, il y a de la place, il y a des choses à faire, ça fait plaisir de voir des beaux graphismes comme ça. Mako 971, il est là. Ouais, j'ai pas eu les frais d'annulation, hein. C'est bon, j'ai déclenché à 33. Et en plus, je suis sur 3 plateformes de stream. Hein. Donc, petit rappel à tous ceux qui veulent capter le stream sur Twitch, pas de coupure quand vous êtes en arrière-plan. YouTube, on vous a dit vidéolite. Depuis qu'on m'a parlé de ça, je l'utilise aussi pour en perso, c'est juste grandiose. Je peux verrouiller le téléphone, mettre une appli derrière. Je peux continuer. CEVD, bonsoir. Hey, hey. Ça fait plaisir de pouvoir suivre un live toujours en replay, moi. Eh ouais, c'est ça, c'est cool ça. Ça fait plaisir. Samir, comment vas-tu, mon Samir? Seb78, chez papa. Ah, Fatima, Benaïssa, bonsoir, Fatima. Walia DV, salut à tous. E208 VTC, yes, live de retour, encore un bon moment. On va essayer que ce soit, faire en sorte que ce soit un bon moment. Itachi, il est là. Ça attend. Ça bosse pas, là. Ça attend. Ça attend. Il est où Thompson là? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu Thompson. Ça attend. Farid, bonsoir Farid. Abdenor, Salem, Salem. Tesla France, non officiel. Pixo, Salem Pixo. Sacha, on te dit bonne nuit. Hein. Je sais que demain, debout 4 h, bah toi, tu feras le replay. Et en plus, tu nous as dit qu'apparemment, tu avais... T'avais une petite expérience sur les événements comme ça, type Coupe du Monde en Afrique du Sud et JO à Rio. Dommage. T'aurais pu nous faire partager ton expérience en direct, ça aurait été vraiment sympa. Salut Diane, Montpellier, mais je vais écouter, ça m'intéresse. Eh ouais, je sais que tu passes ton épreuve pratique bientôt. J'ai vu ta petite présentation sur Uberzone. Détends-toi Diane, ça va bien se passer. Ici, t'es bien entouré. Sur Uberzone, t'es bien entouré. Tranquille. Et ça commence. Queen, il ouvre le bal, du coup j'affiche ma tronche, ma grosse teuté, elle est là. VTC Toulon, il est là. Bah, tout le monde est là hein, ce soir. Je regarde, on est déjà 60. Bah c'est bon, hein, c'est parfait, moi ça me va. Hein. Ça me va très bien, 62 personnes, je vous dis franchement. Bonsoir, bonsoir, salam, sahaftorkum. Eh oui, sahaftork, car pour ceux qui ne comprennent pas sahaftork pendant le ramadan, c'est quand vous souhaitez... pas un bon appétit, mais voilà, c'est un peu ça. Une belle et bonne rupture du jeûne. Victor, VTC, le BG. C'est qui le BG? Toi ou moi? Sûrement toi. Farid, et ouais, les Spartiates. Il en manque quelques-uns, là. Hein. Il y en a qui ont été dégommés en route. Et ouais, donc ce sujet, Pascal, il est là, Heisenberg. Salut à tous les champions olympiques du VTC. Ah ouais, non. Voilà, donc j'ai liké, c'est bon. Merci Aïssam pour la petite piqûre de rappel. En effet, il faut liker, les amis. Likez tout de suite, comme ça c'est fait. Vous êtes 69, il devrait y avoir 69 likes. Il n'y en a que 54. Il en manque 55. Ça monte. S'il y a 69 personnes, il devrait y avoir 69 likes. On devrait faire un deal comme ça en fait. Je devrais même pas démarrer le sujet tant que j'ai pas le nombre de likes égal au nombre de personnes présentes. 70 présentes, je dois avoir 70 likes. Non, après, je vais vous dire, je peux pas vous forcer non plus. Qu'est-ce que like? Merci Boma. Valérie, bonsoir. Bonsoir, ça fait plaisir. Il y a des nouveaux blazes. J'aime que la Ligue des Spartiates s'agrandit de jour en jour. Hamza, salut. DNB, likez. Ah, franchement, il fait plaisir ce chat. Si vous saviez, il fait vraiment plaisir ce chat. Bon, les gars, Vous savez que je suis un amateur, hein. Je ne suis pas journaliste télévisé, spécialiste BFM et compagnie. Nous, on n'a pas grandi là-dedans, on n'a pas fait d'études dans le journalisme. Vous savez tous que j'ai une expérience d'enseignant dans le domaine technique. J'ai rien à voir avec le monde des médias, j'ai rien à voir avec le monde de la communication et du marketing. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Jean-Philippe, bonsoir Marc48. Je fais ce que je peux, je fais comme je le sens, comme j'aime. Voilà, ce sujet, il fallait en parler. Il y a tellement d'infos qui circulent. Je me suis dit que peut-être ça serait pas mal d'échanger avec vous. Comment vous anticipez tout ça? Quelles informations vous avez eues chacun de votre côté respectivement, que ce soit à Paris? C'est vrai qu'à Paris, c'est un peu plus mouvementé parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place, notamment de la restriction de circulation, des avantages octroyés aux taxis au détriment des VTC et ensuite des rebondissements avec finalement quelques petites dérogations laissées passer. Si vous regardez par exemple, j'ai un document là qui a circulé, je vais vous le mettre, je le mettrai dans la description de la vidéo. Je le mettrai ce document ici, comme ça il sera à disposition, vous pourrez le télécharger. Ce document ici, c'est un condensé de tous les périmètres et les catégories des usagers pour lesquels il y a des accès de circulation autorisés, pas autorisés, etc. C'est un gros document de quelques pages quand même, hein, avec toutes les situations, toutes les catégories d'usagers et les périmètres autorisés, oui, non, vous voyez, oui, non. Vous pourrez le décoder à votre guise. C'est ce document qui a été projeté par le préfet lors d'une rencontre avec tous les acteurs pour justement expliciter certaines choses. Je ne suis pas rentré dans le détail, c'est vraiment très technique, mais rien ne vous empêchera d'aller jeter un œil. Selem French Rifi, Selem la team transporteur. Ils ont fini d'installer leur voie restreinte avec les panneaux sur le périph'. Nasero, mon frérot, Nasero, mon frérot, ça rime en plus. Je te kiffe frérot, merci beaucoup, merci pour ce geste. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de la générosité. Merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur. 1, 2, 1, 2, test micro. T'es avec qui ce soir, Hakim? Je suis tout seul. Moi, je vais faire venir un intervenant là, parce qu'il a quelques notions que nous, on n'a peut-être pas, ou des choses, des informations en plus, de par son investissement personnel. Salut Tagliatelle, punaise, ça faisait un bail frérot, t'étais passé où? Et Hamza des 1€ de CA, 1,7%. Dites, je voulais vous dire justement quand je regarde le chat, ne m'en voulez pas si des fois je vois, je laisse passer des messages. Parce que je refais le replay, souvent je fais le replay pour faire le chapitrage, etc. Ou je fais le replay pour faire des shorts. Et je vous jure, je revois le chat, je me dis mais merde, là il a dit ça, j'ai même pas soulevé. Lui il a dit ça, j'ai même pas capté, etc. Donc en gros, même si je ne les vois pas pendant le live, dites-vous clairement que je les vois au replay. Donc vos messages ne passent pas inaperçus. Si c'est pas tout de suite, c'est après. Mais en tout cas, je revois le chat tranquillement à tête reposée le lendemain ou le surlendemain. Bonsoir chauffeur solitaire. Bonsoir Fix. Ah, des blagues que j'ai jamais vues, je vous jure, ça fait vraiment plaisir. Ça monte l'audience là. C'est cool, c'est cool. Donc ce document, je disais que je vais vous projeter là, vous le voyez à l'écran. Ce document, je vais vous le mettre téléchargeable dans la description. Vous pourrez le récupérer au replay. Et pour ceux qui regardent ce live en replay, n'oubliez pas que vous pouvez liker, même en replay, et que même le lien en haut là, pour soutenir le live Planète VTC est actif aussi, même en dehors du live, c'est-à-dire en replay. Donc voilà, c'est des informations que je préfère préciser, j'oublie à chaque fois de le faire, je vais essayer de me programmer là-dessus. Ce matin, j'ai dormi, ils m'ont proposé de la merde et j'ai dormi, j'ai fait 170€ cet après-midi, ça va. Salut Cui, salut Car, Tizi. Ouais, donc ce document. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai comme info? Je vais vous montrer peut-être un truc que certains ont dû voir circuler. On nous parle d'une attestation numérique qui sera nécessaire pour accéder aux zones sécurisées lors des JO 2024 à Paris. Je rappelle également que ces dérogations, nous avions... Je vais voir un peu si vous allez entendre le son. Je rappelle également que ces dérogations, nous avions prévues et les... Alors, je fais pause parce que là, il y a Pixo. Merci, mon Pixo. Merci, mon frérot. Merci, Pixou. Pixou, Pixo. Pixo, c'est toute mon enfance. Ah, franchement, force à toi, Hakim. Force à toi, Pixo. Force au live Planète VTC. Et vraiment, force à vous tous. C'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver. Je remets l'audio. discussions que nous avons eues n'ont fait que confirmer la nécessité de prévoir une plateforme numérique pour pouvoir rentrer dans cette zone, donc s'inscrire de manière dématérialisée, produire des justificatifs qui permettent d'attester qu'on a le droit d'y rentrer, hein, donc on y reviendra plus tard. Donc l'idée d'une plateforme numérique a été complètement confirmée dans le cadre de la concertation, ça n'est pas du tout contesté, dans la mesure où ça facilite la vie des usagers et ça facilite la vie des forces de l'ordre, puisque ce périmètre rouge sera tenu par des policiers ou des gendarmes, et donc il y aura une phase de contrôle dont on souhaite qu'elle aille le plus vite possible. Et pour qu'elle aille le plus vite possible, c'est mieux quand on a une préinscription et qu'on a une attestation numérique. La concertation nous a quand même permis d'identifier un certain nombre de cas de circulation motorisée dans ces zones en dérogation qui rentrent dans la catégorie dite de l'urgence, où on va dispenser d'inscription sur la plateforme numérique. Hein, j'y reviendrai, monsieur le maire de Saint-Denis parlait par exemple des professionnels de soins, typiquement, voilà, on a un certain nombre de catégories d'ayants droit qui, parce qu'ils rentrent parce qu'ils vont intervenir en situation d'urgence, seront dispensés d'inscription sur la plateforme. Enfin, c'est juste du bon sens. Enfin, c'est le soin, mais ça peut être aussi du dépannage, les avocats, exactement. Voilà. Donc un avocat qui doit se rendre assister un gardé à vue dans un commissariat qui est en zone rouge pourra y pénétrer sans forcément avoir à produire une attestation numérique parce qu'on est dans l'urgence et qu'il doit s'y rendre rapidement. Et donc voilà, PDGC, je viens de lire ton message, c'est fixe. J'ai plus le num des honneurs. Donne-moi, envoie un message. Tu veux que j'envoie un message où? Dis-moi, t'es plus dans le groupe la famille WhatsApp? Fais-moi signe. Les amis, voilà donc cette petite vidéo de Laurent Nunez là, qui nous parle d'une plateforme et potentiellement d'une attestation numérique qui permettra d'accéder à certaines zones. Donc là, ça c'est une information comme une autre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà des choses que moi j'ai reçues. Enfin, j'ai reçu plein de choses. Si vous saviez les amis, c'est juste de la folie ce live. Vive Planète VTC, parce que du coup, j'ai l'impression qu'en fait, en externe, on m'envoie des trucs qui me donnent vraiment l'impression que que cette émission, elle a vraiment un impact. Il y a des gens qui m'ont envoyé des documents et des choses juste incroyables. Je ne peux pas tout exposer maintenant. Il y a des choses, je pense que je dois me concerter avec certaines personnes avant de savoir si je dois en parler ou pas. Mais c'est juste de la folie, quoi. Donc voilà, ça c'est une première info. L'histoire de peut-être avoir besoin d'une attestation pour accéder à une certaine zone, sauf apparemment les véhicules d'urgence. Mais ne parle pas des VTC. Ok. Allô, allô. Attends, je te bascule. Allô, allô. Oui. Voilà, voilà. Oui. Tu as baissé le live? Ouais, j'ai baissé le live, voilà. Ouais. Hop, c'est fait, parce qu'en plus, comme il y a un décalage un petit peu. Ouais. Voilà. Merci Hannibal, merci pour ce message, ça fait plaisir. On me dit on avait besoin de toi pour bien démarrer la semaine. Ouais, donc c'est cool. Alors comment tu vas Arnaud? Arnaud Demestre, pour ceux qui le connaissent, si tu veux te présenter rapidement, c'est celui qui a fait le débat avec VTSLA sur les électriques. Alors t'as acheté une Tesla depuis ou? Entre autres. Non, je suis pas Tesla depuis. Et puis, tu sais que je t'ai bombardé d'infos par rapport aux véhicules électriques. Laisse tomber, tu m'as pas bombardé, tu m'as spammé. Je crois que t'as faire une nouvelle émission. Je crois que t'as de quoi faire au moins 5 émissions. Voilà, c'est clair que ça peut peut-être me faire changer du fusil d'épaule moi aussi avec ce que tu m'as envoyé. Mais on refera une émission sur ce thème parce que je pense qu'on n'a pas tout abordé. Voilà. On peut pas tout aborder en si peu de temps. Voilà. En tout cas, merci de l'invitation, hein, comme d'habitude. Avec plaisir, vraiment. Et puis, ça fait franchement plaisir parce que, tu sais, honnêtement, tu as une très belle communauté. Ah, voilà. Merci. Merci. Et voilà, je remercie les gens qui te suivent depuis longtemps. Moi, j'essaye de faire au mieux pour te suivre aussi. Ouais. Mais une belle communauté, ce qui est plutôt assez rare, hélas, dans le VTC. C'est vrai, c'est vrai. À un moment donné, il faut dire ce qu'il est, hein. Ouais. C'est plutôt un milieu qui est plutôt assez, je vais pas dire sectaire, mais où on est très perso quand même. Et toi, pas du tout. Ta communauté, elle est toujours, en tout cas, elle est très souvent bienveillante. Oui, c'est vrai. Et très souvent aussi, ils lâchent pas des choses pour dire voilà, je lâche mon venin. Voilà, on sent qu'il y a une réelle envie de discuter, d'échanger. C'est toujours pertinent et constructif, ouais. C'est ça. C'est le débat. Exactement. C'est un débat, exactement. C'est un débat. Et toute façon, on peut pas être d'accord avec tout le monde. Bien sûr. Chacun a sa vision des choses et c'est ce qui fait la beauté de la vie. Mmh. Mais bah, voilà, je tenais à féliciter franchement ton auditoire. Merci. Parce que franchement, merci. Les gens en général sont très sympas et en tout cas, j'ai reçu très souvent un très bon accueil et ouais. Je voulais leur remercier aussi également. Ouais. Et... Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis secrétaire général d'AVF. Voilà, ouais. L'association des VTC de France. Voilà, vous savez que bah, on défend évidemment. Alors il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec nos façons de faire, mais bon, encore une fois, chacun fait et sent comme il le sent. Ouais. Mais en tout cas, on essaye d'avancer au mieux pour faire avancer le métier et surtout bah, que les chauffeurs soient au mieux reconnus. Ouais. Voilà. C'est compliqué. Ouais, non, mais bien sûr. Et là, en plus, il y a les élections qui approchent là bientôt, donc je pense que le mois d'avril va être mouvementé. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, je vais essayer d'organiser des choses pour ouvrir l'antenne et permettre le débat, la discussion. Je vais voir, je vais contacter plus ou moins tous les contacts que j'ai, voir un peu ce que je peux organiser. Mais il y a des choses bizarres sur cette élection. Ouais. Bon, je vais pas faire de polémique parce que c'est pas l'endroit et puis parce que c'est pas le sujet de ce soir. Voilà, c'est ça. Mais quand on a quelqu'un qui pendant 4 ans nous tire à balles blancs, qui veut à tout prix faire exploser l'ARP et puis que tout d'un coup, retournement de situation, il rentre via un syndicat ouais. Un peu plus costaud que le sien. En disant mais oui mais j'y vais quand même vous inquiétez pas, enfin voilà, écoute, je te dis ça pour ça on va moi, de mon côté je vais organiser des choses pour que tout le monde puisse parler ouais. et débattre etc. Là oui. Aujourd'hui on parle des Jeux Olympiques comme une véritable élection en fait hein. Voilà c'est ça, un débat démocratique, le droit de parole. Voilà. Ça. Et après on verra ceux qui acceptent de débattre ou ceux qui veulent s'exprimer tout seuls, il n'y a pas de problème, ceux qui voudront s'exprimer seuls ils auront un espace pour discuter pour présenter seuls, et ceux qui accepteront d'être confrontés à d'autres eh ben, on les mettra face à face autour d'une table en studio. Ça c'est prévu et j'attends l'issue du Ramadan pour pouvoir préparer ces choses là pour être vraiment à oui. un bloc de mes capacités. Là je t'ai contacté, ah, voilà, c'est moi qui t'ai contacté oui, pour les JO parce que je sais oui. que tu es pas oui. mal dans l'info, tu scrutes, tu reçois, tu t'informes et je voulais que tu nous fasses un petit point rapide sur ce qu'il y a à savoir concernant l'activité des VTC pendant les JO. Oui, oui alors juste la petite aparté que tu viens de faire. D'ailleurs, je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans, évidemment. Merci. Et voilà. Je sais que c'est une période importante pour vous. Donc, voilà, soyez en paix avec vous-même et avec votre famille. Et surtout, profitez bien de votre famille à chaque fois. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous passer. Merci beaucoup. Alors, les infos par rapport aux JO. Oui. Ah, ah, ah. Il y a beaucoup de choses à dire en fait, mon cher ami, par rapport aux JO et pas forcément que pour le VTC, mais ce sont des choses qui vont impacter forcément le VTC. Mmh. Je m'explique. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu les polémiques en ce moment, mais qui dit polémique dit pas forcément de la fausseté. On a eu la polémique sur Aya Nakamura, on a eu la polémique sur la nageuse olympique qui ne veut pas aller nager dans la Seine, on a eu la polémique sur le fait que la piscine olympique ne soit pas prête, on a eu la polémique sur le ramadan et les joueurs de foot, les aménagements spéciaux pour les joueurs pendant le ramadan. Il y a plein de polémiques en France, il y a tout le temps que des polémiques dans ce pays. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a polémique que c'est forcément faux. C'est ça le truc. Aujourd'hui, on a aussi des non-sens totales du gouvernement. Alors, je vais quand même finir aussi par les choses quand même qui fâchent et qu'on parle dans la presse étrangère. Mmh. Et vous savez qu'il y a des infrastructures dans le 93, etc., entre autres près de Villepinte. Et en fait, on a des vidéos où c'est des décharges publiques, mais... Ouais, bah tiens, je vais le transmettre ça pendant que tu parles. Donne-nous des infos, concrètes sur le côté activité du VTC pendant les JO. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été obtenu et qu'est-ce qui n'est pas obtenu? Voilà, c'est ça que je veux, Arnaud. Soyons précis, s'il te plaît. Oui, mais je pense qu'il faut que je vous donne quand même l'info particulière. Ouais. Parce qu'à mon avis, tu m'as demandé comment je les sentais ces JO. Oui, ça aussi. Je vous le dis honnêtement, je les sens très très mal. Je les sens très très mal parce que déjà on a une volonté plus que politique de la mairie de Paris de nous évincer de ce circuit. On a une politique au niveau du préfet qui est un coup oui, un coup non, un coup peut-être, un coup voilà, jusqu'au dernier revirement où là on se rend compte que on sera principalement exclu. Moi, je dis aujourd'hui, et comme beaucoup d'acteurs, qu'on ne peut pas être exclu parce que de toute façon, les taxis ne pourront pas gérer tout. Ouais. Maintenant, il y a quelque chose qui m'interpelle, Hakim, et j'aimerais que les auditeurs puissent en parler ensemble. Ouais. Parce qu'il faut, bien que les auditeurs comprennent que toi, tu es dans le terrain, tu es VTC avec de la grande remise et tu es vraiment concerné de très près par toutes ces choses-là. Donc voilà, tu ne parles pas juste comme un porte-parole ou quoi que ce soit, tu es un acteur du terrain. Je fais le même métier que mes collègues. Voilà. Et je suis les mains dans le cambouis actuellement. Comme exactement, vous, les gars, hein. Exactement. Donc, maintenant, il y a quelque chose, là je vais parler du côté humain. Ouais, vas-y, je t'écoute. Il y a une belle communauté. Aujourd'hui, l'avenir politique est noir. On est d'accord ? Ouais. Il s'est passé un attentat à Moscou il n'y a pas longtemps. On a un président qui joue au feu avec Poutine. Ouais, c'est chaud en ce moment. C'est méga chaud. Au niveau infrastructure, on est loin d'être prêt. Les Jeux Olympiques, c'est dans 4 mois. On n'est pas prêt du tout. Il y a un truc aussi qui m'interpelle. Et j'aimerais que les auditeurs puissent réagir là-dessus. D'ailleurs, si tu peux avoir des échanges là-dessus. Ah bah oui, de toute façon, l'antenne va être ouverte. Pendant la Fashion Week, il y a eu, d'ailleurs, ça a bien fait rire tout le monde, 2 fois de suite, des vols des codes de sécurité et des accès de sécurité des Jeux Olympiques. D'accord ? Ouais. Avant-hier, il y a eu un attentat à Moscou. Les Américains ont prévenu, comme par hasard, leurs ressentissants qui étaient à Moscou et certaines personnes, comme quoi il y allait avoir quelque chose, voilà. Moi, honnêtement, je vous le dis, je sens très très mal. On est en alerte attentat d'ailleurs en France là, depuis 2 jours. Je me dis, il peut arriver une dinguerie. Il peut arriver une dinguerie en fait. Ouais, toi, tu es plus sur ce côté un peu alarmiste. Tu as peur qu'il se passe quoi, un attentat, des trucs comme ça en France pendant les JO qui se servent de l'événement ? Oui. Est-ce que tu as vu, Hakim, le nombre d'annulations de billets qu'il y a eu au moment où Macron a annoncé qu'il voulait envoyer des troupes françaises en Russie ? Non, j'ai pas vu ça, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu nous dis. Ça a été historique. On nous a annoncé des annulations voilà, de personnes qui venaient du monde entier, qui ne viennent plus aux Jeux Olympiques parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette politique. C'est une forme de boycott, quoi. C'est pas une crainte. Il y a la crainte et il y a le boycott, les deux. Je pense qu'il y a les deux. Ouais. Je pense qu'il y a les deux, tu as tout à fait raison. Ouais. Je pense qu'il y a les deux. Moi, je suis plus en ce moment sur la crainte que sur le boycott, parce que le boycott ne sert à rien de toute façon, parce que ça serait mettre en péril notre profession. Ouais. Le but du jeu, c'est que la profession puisse travailler correctement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'avenir politique est plutôt assez noir. Et le problème, c'est que ça a des répercussions forcément sur les Jeux Olympiques. Après, on peut parler du fait qu'ils sont en train de nous fermer bientôt tous les ponts de Paris pratiquement. Oui, ça j'ai vu aussi, il y a pas mal de ponts. Voilà. Que les taxis ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause avec la CPAM et donc ils vont nous faire des grèves. Au niveau des trams, des métros et des trains, ça va être une véritable galère parce qu'ils n'ont rien de prêt eux non plus. Donc en fait, c'est à double tranchant parce que techniquement parlant, on nous dit non, vous serez écartés des Jeux Olympiques et ils savent pertinemment que de toute façon, ils ne pourront pas faire sans nous. Ouais. Et concrètement, ils ne pourront pas absorber. Oui. Maintenant, voilà. Je vais à tâtons et je surveille ce qui se passe au niveau géopolitique de très très près. Si on ne s'est pas pris une bombe sur la gueule avant, hein, parce qu'avec les conneries d'autres... voilà. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais bon, les Russes ne rigolent pas. Hein. Ils sont... Voilà. Donc, comment ça va se passer ? Concrètement, comment ça va se passer ? Au-delà de la situation, au-delà de la situation politique, je t'ai dit, je te demande des choses concrètes. Les VTC, quand ils seront actifs pendant les JO, où est-ce qu'ils auront le droit de circuler ? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ? C'est ça qui m'intéresse. De toute façon, tu as distribué, et tu as bien fait de le distribuer, le plan qui est officiel était distribué par le préfet. D'accord. Avec les zones d'accès autorisées et non autorisées. Ouais, je vais le mettre en téléchargement. Encore une fois, il y a certaines... Voilà, non, c'est très bien. Encore une fois, il y a certaines zones d'ombre aussi. Aujourd'hui, un VTC, pour qu'il soit, entre guillemets, peu embêté, et je n'ai pas dit pas, mais peu embêté, il faudrait qu'il ait une accréditation. Or, je reviens encore à ce que je disais il y a 5-10 minutes, les codes d'accès, les voies d'accès, etc. ont été volés 2 fois. Mmh. Moi, ça me fait peur. Honnêtement, je le dis. Aujourd'hui, je vais prendre ça sur le ton de la rigolade. Il est où le but de Bubulance, hein? Ça vous parle, ça? Mmh. Voilà. En gros, on a connu Covid avec ce genre de papier, hein, les fameuses attestations qu'on devait avoir électroniques et compagnie. On ne va pas se cacher, on le sait aujourd'hui. Il y a eu combien de faux? Des milliers. Il y a eu des milliers de faux. D'accord. Moi, qu'on me dise aujourd'hui, parce qu'il va y avoir un truc électronique, ça va nous protéger des accès et de ce qui peut se passer, j'en suis pas du tout certain. Alors là, mais alors carrément pas. Surtout encore en plus quand on se fait voler les codes et les accès, quoi. Donc, d'ailleurs, à se demander même à un moment donné si c'était pas fait exprès. Vous voyez, c'est quand on voit la chronologie des choses qui se passent depuis les vols, avec des attentats, avec l'alerte attentat qui est arrivée en France, avec ceci, avec cela, on se dit wow, qu'est-ce qui se passe là? Donc ça, c'est le climat géopolitique. Après, il y a le climat aussi où toutes les fermetures des rues, toutes les fermetures des voies d'accès, les voies de bus qu'on n'a pas le droit, les voies paralympiques où on est pareil, on n'a pas le droit. À un moment donné, mais vous voulez quoi concrètement? Dites-le nous. Je préfère que vous soyez plus honnête et que vous nous dites on ne veut pas de VTC. Mais encore une fois, vous le savez pertinemment, et le préfet le sait pertinemment, parce que le préfet, je vous rappelle, qui préside au T3P, auquel l'AVF a un siège, et j'y représente, hein, au T3P. Mmh. Donc, vous dire que c'est pertinemment qu'il ne pourra pas faire sans les VTC. Mais le problème, c'est que comme c'est politique, et qu'un préfet est placé par le pouvoir en fonction au niveau de la mairie de Paris, je parle, oui. C'est pas la première fois qu'on dit à un préfet, écoute, tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit. Je parle méchamment, mais c'est ça. Tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit, sinon tu vas sauter. Ouais. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Parce que pourquoi faire une réunion, d'ailleurs où tu étais au courant et tout le monde était au courant, où on a gagné, suite d'ailleurs à un petit passage de mon intervention que j'ai faite à la préfecture de Paris, où on a gagné les zones rouges, ouais. Où il y avait 2 personnes présentes à côté du préfet de la mairie Paris. Donc, ils étaient très bien au courant de ce que le préfet a promis au VTC, en live, en direct, devant des télévisions, devant des milliers de personnes qui étaient présentes. Hein? Et donc, il y a eu un retournement de situation. Et 2 semaines après, la mairie de Paris qui nous retoque, non, vous n'y aurez pas accès. Non, attends, c'est du foutage de gueule. On est d'accord. Donc, voilà. C'est un rétro-pédalage. À mon avis, on n'est pas prêt sur beaucoup de choses. Donc, ils sont revenus sur un truc qui avait été accordé, alors? Bien sûr. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui reste au VTC aujourd'hui? Juste de la circulation comme n'importe quel particulier. Ils n'auront aucun passe-droit. Ils n'auront aucun passe-droit pour l'instant. Aucun passe-droit, aucune zone réservée. Ils ne pourront pas aller dans les zones de récupération des athlètes, etc. Tout ça, non, rien. Ils auront juste le droit d'aller dans les zones bleues pour l'instant. Comme n'importe quel particulier. Les plus loin. Comme n'importe quel particulier. Voilà, ils n'ont aucun avantage, rien. Ils vont devoir rouler comme des particuliers. Oui, c'est ça. Ok. Ça. Bon, ben voilà, ben c'est clair. Moi, c'est pour ça qu'on interpelle là, le préfet depuis sa décision. On lui dit que, mais pourquoi nous ne sommes pas reconnus officiellement en tant que transport de voyageurs? Je suis désolé. À ce moment-là, sortez-nous du T3P, puisqu'on n'est pas reconnus en tant que transport de voyageurs. Ouais, surtout pour un événement de cette envergure-là, en plus, de cette ampleur. Ouais. Non, mais ça, de toute façon, cet événement, à mon avis, ça va être du grand n'importe quoi. Et c'est du grand n'importe quoi. Entre la miss là-haut, là, qui est en train de détruire la ville complètement, de fermer tous les accès, de tout modifier, voilà. Je crois qu'elle est en train de tuer plusieurs métiers, hein, parce que on le voit aussi encore une fois, il y a énormément de magasins qui ferment leurs portes parce que leurs voies sont fermées, il n'y a plus de parking, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Elle est en train de défigurer complètement la ville, quoi. Ouais. Écoute, merci Arnaud, je vais devoir faire intervenir un autre intervenant, toujours pour nous apporter des informations. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir apporté ce témoignage. En tout cas, sachez que dès que moi j'ai des infos supplémentaires, je n'hésiterai pas à vous les donner. Ouais. Et sachez qu'on est toujours en relation, avec la mairie de Paris et le préfet pour que les choses changent. Voilà. Ok, parfait. on a des prochains rendez-vous qui sont positionnés et on essaye de toute façon de leur faire changer d'avis. Bah, tu relayeras des infos si tu en as, n'hésiterai pas à les relayer sur le live. Oui, bien sûr, mais par contre, de toute façon, toutes les infos que je donnerai, ce sera des infos qui seront validées et vérifiées et concrètes. Je ne te dirai pas du peut-être éventuellement, quoi. Non, non, ça sera vraiment du concret. D'accord. Merci à vous, les amis. Merci, Arnaud. Une très bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Et puis, à très bientôt. À très vite, merci. Voilà, donc là, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient octroyé certains accès et ils sont revenus sur leur décision et donc au final il n'y a rien. Mais je lis dans le chat par exemple Men in Black qui dit je répète les VTC ont accès à toutes les zones avec bon de commande. Donc ça je vais recevoir un autre intervenant là justement pour parler de ce sujet, encore une personne que vous connaissez tous normalement. Voilà, donc entre temps alors aujourd'hui ce que j'ai dû faire c'est que j'ai laissé le téléphone en Bluetooth parce que je devais projeter justement des images pendant le début du live. Du coup... Allô ? Allô, allô, bonsoir Elmi. Allô, allô. Tu m'entends ? Oui, je t'entends, oui. Ok, on t'entend très bien. Salam, Hakim, ça va ? Salam, ça va, tu vas bien ? Bon Ramadan à toi mon frérot, ça va ? Merci, merci, toi aussi, merci. Ça va, ça se passe bien ? Pas trop dur ? Ouais, ça va, tranquille. Non, tranquille. Ça va, tranquille. Bon. Bah, je t'ai contacté parce que je sais que toi aussi, tu as des infos, tu es sur le terrain aussi, tu es un gars du terrain depuis toujours et je sais que tu suis de près ces choses-là et je t'avais vu justement dans un petit reportage sur BFM, on en avait parlé dans un live. Et je voulais que tu reviennes pour nous refaire le point un peu parce qu'apparemment, ça a encore évolué. Il paraît qu'ils ont retiré des choses qu'ils avaient accordées. Bah, effectivement, il y a encore un flou. C'est pour ça que c'est comme je dis dans une vidéo précédemment que c'est du grand n'importe quoi. Ça n'arrête pas de changer, ça n'arrête pas d'évoluer, plutôt négativement pour nous en tout cas, pour les VTC. Ouais. Et là, il va falloir être super vigilant pour voir ce qu'ils vont vraiment sortir officiellement. Parce que pour l'instant, c'est que des on-dit. Hein. Mais c'est vrai que si on va sur le site de la mairie de Paris, il y a des choses qui ont été modifiées pas plus tard que hier. Encore hier, tiens, c'est récent. Donc, ouais, hier. Quoi, par exemple, bah, justement, les accès aux zones rouges, justement. Ah, voilà. Il y a des. Ouais, ça va vérifier en détail. Ouais. Pour voir vraiment. Et puis là, avec ce qui se passe bah, depuis quelques heures là, par rapport au plan Vigipirate, on ne sait pas si ça ne va pas durer jusque-là. Et est-ce que ça va nous impacter, nous, directement quoi. Mais là, en tout cas, ouais, sur le site de la mairie de Paris, il y a encore eu des évolutions. D'accord. J'ai pas encore vu ça bien en détail, mais ça sent pas super, super bon. Et c'est quoi cette histoire de dérogation qu'il faudra s'inscrire sur une plateforme en ligne, tu vois ? Tu as des infos là-dessus ? Ouais. Non, mais elle n'est pas encore sortie. Ils ont dit que ce site sera officialisé en avril, et donc sur lequel il faudra s'inscrire. Donc, il faudra mettre... tout ce qui concerne notre activité, quoi, sûrement Cabis, sûrement, Pro, etc. Voilà. Et puis avec ça, bah, on aura sûrement un QR code ou un truc dans le genre, numérique, et qu'on devra présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle. En cas de contrôle, dans ces fameux périmètres. Ouais. D'accord, ok. Dans les périmètres les plus proches des jeux. Donc il y a potentiellement des dérogations possibles. C'est sûr. Ah non, mais les dérogations, elles seront possibles. Mais est-ce que nous, on sera dedans ou pas? Ah, c'est ça. Les dérogations, elles existeront, oui, tout à fait. Ouais. Mais à savoir si nous, on est dedans ou pas, c'est ça la question la plus importante, quoi. Ouais. Les dérogations, il y aura, c'est sûr. Le site, il est en cours. C'est mois d'avril, tout ça. Donc c'est... Et toi en espérant que moins... cette période du 26 juillet jusqu'au 11 août, je crois, hein, les JO, c'est ça. Bon, après, il y a les Paralympiques, mais ça, c'est à partir du 28 août. Mais du 26 juillet au 11 août, toi, tu as prévu de rester ici, de bosser ou tu as prévu de partir et de laisser ce... Franchement, je suis dans le flou. Ouais. Je suis dans le flou le plus total. C'est pareil, hein, j'attends, franchement, de voir si ça vaut vraiment le coup de rester ici ou pas. Ça. Ouais, parce que si, effectivement, on est encore délogé, on va dire, des zones rouges, bah là, ça vaut plus le coup. Hein. C'est-à-dire, zone rouge, on n'y a plus le droit, plus les voies olympiques, on n'y a pas le droit. Donc là, moi, s'il y a ça, vraiment, ouais, je pars. Ouais, ça sert à rien de rester. Ouais, il vaut mieux se barrer. Ouais. Ouais. Ah ouais, s'il y a vraiment, si vraiment on perd les zones rouges, ouais, ça sert à rien. Ouais, et puis on va pas déposer un client à 1 km. Bah oui. Et qu'est-ce que tu vas gagner de plus, tu vois? Peut-être un peu plus de courses, mais au final, t'es qu'une seule personne. Hein. Tu vas pas exploser ton chiffre d'affaires. Sauf si vraiment t'es dans le B2B et que tu fais que du privé. Là, peut-être je peux comprendre. Mais franchement, en appli, je vois pas ce que tu vas gagner de plus. Tu veux peut-être majorer de 20% ton chiffre d'affaires habituel et encore. Ouais, encore. Ouais. Ouais. Et encore. Puis comme tu dis, si tu fais du B2B, habituellement le B2B en été, il n'y a personne. Ouais, l'entreprise, elle ne se déplace pas. Mmh. Donc après, si tu fais du privé, ouais, c'est un bon site qui est référencé à l'étranger, tout ça en anglais, etc. Ouais. Pourquoi pas, mais, ouais, ou un bon après, réseau. Si tu te fais coincer, ouais. Voilà, ou un bon réseau. Après, ouais. Mais après, si tu es coincé sur le périph' ou aux abords des stocks, c'est même pas la peine. Quoi. Tu vas plus te dégoûter qu'autre chose. Quoi. Décidé alors. Ah non, moi, j'ai pas décidé, moi, du tout. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est la bonne période pour partir en vacances. Hein. Tu disais en plus? Ouais. En plus, bah, les restrictions, elles commencent pas le 26 juillet, elles commencent avant. Hein. En plus, ouais. Normalement, le 15 juillet. Ouais, ouais, ouais. Commencent, au début, c'était prévu le 1er juillet. Mm. Et après, apparemment, c'est repoussé au 15. Mais les voies olympiques, ouais, seront activées avant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute l'installation des jeux aussi. Toute l'installation des trucs, tu vois, ça c'est bien avant le 26. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a même des ponts qui vont être fermés, les ponts de Paris qui vont être fermés. Ouais. Et après, en province, je sais pas si ça impacte vraiment aussi, parce qu'il y a des jeux qui se déroulent dans des grandes villes comme Lyon, Marseille, non? Ouais, mais très peu. Il y a très peu d'événements hors Paris. Hein. Ouais. Ça va vraiment se concentrer ici. Hein. Ouais, principalement à Paris. Il y en aura quelques-uns, mais c'est vraiment disparaître. Après, est-ce que ça vaut le coup d'aller travailler en province? Ouais. Ça, faut pas dire ça à nos amis sudistes. Ils vont pas être contents. Ouais. mais effectivement, il y a beaucoup de. Bah, habituellement, il y a beaucoup de Parisiens et Lyonnais qui descendent dans le sud pour travailler de toute façon. Ouais. Et là, est-ce que ça va pas être l'effet inverse cette année? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens du sud qui vont monter Ah, je sais pas. Tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont prévu de le faire? Je sais pas. Peut-être. Hein. Enfin, je sais pas. Moi, en appli, je sais pas si vraiment ça peut être intéressant de. C'est pour ça que j'ai bien envie d'avoir l'avis des pros là, sur le terrain là, pour me dire un peu comment ils sentent les choses et qu'est-ce qu'ils comptent faire. Est-ce qu'ils sont chauds, est-ce qu'ils veulent se barrer ou est-ce qu'ils se disent « Moi, je reviens après la guerre. » Normalement, tout le monde est dans le flou. Hein. Ouais. Vu comment ça n'arrête pas de bouger, ça n'arrête pas de changer. Et puis les applis, est-ce que ça vaut le coup encore avec les baisses de tarifs que tout le monde connaît? Donc il y a tout ça. Hein. Et puis l'arrivée des nouveaux, donc... faut pas oublier ça aussi. Hein. Au final, il y a que les taxis qui sont sereins là, par rapport à leur mouvement, leur déplacement. Eux ici, ils savent qu'ils vont pas être emmerdés. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Eux, je pense qu'ils sont tranquilles. Ouais. Ouais, ils ont toutes les voies qui leur sont ouvertes. Ils auront l'afflux de touristes qui va arriver, donc effectivement, ils sont. Et pour ramasser à la volée. Ils pourront marauder partout, soulever. Ouais, non, ils sont tranquilles. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est clair. Ouais, les taxis, quoi. C'est clair. Mmh. Bah écoute, Telmi, merci. Ouais. Merci pour ton temps. Bah, je t'en prie, Hakim. Voilà. Et bah écoute, si tu as des infos ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me les relayer sur WhatsApp pour que je puisse en faire profiter la zone. Et puis voilà, on se dit à très vite, j'espère. Et prends soin de toi. À très bientôt. À bientôt. Ça marche. Bonne soirée à tous. Merci. Bye, ciao. Ciao, Elmi. Eh ouais, alors est-ce que les sudistes vont monter à Paris là, hein? Et est-ce que les parisiens vont aller dans le sud mais en vacances? En vacances, pour fuir Paris pendant les JO. Ouais, c'est... Vous voyez, même Elmi, il dit, moi je suis dans le flou total. Il sait pas encore quoi. C'est-à-dire qu'arrivé vers la fin, s'il voit que vraiment il n'y a rien pour nous, bah... Ah bah s'il n'y a rien pour nous, bah nous on sera pas là pour vous aussi, hein. Bye bye. Et j'ai envie de te dire... C'est peut-être un peu ce qu'ils mériteraient, hein, tous là. Print écran, j'ai rien, mon frérot. Aïssam, j'ai rien. Je reçois des trucs tous les côtés, les gars. Si vous saviez comment c'est dur de tout contrôler, là, le téléphone et tout, c'est vraiment complexe. D'ailleurs, le téléphone, je crois que je vais le repasser en filaire pour éviter. Alors, c'est quoi les restrictions pour les VTC et pour les JO? Bah, il n'y a que des restrictions en fait, donc c'est simple. Tu vas... Les VTC, a priori, là, ils vont se balader que comme des... Sur le WhatsApp de Radio Uberzone. Ils vont se balader que comme des véhicules particuliers. Aïssam, c'est compliqué de tout gérer là. Je vais essayer de... Ah oui, ok, je vois. Ouais. L'antenne est libre. J'ai eu un appel tout à l'heure pendant que j'étais en ligne. Donc s'il y en a qui veulent appeler, c'est maintenant. Je vais essayer de remettre le chargeur de ce côté. Oh, c'est un délire. Allez, calme-toi. Il s'énerve. Ouais. Calme-toi. J'ai même pas fait exprès. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Libre antenne, les amis. Si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai le son? Je vais essayer. Faut que je vérifie ça tout de suite. Faut que je vérifie tout de suite. Laisse le préfet, il va accompagner les clients sur son dos avec Hidalgo. Tu vois, moi, ma dernière... Bon, là, ça parle de voiture, de LOA. Nous, on parle de JO. Il y en a, ils parlent de LOA. Sofiane, comment vas-tu? Ça va, le Lyonnais? 2 heures pour faire la même course habituelle, même avec 30% de plus, je sais pas. Bientôt, tu auras une régie, mon frère. Ouais, franchement, je pense que c'est ce qu'il faut, là, parce que j'arrive au stade où... Tiens, d'ailleurs, maintenant, il faut que je regarde si j'arrive à contrôler... Je vais voir si ça passe. Faut que je mette un audio pour savoir si j'arrive à faire passer le son via le filaire et que je suis bien branché. Je rappelle également que ces dérogations prévues et les discussions que nous avons eues n'ont fait que confirmer la nécessité de prévoir une plateforme numérique pour pouvoir rentrer dans cette zone, donc s'inscrire de manière dématérialisée, produire des justificatifs qui permettent d'attester qu'on a le droit d'y rentrer. S'il y en a un qui veut tester le filaire, c'est parti. Est-ce que vous avez des choses à dire concernant ces JO? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez déjà décidé quelque chose, certains? Dire moi, de toute façon, moi, quoi qu'il fasse, je reste pas. Ou est-ce que vous pensez que potentiellement ça peut être intéressant de rester et de faire du chiffre pendant cette période-là du 26 juillet vers le 11 août, je crois. Alors, faut liker, on a 149 likes, 95. Et ouais. Eh oui, Sofiane, ça va. Blocage du périph' obligatoire. Ouais, en fait, moi, je pars taf dans le sud tout l'été. Moi, je vous dis, hein, blocage, le meilleur des blocages qu'on peut leur faire, c'est peut-être de ne pas participer à ces JO, hein, tout simplement. Mais en plus, c'est pas une grosse, c'est une quinzaine de jours. Hein. Et en plus, ça tombe pendant les vacances estivales. Donc, c'est souvent les moments où on va en vacances. Hein. Donc... Allô, allô. Oui, bonjour. J'ai une solution pour que tous les VTC soient acceptés pendant les JO. Vous voulez la connaître? Ouais, bah oui, s'il te plaît, ouais, si tu nous appelles, c'est pour ça, non? Bien sûr, c'est s'inscrire chez ABCAPS Academy, c'est obligatoire. Et après, vous avez... Non, mais c'est vrai, ne rigolez pas, monsieur. Ouais. Bon, je me suis fait encore griller. Forcément. Comment tu vas? Ça va très très bien. Alors ça parle des JO aujourd'hui. Ouais, on essaye. On a fait déjà intervenir 2 personnes pour donner des infos, mais là j'ai l'impression que la zone est timide ce soir. C'est dommage, hein, parce que moi j'aurais bien voulu avoir des avis de chauffeurs, de savoir un peu ce qu'ils en pensent. Bah, c'est surtout que y a une... lundi c'est thématique. Et après, attends, on n'a rien contre les mecs qui posent des questions sur les LOA machin, mais aujourd'hui lundi c'est thématique. Posez vos questions le vendredi, les mecs. Mmh. Ah ouais, là, ça, bah ouais, écoute, ouais. Après, on ne va pas empêcher les gens de poser des questions. Ouais, dans le chat. Ouais. Puis il y a le forum Uberzone aussi pour des discussions bien plus pérennes aussi. Ben oui. Ouais. Par contre, concernant les JO, moi, il y a un truc qui me choque. Il y a un désamour des VTC de toute façon, mais il y a une... Enfin, je suis peut-être un peu fort dans mes propos, mais il y a une haine de la mairie de Paris contre les VTC. C'est un truc de fou quand même. Hein. Est-ce que vous vous rappelez quand même que début 2024, ouais, je crois que c'était début 2024, il avait été question que les VTC soient chassés des 8 premiers arrondissements. Ouais, c'est ouf. Et il y a eu une campagne sur Twitter, bon, qui s'appelle X maintenant, on s'en branle, c'était l'hashtag « touche pas à mon VTC ». Et c'est un de mes formateurs qui avait lancé ça. Et ça avait commencé à faire du bruit. Mais le truc, c'est que la mairie de Paris déteste, mais vraiment au dernier degré, les VTC. En fait, ils ne considèrent... Je crois que c'était... Je ne sais plus comment il s'appelle, son second là, à la maire de Paris. Béliard ou Béniard. L'adjoint maire. Ouais. Ou qui considérait que les VTC ne faisaient pas partie de l'offre du T3P. Je crois qu'il n'a pas regardé les textes de loi, en fait. Francis, un peu de force, pardon, excuse-moi hein, pour le don, j'ai oublié de lire son message. Un peu de force pour la zone, c'est pas grand-chose, mais c'est pour le geste. Merci beaucoup, Francis. À chaque live, il apporte sa petite contribution. Franchement, le petit pourboire, la petite pièce, ça fait toujours. Mais que Dieu te le rende, mon tonton Francis. Merci beaucoup, vraiment, pour ta fidélité et ta générosité, vraiment. Et ils considèrent que les VTC ne font pas partie en fait de l'offre du T3P. C'est les parias. Merci. Les VTC, c'est les parias du T3P. C'est clair. Ils sont harcelés incroyable. De toutes parts. Ils sont harcelés par les flics pour les contraventions et la vidéo-verbalisation. Ils sont harcelés par la mairie de Paris. Ils sont harcelés indirectement aussi un peu par les applications avec ces nouvelles réglementations, ces nouvelles tarifications, etc. Et ne sont pas compris par une partie de la clientèle qui dit mais pourquoi vous me déposez ici? Harcelé par une partie de la clientèle, voilà. Ouais, si je vous dépose plus loin, le prix de l'amende va dépasser le prix de la course. Donc laisse-moi te dire que non, en fait. Ouais, non, il y a vraiment un manque de respect évident envers la profession de VTC, ça c'est clair. C'est assez pénible, quoi. Et... Donc voilà, c'était simplement pour dire ça. Donc je vais libérer l'antenne pour donner un petit peu de la force. Merci. On se capte vendredi. On se capte vendredi. Ça marche. Un petit live de folie freestyle Planète VTC in ABCAB's studio. Ouais, je vais acheter du pento comme ça, je vais me coiffer. Il est con. Allez, à plus tout le monde. Merci frérot, merci. Ciao. Ciao mon pote. Ça reçoit là. Ça attend. Thompson, il faut que tu me refasses un audio là. Tu vas me faire un audio qui fait ça appelle pas là, ça attend. Ça reçoit là. Comme ça je le remplace. Ça attend. J'attends. Eh ouais les amis. Donc le filaire fonctionne. Nathalie Miré, bonsoir les JO, je serai au bled. Merci, je vous laisse ma place. Des courses à 9 € et 1 heure pour déposer les passagers. Sans JO, déjà trop de bouchons. Mais c'est trop vrai ce que tu dis Nathalie. Allô, allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Hakim, ça va? C'est Houari, on s'était eu cette semaine au téléphone, je ne sais pas si tu te souviens. Ben, je me rappelle très bien et je t'ai même enregistré, donc je vois ton prénom sous mes yeux là. Comment ça va? Ah, merci. Ouais. Salut, ça va, tu vas bien? Ça va très très bien. Ouais. Et oui, on avait eu une belle discussion, je me rappelle plus ou moins dans les grandes lignes de ce qu'on avait discuté. Ouais, voilà, le sujet de la discussion, c'était je voulais parler du dumping social, si le terme est bon, c'est le terme que j'ai trouvé en tout cas, par rapport au métier de VTT, et qui rejoint un peu la vie de tous les intervenants qui ont discuté avant, tu sais, ce qu'ils disaient les intervenants, c'est les VTC, l'intervenant d'avant il disait que l'adjoint du maire de Paris ne nous considère pas, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et il y en a un autre qui disait que on n'aura pas le droit à les voies réservées, on n'aura pas le droit à les zones rouges aussi. Moi, chose que je ne savais pas. Hein. Ouais. Je n'étais pas au courant de ça. Bah, moi, pour moi, c'est la suite logique. Mm. Tout ça, tout ce que les intervenants sont en train de dire n'est que la suite logique de la pensée de ce que tout le monde pense de nous. Ouais. Comme ce que disait ton intervenant avant, tu vois. Ouais. Il disait, oui, on n'est pas considéré par les politiques, ni par la police, ni par personne et tout. Ben moi, je mets en corrélation tout ça par rapport à un dumping social. Mais ouais, au-delà de ne pas être considéré, même, je dirais, j'ai dit harcelé, pointé, visé. Visé. Quand les taxis parlent des VTC, ils en parlent en mal. Ils essaient de les faire passer pour des agresseurs, pour des sauvages. Dans tous les cas, à chaque fois, c'est vraiment chercher à leur nuire, quoi, à leur nuire. Boma, merci Boma. Attends, je vais juste lire un message, excuse-moi Houari. Un peu de force, merci pour tes lives. On passe d'excellents moments en apprenant plein de trucs bientôt sur Uberzone. Merci Boma, merci beaucoup pour la force et pour le geste. Ouais, et donc toi, tu parles de dumping social. Est-ce que tu arrives à trouver un lien avec ces JO pour parler concrètement du sujet, s'il te plaît Houari? Dis-moi, voilà, le fond de ta pensée. Le fond de la pensée, c'est qu'à partir du moment... Tu viens de dire harceler. Mépriser sont les gens méprisables. Ouais. Tu vois, je suis désolé de dire ça comme ça. Ouais. Moi, je parle pas en mon nom à moi, où je pense que beaucoup de chauffeurs VTC sont des gens intelligents, sont des gens courageux, ils travaillent. Voilà. Mais à partir du moment où on se retrouve dans un corps de métier qui est le nôtre, avec des gens, enfin des chauffeurs, sans vouloir critiquer qui que ce soit, tout le monde a besoin de travailler, tout ça, là n'est pas le sujet. Ouais. Mais il y a trop de gens qui sont chauffeurs VTC et qui ne devraient pas être là. Donc à partir de ce moment-là, nous, parce qu'il y avait le premier intervenant, c'était un syndiqué, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est un représentant syndical. Un représentant syndical, voilà. Donc du coup, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que... Les deux qui sont passés, hein, Arnaud et Elmi, sont tous les deux dans l'action syndicale, tout en étant des VTC de terrain. Hein. Ah d'accord, ok. Ouais. Je ne savais pas pour le deuxième. Ouais. Tu parles avec des oreillettes, là, avec un Bluetooth? Non, pas du tout. Ouais, parce que... Tu m'entends de loin? Ouais, il y a un truc bizarre dans la com. Ça, on t'entend, mais je sens que ça pourrait être mieux. D'accord. Ben, je vais peut-être parler un peu plus fort. Ah, peut-être, ouais. Donc, du coup, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les gens, enfin, les élites politiques et autres nous méprisent parce que... Tu sais, regarde, je vais te dire un truc. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. C'est une intuition. Je pense que les examens de VTC... sont, comment dire, il y a des échecs dans des examens de VTC qui sont validés. Ouais. Je ne sais pas si tu me suis. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi l'examen de VTC et qu'on a fermé les yeux, qu'on aura validé pour leur donner la carte de VTC. Tu crois? C'est quoi les jurys? Je pense. Les jurys au niveau de la preuve pratique, par exemple, ou de la théorie? J'ai l'impression, parce que des fois, il y a des anglophones. Des anglophones, des gens anglophones. La dernière fois, je suis parti à la Chambre des métiers de l'artisanat de Noisy-le-Grand. Ouais. On était là en examen et tout. Il y avait des gens qui parlaient. Ils avaient du mal à parler français. Ils ont eu leur diplôme. Ouais. C'est vrai que ça peut... Tu vois, donc c'est là que je reviens à ce dumping social. C'est-à-dire qu'on fait rentrer en masse des gens qui n'ont pas à être là, qui n'ont pas de niveau pour pouvoir faire ce métier-là, chose qu'on ne ferait jamais avec les taxis. Tu penses qu'il y a une incohérence entre le niveau requis à l'examen et les chauffeurs qui sont finalement qui réussissent l'examen. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent là-dedans. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des chauffeurs. Et je te raconte une anecdote. Une fois, je suis tombé sur une cliente qui m'a dit « Ah, monsieur, vous parlez français ?» Non, c'est vrai. Ouais. Pardon, excuse-moi, madame. Ouais. Ah non, et la dame, ça m'avait marqué, c'était au Rhincy dans le 93, et elle m'avait dit mais monsieur, c'est pas contre vous, c'est plutôt pour vous, parce que si on continue à avoir des gens comme ça, votre métier, il va jamais être respecté. Et tu sais, ça fait plus de 5 ans qu'elle m'a dit ça. Ah ouais. J'ai regardé, ça m'a fait tilter, et pour revenir, donc pour rejoindre ton discours par rapport au JO, ben, on n'est pas défendable. En gros, tu sais, c'est... Je prends l'exemple, c'est comme si nous on est assis autour d'une table. Hey, vous, et je dis ouais, bon, vous là, fermez-la. Déjà, on vous donne un morceau de viande. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, alors que si tu viens, t'as une corporation, voilà le terme que je cherchais, une corporation puissante avec des bons représentants et comment on appelle ça, des salariés. Je parle pas des salariés, mais des intervenants de qualité. Ben là, tu es obligé de faire corps avec nous. Enfin, les élites en place sont obligées de faire corps avec nous. Mais là, personne ne peut faire corps avec nous. Je ne sais pas si tu... C'est pour ça que je reviens au dumping social. C'est après toute la conversation qu'on a, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est politique, c'est volontaire. Ouais. Je ne sais pas si tu me... Si, je te suis. Et tout le monde te suit, je pense. En gros, tu penses que c'est volontaire dans le sens où leur but, c'est justement de laisser rentrer en masse des chauffeurs, quoi. Ouais, après, faire rentrer en masse, moi, que des chauffeurs viennent travailler et que... Ils sont à leur place, ben pourquoi pas. Mais à partir, tu sais, c'est ce dont on est en train de parler, ça a eu exemple dans tous les corps de métier en France. Dans quasiment tout, ça a eu la même chose à l'hôpital, il y a eu la même chose dans les usines. Je suis pas en train d'inventer l'eau chaude, hein, c'est quelque chose qui existe déjà, et ils l'ont fait avec nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après le mec qui vient du bled, sans vouloir être péjoratif et sans vouloir dire que des gens du bled ne peuvent pas faire notre travail, c'est pas ce que je suis en train de dire, au contraire. Au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui vient de loin et qui, à la base, n'espérait même pas travailler dans ça, tu vas lui dire « Ah, c'est pas normal comment Uber est en train de te payer, c'est pas normal ce que tu es en train de faire, faut que tu milites, il va jamais le faire. » Parce que, disons les choses, les deux intervenants d'avant, moi-même, peut-être toi, si demain le VTC ça s'arrête, je pense qu'on va retourner dans des corps de métier et on va, comment te dire, peut-être gagner nos vies confortablement, chose que beaucoup de chauffeurs, c'est pas le cas. Mmh. Donc quand tu vas leur dire, ouais, c'est pas normal que t'aies payé comme ça, c'est pas normal, t'as pas le droit aux voies olympiques, il va rien dire du tout, lui. Il va dire, ah, moi je travaille à la plonge, dans un restaurant, tu vois. C'est tout bénef pour lui déjà. Dans cette situation-là, c'est tout bénef pour lui, ouais. Voilà, mais c'est voulu, c'est voulu, c'est volontaire. Et je pense que si les JO parisiens auraient eu lieu en 2014 ou en 2015 en France, les VTC n'auraient pas été pénalisés, par contre. Mmh. Ah ouais. Il y a 10 ans, on avait une bonne image. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, donc, ça a changé. Voilà, l'image s'est dégradée. Ouais. Mmh. Pour pouvoir, pour que les applis puissent s'en mettre plein à les poches, c'est volontaire, c'est politique. Et voilà. Et toi, toi dans tout ça, dis-moi. Ta situation, ton expérience sur le terrain en tant que VTC, ça fait combien de temps que tu es VTC déjà? Ben moi, là, j'ai repris depuis peu. Ouais. Moi, j'ai eu ma carte en 2013. D'accord. C'est vieux. Ouais, ça date. Mais pas oui, ça date, c'est vieux. Mais je n'avais pas travaillé dedans parce que j'étais dans mon ancienne profession. Après, j'ai repris en 2018. Après, j'ai arrêté pendant le confinement. Et après le confinement, j'ai fait tout autre chose. Et là, j'ai repris depuis peu. Mmh. Donc, ouais, donc voilà. Et pour les JO, revenir un peu, et pour les JO, tu sais. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, je vais te dire quelque chose. Peut-être que les autres chauffeurs l'ont vécu, ceux qui écoutent là. Peut-être que tu as eu les échos. Une fois par jour, il y a un passager qui monte et qui me demande qu'est-ce que je vais faire pour les JO, est-ce que je vais travailler? Ah ouais? Minimum. Mais c'est fou, ça. Minimum un passager par jour. Même les clients, ça les intéresse en fait. Bien sûr. Monsieur, vous comptez faire quoi pendant les JO? C'est incroyable ça. Ouais. Tu peux demander à tous les chauffeurs, les prochains intervenants, sur le forum, là, ils peuvent te dire, au minimum une fois par jour, j'ai un passager qui me demande ça. Mais j'ai vraiment, et je leur dis, je sais pas, la première fois, parce que comme j'ai repris depuis peu, j'ai repris depuis le mois de novembre, la première fois, je me suis dit, mais pourquoi il pose cette question-là, ce mec? J'ai pas compris. Et après, au fur et à mesure, j'ai vu que les passagers, au fur et à mesure, me posaient la question, et je leur demandais, je disais, mais faites pourquoi vous me posez la question? Oui, parce que le chauffeur que j'ai eu avant, il m'a dit que lui sera pas là pendant les JO. Ah. Donc, et après, de fil en aiguille, bon, déjà, il y a l'idée que Paris, c'est un enfer quand c'est pas les JO. Déjà, je parle de circulation. Bah oui, oui. C'est un enfer quand c'est pas les JO. Pendant les JO, ça va être pire. Et après, si on nous donne pas accès... J'ose à peine imaginer, moi. Je suis encore passé en scooter, là. Je remontais... J'ai pris A4, je suis remonté sur Paris pour aller Paris-Centre dans l'autre sens. Je crois que, je sais pas, j'ai dû voir des bouchons sur 3-4 km. C'est pour ça que les chauffeurs sont courageux. Incroyable, 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 incroyable. Ça. Ouais. Et pour les JO, ben, moi, comme je dis souvent, je pense que je vais tâter le terrain. Après, ma vision des choses, c'est que le métier de VTC a développé une clientèle qui n'existait pas. C'est ça que les gens ont oublié quand on parle de concurrence avec les taxis. Par exemple, moi, je suis d'Aulnay-sous-Bois. Ouais. Une course d'Aulnay à Sevran ou d'Aulnay à Blanc-Ménil, en 2010, ça n'existait pas. Un taxi ne faisait... Donc nous, on a créé une clientèle. Ça, faut pas l'oublier, c'est une force. Je suis d'accord, ça c'est vrai. Et c'est pas forcément une clientèle qui prenait les taxis. Hein. Ça, c'est des gens qui prenaient des bus ou des RER. Bien sûr, mais c'est pas du tout une clientèle qui prenait des taxis. Un client qui était à Villepinte pour aller à Blanc-Ménil, avant, il appelait pas un taxi. Il appelait un pote, il appelait un cousin ou il attendait le bus. Où il demandait à quelqu'un à la sauvette dans la rue. Il ne prenait pas VTC. Donc, nous, on a créé une clientèle. Donc, moi, mon avis, ce serait peut-être de faire ça pendant les JO. De rester dans ma zone, dans le 93, dans le 95, en banlieue, et de faire que des clients comme ça, que des passagers comme ça. Et dès que je vois que ça s'approche de Paris ou des sites olympiques, j'y vais pas parce que c'est bourbier. Ah ouais, non, voilà mon avis. Ouais. Voilà. Ou sinon, partir en vacances. Voilà, c'est l'occasion peut-être. En tout cas, voilà, la quasi-majorité des passagers, eux-mêmes, ils se posent la question. Et petite anecdote, la dernière fois, j'ai récupéré une passagère, une dame, on a eu 40 minutes de route, on a discuté. Elle avait d'après elle, hein, bon, je pense que c'est vrai, c'est une femme quand même à un certain âge, elle était dans le staff des JO 2024. D'accord. Et elle me racontait pour l'anecdote, elle m'a dit qu'à la base, avant le confinement, il était programmé que des gares prioritaires sortent de terre. Des quoi? Les gares du Grand Paris. Ouais. Ah. Parce que dans les gares, il y a des gares prioritaires. Et les gares prioritaires qui devaient sortir de terre étaient les gares qui devait, comment te dire, qui devait desservir les sites. Mmh. Et comme il y a eu le confinement, Covid et tout ça, ça a pris du retard. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu l'alternative de faire les voies olympiques. D'accord. Parce qu'à la base, avant le confinement, il n'y avait pas d'idée de voie olympique ou de voie réservée pour les taxis ou pour les véhicules aménagés. Donc, prise de retard sur les gares. Ouais. Donc, c'est comme, par exemple, la... Comment on appelle ça? La maison des journalistes qui se trouve à Duny. Je ne sais pas si tu es au courant. Non. Le village comment on appelle ça, des journalistes, il se trouve entre Duny et le Bourget. Mmh. Le journal de la presse, voilà. Mmh. Le camp de la presse, il se trouve au Bourget. Mmh. Tu vois, comme quand il y a le salon du Bourget, ils ouvrent la A1. Ouais. Il y a une sortie A1 qui ouvre spécialement, juste en face de l'aéroport, qui est fermée tout le reste de l'année. D'accord. Et bien là, ça va être la maison de la presse, ça va être là-bas. D'accord. Le camp de la presse. Mais à la base, ça ne devait pas être ça. Ils devaient les mettre autre part, ils les ont remis là, parce que voilà, comme il y a du retard. Et donc, l'idée, donc là, enfin, initialement, il devait y avoir des gares qui devraient s'ouvrir. Il y a prise de retard, donc la deuxième idée, c'est les voies olympiques. Voilà pourquoi ils ont fait les voies olympiques. Ouais, c'est comme une situation de rattrapage, de secours, quoi. Exactement. Donc, du coup, par rapport à ça, donc ils ont, voilà. Donc après, ils ont décerné ça aux taxis, aux véhicules aménagés, aux véhicules de délégation, aux véhicules de secours et tout ça, et pas aux VTC. Parce que pour moi, revenant à ce que je disais, dumping social, manque de considération, parce que on n'a pas de syndicat fort. Mmh. Voilà, les chauffeurs, entre les chauffeurs pirates, il n'y a pas assez de législation pour notre métier. Forte. Il n'y a pas assez de législation forte. Mmh. Et parce qu'en vérité, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu as dit oui, on est oppressé, mais pas dans le bon sens. Mmh. Tu vois, on n'est pas oppressé dans le bon sens. C'est-à-dire les keufs, ils sont prêts à nous mettre une amende pour une infraction, mais pas à vérifier et à faire véritablement le travail pour arrêter les faux chauffeurs. Ouais, pour assainir. Et là, le problème. Parce qu'il y a encore la place pour légiférer, ça c'est sûr. Il y a encore la place. Ouais. Bah, ouais. Tu sais, regarde, et tout le monde le sait, ce qui se passe, vraiment, la face cachée du VTC, tout le monde la connaît, surtout même dans les plus hautes instances. Tout le monde sait exactement ce qui se passe, mais ils font rien. Bien sûr. Ils font rien. Bien sûr. Ils savent très bien ce qui se passe, mais ça les arrange. Demain, la législation devient plus intéressante et on règle les autorités en place règlent les choses correctement. Tous les VTC honnêtes qui travaillent et tout. Ouais, ils vont gagner leur vie correctement. Mais ils vont gagner leur vie plus que correctement. Ouais. Et là, en fait, avant un tel événement, je pense qu'ils ont intérêt à laisser couler tous ces trucs-là, tous ces chauffeurs, tous ces rattachements, tous ces trucs, laisser couler, histoire d'être sûr d'avoir une masse de transporteurs pour assurer l'événement, quoi. Peut-être qu'après les JO, ils vont peut-être serrer un peu la vis. Je sais pas, c'est une idée que je lance comme ça. Aucune idée, peut-être, c'est possible. Mais, en tout cas, rien ne s'obtiendra sans pression. C'est-à-dire que si le corps de métier ne fait pas pression, voilà. C'est historique. C'est historique. Exactement. Sans moi, un exemple de corps de métier, historiquement, sans mouvement syndical, qui a réussi à avoir quelque chose. Ça n'existe pas. Exactement. Sans pression, il ne se passera rien, ça c'est sûr. Il ne faut pas attendre que l'État va venir pour te faciliter la tâche. Non, jamais de la vie. Tout s'obtient par la force, entre guillemets. Ouais, ou par les drames. Ouais, malheureusement, mais par les drames. Ouais. Si demain il y a un drame, ça peut éveiller VTC, les institutions. Ça peut éveiller les consciences. Et malheureusement, attendez, cette profession, elle est comme ça. Mais bon, j'espère pas en arriver jusque là. Je préfère un mouvement syndical. Ouais, non, c'est clair, c'est mieux, c'est mieux. Allez, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour ton intervention. Première intervention sur le live. Ouais, première, exact. Merci pour en tout cas, merci, continue comme ça et force à toi et bon courage à toi. Merci beaucoup. Et bonne continuation et courage à tous les chauffeurs VTC qui viennent du bled ou d'ici. J'ai rien contre eux. Non, bien sûr. Ils comprennent bien. Il n'y a pas de souci. Merci, Houari. Prends soin de toi. À bientôt. Continue le live. Merci, c'est cool. Ciao. Voilà, première intervention de Houari sur le live. Bon, ben voilà. Et encore, je sens qu'il avait beaucoup de choses à dire, mais qui sont peut-être pas forcément en rapport avec le thème d'aujourd'hui, les Jeux Olympiques. Mais ça sera plutôt dans les freestyles. Allô. Calme-toi. Calme-toi. Comment ça va? Ça va, Hakim. Tu vas bien? La pêche et toi? Très très bien. Je te remercie. Très très bien. Ouais. Alors. Bon, j'appelais pour parler des JO, justement. Bah oui. les gens, ce qu'ils ne sont pas au courant, c'est qu'il va y avoir un nombre incalculé de gens qui vont se déplacer sur Paris de tous les pays du monde. Apparemment, dans les chiffres, il y a 15 millions de personnes qui sont attendues. Est-ce que tu sais ce que ça représente, 15 millions de personnes sur un court laps de temps? Sachant que rien que la population parisienne, je crois qu'on est à 11 ou 12 millions. Au-delà de ça, il y a 60 millions de personnes qui viennent visiter Paris à l'année. Ça veut dire un quart de cette population sera là pendant 15 jours. Mais il va y avoir du taf à gogo. Ouais. Les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts. Il n'y aura pas assez de chauffeurs, ni de taxis, ni de faux chauffeurs, tout ce que tu veux pour pouvoir gérer cette clientèle-là. Sachant qu'en plus, il y a les JO la journée. Mais la nuit, tous ces gens-là, ils sortent le soir. Ils vont aller au resto, ils vont aller prendre des verres, ils vont aller ceci, ils vont aller cela. Ils vont avoir du déplacement. Je t'entends mal, Aïssam. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Tu m'entends mieux? Ah, frère, c'est le jour et la nuit. Ah, il faut que je le dise. Il faut que je le dise, en fait, quand ça parle. Parce que moi je t'entendais bien. Bah ouais, toi, tu m'entends bien, mais nous, on t'entendait mal. Là, c'est mieux. Ouais, désolé. C'est pas grave. Donc, ouais, pour moi, honnêtement, après, ça n'est que mon ressenti. Pour moi, il va y avoir du taf à mort. Ah ouais? Pour moi, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Que ce soit le jour. Après, le jour, ça va être compliqué parce qu'il y a des endroits où on ne pourra pas y accéder, effectivement. Mais à la rigueur, j'ai envie de te dire, même, c'est pas grave. Il y aura aussi du taf en banlieue parce qu'il y aura quand même pas mal de chauffeurs qui seront occupés à aller dans les bourbiers. Mais il y aura aussi toute cette clientèle qu'on a de base d'habitude qui sera, elle, là, sur place. Et on va pouvoir bosser aussi en banlieue. Il y aura forcément du monde, bien sûr, plus que d'habitude. Mais le fait qu'il y ait du monde ne veut pas dire que forcément tu vas plus travailler, parce que ça va être la merde aussi. Qui dit plus de monde, dit plus de circulation. Attention, il y a beaucoup de monde qui vont prendre les transports. Et ça aussi, j'allais te le dire aussi. Les touristes, ils savent prendre le métro et tout. Ils savent, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais combien de touristes, moi, m'ont dit... honnêtement, c'est bien plus confortable d'être en voiture, d'être cool en voiture. Bien sûr. Surtout parce que les transports, c'est autre chose. Quand tu les prends et que c'est blindé, c'est autre chose. Et même pour leur sécurité. Tu vas le faire une fois ou deux, mais tu ne vas pas le faire, tu vas pas le faire 36 000 fois. Tu crois qu'il ne va pas avoir 30 millions de pickpockets qui vont être là, avec impatience. Et puis même les gens qui viennent jusqu'ici, en général, ils ont quand même les moyens. Ils ne vont pas chipoter pour un VTC avec un ticket de bus. Les gars qui, tu vois, c'est un budget vacances qu'ils ont prévu. Même un VTC majoré, tu as vu les prix qu'ils nous pratiquent, même majoré, voilà, bien sûr qu'ils vont payer. Ils sont là, tu sais, ils vont venir avec un budget. Toi, quand tu pars en vacances, tu pars avec un budget. Tu sais que tu vas faire de la dépense. Ouais. Tu le sais. Tu ne vas pas venir avec 30 euros dans ta poche en vacances. Tu vois ce que je veux dire? En plus, quand tu viens sur un événement sportif mondial, tu vas venir avec un billet, ça fait un moment que tu mets de côté. Donc, tu vas venir et tu vas dépenser de l'argent. Et tu sais que tes déplacements, il va y avoir de l'argent. Tu vas être obligé de dépenser. Mais moi, en tout cas, pour moi, le soir, ça va bien bosser. Et la journée, ça va bosser. Il va y avoir quelques bouchons, forcément. Mais pour moi, les JO, ça va bosser. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire pendant cette période? Moi, je compte envoyer madame et les enfants en vacances et je compte bosser. Ah, donc tu restes bosser. Ouais, franchement, j'aurais moyen, je serais même parti avec Transporteur 9.5, je l'aurais rejoint sur Nice et sur la côte pour aller bosser, mais ouais, je vais rester sur place. Je vais rester sur place, je suis trop curieux de savoir comment ça va se passer. Après, par rapport à ce qu'il a dit Arnaud, par rapport à toute la géopolitique, en ce moment... Comme de par hasard, il y a un attentat qui arrive. Là, maintenant, on est passé en vigilance attentat maximum. Comme par hasard, ça arrive là, à quelques mois des JO. Enfin, voilà, il n'y a pas non plus un effet au hasard, entre guillemets, surtout en géopolitique. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer à ce niveau-là. J'espère, après, j'ai rien contre eux, les faux chauffeurs, je peux comprendre certains, voilà, ça à faire, donc ils le font. Mais je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup plus de contrôle, je pense. Ah, pendant les Jeux? Ouais, moi je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de contrôle. Maintenant, voilà, le problème c'est que les applications, elles le savent très très bien, qu'il y a des gens qui travaillent sur les comptes d'autres gens, qu'il y a des faux chauffeurs, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, mais ça les arrange qu'il y ait beaucoup de chauffeurs sur le terrain. Oui, surtout à l'approche des Jeux, justement. Ça les arrange de ouf. Plus il y a des chauffeurs, plus il y a un maximum de revenus et plus ils prennent des sous. Point barre. Le reste, ils en ont rien à foutre. Parce que si vraiment ils voulaient éradiquer le problème, ça fait longtemps qu'ils l'auraient éradiqué. Je ne sais pas si tu te souviens, à un moment, ils avaient coupé toutes les cartes papier. Il y a eu une différence sur le terrain. Et qu'il n'y avait plus ces cartes papier, qu'il n'y avait que les gens qui avaient la carte qu'on a là maintenant, là, tu sais, la petite plastifiée, carte. Plastifiée, ouais. Waouh, taf à mort. J'ai fait des journées de 4-5 heures de taf où j'ai fait des chiffres incroyables. Tu as senti une différence, tu vois ce que je veux dire? Tu sentais qu'il y avait moins de chauffeurs sur le terrain. Et ça, ça ne les a pas arrangés. Parce que leur algorithme, il a fait en sorte d'augmenter toutes les courses. Ça, ça ne les a pas arrangés. Quand ensuite, ils ont laissé les faux chauffeurs, les comptes, les ceci, les cela, là, tu as senti qu'il y avait un peu plus de chauffeurs sur le terrain et là, tu as senti que tu bossais un peu moins, tu vois. Mais tu bossais quand même, tu vois. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, par rapport à la masse de personnes qui vont venir sur Paris, il va y avoir du taf. Et donc, tu vas rester pour bosser, quoi. Je vais rester pour bosser, ouais. Et je pense que je vais partir en vacances au mois de septembre ou, peut-être les premières vacances scolaires, tu sais. Non, mais c'est bien que toi, au moins, voilà, tu as une idée bien arrêtée, tu vois les choses comme ça et tu te dis, voilà, moi, je vais bosser, quoi. Voilà, et là, pour justement... moi, c'est logique. Pour moi, c'était la logique. Un événement planétaire qui arrive comme ça, je me souviens, moi, de la Coupe du Monde. Et pourtant, la Coupe du Monde, c'est que le foot. Donc, c'est que les stades, et c'était dans tous les stades de France, pas que en région parisienne. Là, il va y avoir quelques épreuves, il me semble, je crois, dans le sud ou ailleurs, mais la plupart des épreuves, elles vont se passer ici, à Paris, à Saint-Denis. Forcément, pour moi, forcément, il va y avoir du taf. Ouais, tiens, justement, il y a VTCYQ qui m'a envoyé un doc, et je l'ai projeté, un lien, c'est un lien, et je l'ai projeté à l'écran, et j'ai mis le lien dans le chat. C'est un lien qui répertorie de façon très claire les sites de compétition à Paris, en Ile-de-France et partout en France. Il est bien fait, le site, il faut dire la vérité. D'ailleurs, alors, la plupart, c'est concentré en Ile-de-France. Non, il y a beaucoup à Paris. Et donc, il y a Pascal qui disait « Super ce doc, avec tous les sites à fuir ». À fuir ou à... Tu sais, des fois, il vaut mieux se manger un bouchon où tu vas faire une super belle course. Alors, c'est vrai que tu vas peut-être mettre une heure et demie, ça ne change pas de ce qu'on fait dans l'année. Ouais. Et ensuite, gratter une super belle course où tu vas devoir emmener, je sais pas moi, quelqu'un qui est venu voir une telle épreuve et qui retourne à son hôtel et qui va payer je ne sais combien. Peut-être en 2-3 courses, tu vas faire ton chiffre, en fait. Ouais, c'est possible, ouais. Et donc, il y a l'Île-de-France aussi. Donc, il y a tous les stades de vue du Manoir, Paris La Défense Arena, Stade de France, Centre Aquatique, site d'escalade du Bourget, Arena Paris Nord. On a tous les sites, là, et partout en France. Et après, là, c'est la carte plutôt de France, le stade Geoffroy-Guichard, le stade de Lyon, le stade de la Beaujoire, le stade de Bordeaux, le stade de Marseille. Et ça sera beaucoup pour les épreuves de foot. Ouais, stade de Nice, stade Pierre-Mauroy aussi à Lille. Donc voilà. Donc tout ça, c'est concentré en 15 jours. Voilà. C'est 15 jours les JO, pas plus. Ouais. Donc je mets le lien. Même les JO paralympiques en septembre aussi, ça va un peu bosser. Ça va être différent, ça va être un peu moins médiatisé, mais ça va quand même bosser, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, je mets le lien dans le chat et je le remettrai aussi dans la description avec le document PDF aussi que je vous ai projeté au début du live. Voilà, ça sera des choses que vous pourrez exploiter, regarder tranquillement à tête reposée pour ceux qui comptent bosser justement pendant cette période. Ouais, Aïssam, merci beaucoup Aïssam. Merci mon ami. Toujours un plaisir de t'avoir à l'antenne, de discuter un petit peu avec toi, de savoir que tu vas bien, de me donner des avis bien précis. Toi, tu sais ce que tu vas faire, voilà, tu le dis, tu n'es pas dans le flou. Peu importe. Qu'il y ait des lieux de dépose ou pas de dépose, tu feras avec, tu vas bosser. Avec, quoi qu'il arrive. Moi, le but, c'est d'arriver toujours à l'objectif, comme d'habitude. Ouais. C'est tout. C'est ton chiffre, quoi. L'objectif, on voit comment ça se passe. Si on voit que c'est bourbier, bah, on fuit, on essaie de voir ailleurs, on essaie de voir comment ça se passe. Mais comme tu as dit, il y a des sites au Bourget, à Saint-Denis, ça va bosser en banlieue. Il va y avoir des gens qui ont pris des Airbnb, ils vont les prendre un peu partout. Tu me l'as enlevé de la bouche. Moi, je connais des gars qui vont mettre leur appartement dans le 9-3 en Airbnb pour les JO. J'ai conseillé à un mec que j'ai pris tout à l'heure, que j'ai déposé à CDG, qui est en train de vendre son appartement. Je lui dis, mais pourquoi tu veux vendre ton appart? Tu vends-le en septembre, ton appart. Voilà, ouais. Je dis, là, ce que tu vas faire, là, tu vas peut-être faire entre 4 et 5 000 euros, là, juste en 15 jours. Ton appart, tu loues 1 200 le mois. Réfléchis un petit peu. Vends-le après. Non, 1002 le mois. Attends, pendant les JO, tu peux louer jusqu'à 300, 400 euros la nuit. Je dis entre 3 et 400 euros la nuit. Ah ouais, facile. À côté du Stade de France. À côté du Stade direct. Non, à Agnières. Ouais, c'est pareil. Mais à Agnières, où? À côté du tramway et du métro. Je dis, mais tu te rends pas compte, là. Je lui dis, mais ton appart, mets-le en location et vends-le en septembre. Tu verras, tu me remercieras. Bah oui, c'est pas... en plus, c'est la meilleure période, c'est la rentrée. C'est pas l'été. Tu vends rien l'été. C'est pas l'été qu'on vend. C'est bien connu. Non. C'est exactement ça. Ouais, tu vends là jusqu'à début juillet. Ouais, après juillet, août, ça y est. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le Parisien. Il y en a qui aiment les JO, mais il y en a, ils n'en ont rien à foutre. Le Francilien, il part en vacances l'été. Qu'est-ce qui reste l'été sur Paris Je parle pas ailleurs, sur Paris, c'est du touriste. Beaucoup d'Américains, beaucoup de Sud-Américains, beaucoup de tout. Mais beaucoup de touristes l'été. Ouais. Beaucoup à Paris. Aïssam, merci mon frérot, merci mon poteau. Chaque fois que je t'entends, que je te vois, je pense à Planète VTC. C'est gravé, frère. C'est gravé dans la roche, Planète VTC. Aïssam. Encore heureux que c'est gravé, frérot. Ah ouais, il va falloir que tu mettes un petit mug avec Planète VTC ou alors sur ton micro, là. Il y a encore de la place sur le micro. Tu sais pas ce qui arrive. Il arrive un putain de décor néon Planète VTC avec le logo Uberzone en néon, frère. Ah, avec plaisir. Voilà. Mais cool, ça aussi, c'est un budget. Ça aussi, c'est un budget. Mais je vais le faire. Et ça va décorer le studio. Faut savoir investir. Oui, mais jusqu'au bout, je te dis, je prends, j'investis. Moi, je veux, voilà. Je veux que ça prenne une tournure vraiment classe, quoi. Que tout soit dans le ton, dans le décor. Voilà. Il y a une enseigne en néon lumineuse qui va arriver avec Planète VTC et le logo Uberzone en néon aussi. Je suis en train de démarcher pour obtenir ce petit produit-là. C'est bien, ça évolue. Ouais, il faut. Merci beaucoup, Aïssam. Prends soin de toi, mon frérot, et de ta famille. Prie, toi aussi. Salam à la zone, salam au chat. Merci, salam à tout le monde. À bientôt, frérot. Ciao, Aïssam. Eh ouais, Planète. Eh ouais. C'est vrai que je dis eh ouais. Aïssam, c'est le premier à m'avoir fait remonter mes gimmicks. Je fais pas exprès, sans déconner. J'ai un studio en Airbnb, c'est de la folie pendant cette période. Allez, on enchaîne. Allô. Ouais, ça va, Khatib. Comment va? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquillement. Comment ça se passe? J'écoutais le live. Ouais. Ça va, on est là. On est rentré à la maison, ça va être tranquille, on est bien. Tranquille, t'as capté le live dès le départ. Tu m'as dit si t'as on annule. Si t'es en retard, on annule. On annule. 4 minutes, j'annule. Et je prends les frais d'annulation. L'annulation directe. C'est moi qui dois passer à la caisse. Je dois payer tous ceux qui sont arrivés là et qui n'ont pas eu le truc. Je dois leur reverser 4 euros à chacun. On va faire l'inverse. J'ai pas hésité pour les JO. Franchement, t'as vu, je vais te dire un truc. Ça sent le bourbier à leur histoire des géants. Ah ouais? Ben ouais, il n'y a rien qui est prêt. Quand tu regardes Paris, tout est en travaux, tout est... Bon, c'est pas des paysans. Paris, c'est en travaux toute l'année. Donc ça, c'est pas des paysans. Mais là, encore plus, tu vois. Tu regardes l'autoroute 1, elle est fermée tous les soirs, ils ferment toutes les autoroutes, ils font tout. Ça va être compliqué, il y aura trop de monde, ça va pas rouler. Ça... Déjà que c'est compliqué dans la semaine, alors là, laisse tomber les géos, ça va être une catastrophe. Moi, personnellement, le 25-26 juin, je prends la route, je m'en vais dans le sud. Direct. Je suis pas là. Ouais, je suis pas là jusqu'à août. Allez hop, c'est terminé. Comme j'ai fait l'année dernière, j'ai fait la même chose. Je suis parti tout l'été dans le sud, j'étais bien. Tu bosses là-bas du coup, mais bon, par intermittence quoi. Bon, je bosse, je vais là-bas, je bosse, je me lève le matin tôt, je travaille, l'après-midi, je me balade à la plage, je rentre, je dors, je suis ma vie. Tu te régales. Ouais, je suis bien. Ah, là-bas, il fait beau, il y a la mer, le ciel bleu et tout, tu dois kiffer. Ah, tu kiffes ta life. C'est tranquille. Ouais. Voilà, c'est tranquille. Mais toi, tu kiffes parce que toi, t'es là temporairement, donc tu prends vraiment plaisir. Voilà, eux, ils sont là-bas toute l'année, ils font même plus attention en fait au décor autour d'eux. Ouais, ça leur fait plus rien. Ça leur fait plus rien, mais toi, t'es en pleine extase, tu vois ça. Ah putain, tu te dis, je kiffe quoi, c'est clair. Bah oui. Mais de toute façon, c'est trop compliqué, il y aura trop de contrôle, tu vas voir, ils vont contrôler à tout va, ça va y aller dans tous les sens, on va se prendre des amendes dans tous les sens. Ils vont faire de l'argent pendant les jours. Ils vont chiffrer à mort. Et regarde-moi, tu vois, tous les samedis soirs, tu vois, quand il est 3 h du matin, je sors de Paris, je vais en banlieue. Ouais. Je vais en banlieue, je fais des sorties de boîte de banlieue. Bah tu vois, là, samedi, il y avait un contrôle de gendarmerie, ils ont arrêté un faux chauffeur devant moi. Il s'est fait serrer, le mec. Ouais. Il s'est fait serrer, il y en a plein qui roulent, c'est plein de faux chauffeurs, il y a plein de problèmes, Déjà, c'est pas réglementé chez nous, donc je sais pas ça va donner quoi cet été. Plus tous les mecs qui vont venir de Lille, de partout. Il y a plein de chauffeurs qui vont venir de partout. C'est sûr et certain, ils vont venir tous bosser ici. Il y aura du boulot, mais ça va être saturé. C'est sûr, c'est sûr. Ça va être un calvaire. Ouais. Ça va être un calvaire. Après, moi, je comprends, tu vois. Tu te dis, ouais, les JO, c'est vrai, c'est qu'une fois, tous, je sais pas combien d'années, ici, on l'a fait arriver en France. Ouais, tout le monde voit ça comme, je sais pas quoi, la poule aux odeurs. Ouais. Bon. Moi, j'y crois pas. Je sais pas, hein. Je sais pas, c'est plutôt un œuf empoisonné qu'on va avoir, on dirait un peu, tu vois. Bah, moi, là, ils sont en panique. C'est en panique. Tu regardes la télévision, les JO, rien n'est sécurisé, rien n'est prêt, on ne sait pas comment on va faire. Ils disent, tu te rends compte, ils disent aux gens d'éviter les transports, aux Parisiens, d'éviter les transports, de favoriser les touristes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire donc en clair, les gens qui vivent dans Paris, ils leur demandent de ne pas prendre trop les transports, de favoriser les touristes. J'ai pas compris, là. J'ai pas compris. En clair, à Paris, ils leur ai demandé, parce que moi, je prends des gens avec moi dans les voitures, en voiture, ils me disent, ouais, mais tu te rends compte, ils demandent aux Français de moins prendre des transports pendant ces périodes-là et de favoriser et de laisser la place aux touristes qui viennent. Ça veut dire quoi, ça? Ouais. Attends, je te coupe une seconde. Enfin, Kikou, frérot, merci beaucoup. Force Hakim, petite contribution pour le néon Planète VTC. Merci, Kikou. Il capte. C'est bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais, et donc, ouais, non mais. C'est compliqué. Ouais. Et donc, toi, tu te barres, quoi. Tu te barres. Ouais, moi, je m'en vais. Ouais. Je laisse tout ça à tout le monde, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça me va très bien. Mmh. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, ça se voit. Il n'y aura pas. Ce sera pas. C'est pas réglé. Le truc n'est pas réglé comme il faut. Mmh. De toute façon, c'est connu, hein, ici. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et puis, ils vont nous assailler, on va se faire assassiner d'amende. Déjà qu'on se fait assassiner en tous les temps, qu'on se fait contrôler à chaque fois. Ils font la misère. Moi, personnellement, tu sais, je vais dire un truc, ça fait un mois, je me fais contrôler au moins 1 à 2 fois par semaine. Ça, c'est une à deux fois par semaine, je mange un contrôle. Ah ouais, ben ouais. Arrêtent. Ah ouais, ils contrôlent. Bah bon, on envoyé là, pendant la Fashion Week, là, deux auditeurs là, très connus du live m'ont envoyé 3-4 PV qu'ils ont reçus. Bon, après, ils ont joué avec le feu aussi. Ils ont dû prendre des petites voies de bus, etc. Ils ne se sont pas fait louper. Hein. Ils ont pas loupé. Hein. Regarde, moi, je suis à Roissy en France. Ouais. Je suis arrêté à Roissy en France. Je vis là-bas. Ouais. Je suis arrêté. La police, elle est venue à côté de moi, s'arrêter. Elle m'a dit, monsieur, vous avez rien à faire ici, il faut partir sans vous mettre l'amende. J'ai dit, je vis ici à Roissy en France. Ouais. Comment voulez-vous que je parte? En fait, je vis ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il faut retirer votre macaron, il faut retirer tout. Je dis, bah non, je peux pas. Le macaron, il est collé au pare-brise, ils ont fait comment? Ouais, je peux pas le décoller. Ouais, ouais. Ils cherchent ouais. à mettre des amendes. Ouais. Ils cherchent à te mettre l'amende, quoi qu'il se passe. Ouais, d'un côté, il te dit, il faut le coller, quand il est pas collé. Et quand il est collé, il te dit, ouais, mais il faut le décoller. Il faut le décoller. Il faut savoir, les amis. Si vous travaillez pas, il me dit, décollez-le. Ah, ben non, c'est quoi? C'est pas autocollant à multiples reprises. C'est quoi ces conneries-là? C'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Et puis, il faut qu'ils fassent le ménage dans ce métier-là. Et puis, il y a plein de choses qui ne vont pas, tu vois. Ouais. Il y a plein de choses, ça ne va pas. Donc, déjà, ça, c'est comme une maison. Si la base, elle n'est pas fiable, elle n'est pas solide, ça va tomber au bout d'un moment. Ça va tomber. Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir des évolutions peut-être après les JO. Là, mais là, tant que les JO ne sont pas passés, ils vont rien faire. Ils vont pas mettre de coup de pied dans la fourmilière. Ils n'ont pas intérêt. Attends, je te coupe encore une seconde, frérot. Excuse-moi. Younes, mon frérot, merci. Force Hakim, merci pour ton concept. C'est du lourd. Merci à vous. Sans vous, ce concept ne serait pas ce qu'il est. Vraiment, c'est grâce à vous. On est 170. C'est juste magnifique. C'est parfait. Merci beaucoup, Younes. Ouais, bah ouais. Non, c'est. Peut-être après les JO, on espère qu'ils font un grand coup de ménage, tu vois. Ah ben ouais, mais et je le dis, j'insiste, hein, je dis sans pression, ils feront rien. Si on met pas la pression, ils feront rien. Tout s'obtient par la pression. Ouais, c'est ça. Ils vont pas arriver et te dire, ah les gars, on a remarqué que ça n'allait pas, vous avez si, alors tenez, on va vous arranger, on va régler ça, on va régler. Non. Mais pour mettre la pression, il faut qu'on soit solidaire. On en revient encore à là, tu vois. Ouais. Il faut être solidaire dans ce métier-là. Il faut que tout le monde se déconnecte, il faut que tout le monde aille manifester. On montre qu'on est là. Parce que, voilà. Parce que après cette histoire, excuse-moi, je te coupe par rapport à ça, on n'est peut-être pas dans les JO, mais ça y ressemble. Quand on parle de faux chauffeurs, on parle de rattachés, etc. Et tu dis qu'il y a plein de chauffeurs, ça arrange l'État. C'est pas vrai. Ça n'arrange pas l'État, puisque les mecs ne déclarent rien. Ils déclarent rien. Et ils sont au RSA et chômeurs. Donc en fait, c'est exactement tout ce qui gêne l'État. Des gars qui ne sont pas en emploi réellement. Donc l'État a tout intérêt à intervenir là. Bien sûr. Bah oui. En quoi ça les arrange? C'est pas des gens qui sont auto-entrepreneurs, ils sont rien, c'est des particuliers. Ils sont rien du tout. RSA, chômage, et en plus ils font des putains de chiffres d'affaires, ils déclarent CUD. Tu vas pas me dire que ça arrange l'État, ça arrange pas l'État ça. Moi je dirais le seul moyen pour arrêter ça, les systèmes de rattachement, c'est d'aller directement dans les sociétés hein, et de les éteindre, c'est tout. Hein. C'est le seul moyen. Hein. Parce que tu regardes, il y en a plein, mais même de toute façon tu regardes, juste tu vas sur le bon coin. tu marques location VTC, tu vois le nombre de trucs d'annonces qu'il y a pour louer des voitures avec rattachement. Ouais. Carrément, les mecs qui louent des voitures avec des comptes. Ah, mais t'as des gars qui ont des, genre des centaines de chauffeurs, hein. 300, 400, 500 chauffeurs attachés. Location, tu te rends compte, location de voiture avec compte compris. Ouais. Donc en clair, le mec qui n'a pas de carte, qui n'a rien, il vient, il loue la voiture, le compte et il s'en va travailler. En toute transparence, au calme. Ouais, tranquille. Mais moi, je te dis, le mec s'est arrêté devant moi. Et ça encore. Devant moi, le gendarme qui est venu voir, il m'a dit, monsieur, j'espère que vous êtes parce que le monsieur devant, c'est un faux chauffeur. J'ai dit, monsieur, je suis en règle, je vous ai tout mis par ma pochette, j'ai sonné mes papiers. Il a tout vérifié, l'autre devant, il s'est fait arrêter. Allez, ciao. Ouais. Voilà. Mais c'est dommage parce que tu donnes ça l'image de ce métier-là. Donc en fait, tout le monde et n'importe qui peut venir et ouais, bonjour, bah, je fais VTC, allez hop, c'est parti. Ouais, on y va. Ouais, t'as jamais vu un faux taxi? Enfin, un taxi qui loue tout son taxi, tout son truc avec le mec qui part. Regarde, on n'a jamais vu ça. Ouais, c'est très rare. Jamais vu, en tout cas. Et même quand ils font des locations, ils sont censés louer avec la voiture, même s'ils le font pas, ils mettent bien au moins la carte grise avec les deux noms, ils arrivent quand même à faire un truc carré, quoi. Ouais. Après, il y a les clandestins, mais là, c'est une autre histoire encore. On est en dehors. Ça, c'est autre chose. Là, on n'est même plus ni dans le VTC ni dans le taxi. Là, c'est du clandestin, quoi. C'est du clandestin. Voilà, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Déjà, il y a plein de choses comme ça qui vont pas. Après. Ouais. Si tu veux, il faut tout pour faire un monde, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, non, mais ouais, il faut savoir réguler les choses aussi. Hein. Ouais. C'est compliqué, tu vois, quand tu sors des fois. Moi, je sors chez moi des fois, je me passe, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois des mecs, ils sont là, ils absorbent tout parce qu'ils n'ont rien à perdre, ils n'ont pas de société, ils n'ont rien à payer derrière. C'est comme Thompson, là, celui qui dit ça bosse pas, là. Ça attend, il a dit, parce que j'avais manifesté avec Brahim, peut-être ils ont cramé ma plaque et tout, c'est pour ça, ça sonne pas. Tu te rappelles? Ouais, mais des fois, on se pose des questions. Hein. Des fois, tu te poses des questions, je te jure. Putain, tu te dis, c'est dingue, ouais. On ne pourra jamais redorer l'image du VTC. Elle est salie et elle le restera à cause de cette minorité de chauffeurs pas en règle. Ouais, c'est ça le problème. Moi, tu sais que moi des fois, il y a des clients, ils rentrent, ils me regardent. Genre, il y a un problème, ils me disent « Ah, c'est bien vous ». Ah ouais, ils te fixent pour être sûr que tellement c'est devenu monnaie courante, en fait. Ouais, ils me regardent, ils me disent « Ouais, c'est bien, justement ». Moi, crois-le ou non, hein, je prends très rarement des VTC. J'en ai pris deux en 2023 et deux fois, je ne suis pas tombé sur la voiture qui était listée dans l'application. Mais moi, je t'ai dit, j'avais déjà pris une fois, j'ai pris un, c'était pas le bon chauffeur. Ouais. Tu vois, moi, je n'ai pas demandé, je l'ai signalé direct. J'ai écrit, je disais, c'est pas le bon chauffeur au volant. Ouais. J'ai signalé. Et après, une fois, j'ai pris aussi un. La voiture, c'était une épave. Le truc, c'était un taudis, tu vois. C'est quoi ça? Tu roules, elle fait des bruits, on dirait elle va se couper à tout moment. On ne peut pas continuer dans ce métier comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. C'est du n'importe quoi. Autant aller faire du blablacar, tu vois, c'est mieux. Alors à ce moment-là, les mecs qui sont là, ils font tout n'importe quoi. En fait, le problème, c'est qu'il faut que ça soit réglementé. Il faut qu'ils sortent des vraies règles. Il faut qu'ils sortent des vraies règles avec des agents. C'est que pour ça. Ils viennent, ils contrôlent que ça, ils font que ça. C'est leur métier, c'est que ça, tu vois. Ouais. Ils font que ça, ils contrôlent que le VTC. Là, déjà, il y a les élections. Il y a les élections qui arrivent fin mai. Il va peut-être falloir se bouger, peut-être essayer d'avoir les représentants qui seront capables d'aller taper du poing sur la table et dire voilà, nous on veut ça. Cherchez pas à nous faire rentrer dans tel ou tel format. On veut ça, c'est tout. Parce que nous on a compris qu'il n'y a que comme ça. Voilà. Après, si ça se fait pas, au moins vous aurez demandé ça. Et on pourra pas vous dire ah mais vous voulez pas négocier, etc. Tu vois. Donc déjà, première chose, ça va être ça. Ah Miguel. Salam Hakim, Akia, mon formateur, bien à toi et à ta famille. À bientôt, Miguel, le surexcité de Lyon. Ouais, celui qui a pris Damien Penaud, le rugbyman, et qui n'a pas laissé de pourboire et qui l'a pas reconnu. Miguel, j'ai fait un short. Il a cartonné ton short. Magnifique. Salut Miguel. Merci Miguel, merci beaucoup frérot. Merci. Il faut juste qu'ils réglementent correctement ce métier-là. Franchement, ça va rouler tout seul. Moi, je pense qu'il y a encore de la marge devant, ça va pas rester comme ça. C'est pas possible. Par exemple, un truc tout bête, les plateformes. Pourquoi vous convoquez pas les chauffeurs avec leur voiture? Pourquoi vous voyez pas leur voiture et le chauffeur qui conduit la voiture? Déjà, si c'est bien sa carte VTC, si c'est bien cette voiture-là qui roule. Ouais. Pourquoi ils ne demandent pas des photos des voitures quand on les enregistre? Ouais, ça c'est incroyable. Je t'ai dit, deux fois dans l'année j'ai pris un VTC et les deux fois je suis pas tombé sur la bonne voiture. Le bon chauffeur, mais pas la bonne voiture. Explique, pourquoi? C'est quand même incroyable. Parce que les mecs louent leur compte, tu vois. Ouais. Les mecs louent leur compte. Tu vas sur le bon coin, tu mets location compte, il y a des mecs qui louent leur compte sur le bon coin. Ouais. Normal. Tu vas, tu l'appelles et tu te dis, ouais, t'es quoi? T'es un rebeu, t'es un renois. Ok, moi je loue un rebeu parce que je suis un rebeu, je loue un chinois parce que je suis un chinois. Ouais. Et voilà, et vas-y. Et tiens, le code, c'est un truc, vas-y, roule. Et tu prends 400 euros la semaine et vas-y, roule. C'est n'importe quoi, tu vois. Ouais. Et le mec, il veut faire n'importe quoi parce que c'est pas son compte en vérité. C'est là où tu vois que c'est pas bien, tu vois. Il prend, il fait ce qu'il veut, il peut agresser qui il veut, il peut faire ce qu'il veut en vérité. Et après, il salisse notre image. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ben oui. C'est comme ça. Ouais. Comme les JO, hein, les JO, c'est pareil, les taxis, ceux qui mettent la pression aussi pour les JO. Ils veulent pas qu'on croque avec eux dans. Ah, ils veulent pas, ouais, ils veulent tout le gâteau pour eux tout seuls, ouais. Ils veulent tout le gâteau, mais ils vont pas assumer, ils vont pas pouvoir engranger autant, c'est pas possible. Et puis sans oublier qu'un taxi, il a une limite de temps de conduite. Tu penses qu'au bout d'un moment, il va arriver à sa limite, il va lui s'arrêter. Ou sinon, eux aussi, ils vont faire les taxis pirates. Ils vont couper leur compteur et ils vont tourner comme ça, à la volée. Ça va créer beaucoup de problèmes, mais bon. Ouais. Voilà. J'ai reçu une capture, là, je vais la projeter. Je te remercie beaucoup, Transporteur95. Merci à toi, Hakim. Continue comme ça. Ouais. N'oubliez pas de liker. Merci, frérot. On n'est pas assez, là. Merci. Merci pour le soutien, merci pour la force, merci pour ta fidélité à chaque live. Vraiment. Merci beaucoup, frérot. Prends soin de toi, mon ami. Avec grand plaisir. Merci à toi aussi. À très vite, j'espère. Et au fait, le cap, tu l'as reçu ? Ouais, j'ai vu. Là, il est en cours d'acheminement. Je vais le recevoir. Bon, dès que tu l'as, tu m'envoies un message. Je t'envoie un message et on se capte. On se capte et t'inquiète pas, on va faire ça bien et on va filmer aussi pour garder un petit souvenir. Inch'Allah, avec grand plaisir. Et comme ça, on pourra montrer à la zone un peu ce qu'on a fait. On bégaye pas, on fait les choses comme il faut. On bégaye pas. On va jusqu'au bout des choses. Avec grand plaisir. On n'a qu'une parole. Plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Prends soin de toi, frérot. Bah écoute, ça fait plaisir. Allez, ciao. Merci, salam. Eh ouais, transporteur. Il a sa cam. Je lui ai offert une cam. Il a acheté le câble. Il va le recevoir. Je vais lui installer et je ferai une petite vidéo pour vous faire un petit retour. Voilà. On va au bout des choses. Anouar, il dit, ça représente 1% des chauffeurs, ce que tu racontes, les faux comptes. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Anouar. Par contre, les rattachés, c'est pas 1%. C'est la majorité. Et donc, c'est pas le problème, c'est pas les faux comptes. Le problème, c'est les rattachements. Et c'est là-dessus que beaucoup insistent. Et même aussi beaucoup de syndicats aussi. Donc on mélange pas tout à noir, t'inquiète pas. Hein. C'est vrai qu'un faux compte, c'est pas évident. Trafiquer des cartes, etc., c'est pas quelque chose qui est monnaie courante ou qui est facile. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, les rattachements, c'est une autre histoire. Un appel intéressant. Chose qui est monnaie courante. Allô, allô, Heisenberg. Salut, Kim. Ça va, tu vas bien? Ouais, nickel. Ouais. Bon, très bon sujet ce soir, les JO. On va y arriver bientôt, on va y aller. Alors attends, juste une chose, le son est un peu caverneux. Alors on rapproche le téléphone de ma bouche peut-être, c'est mieux là? C'est peut-être un peu mieux, ouais. Peut-être un peu mieux. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bon, je vais donner deux, trois billes hein, de ce que je pense surtout. Hein, on a déjà eu l'expérience d'un été un peu chaud en 2022. Ouais. Sortie de Covid, tout le monde voulait partir en vacances à l'étranger, donc tout le monde voulait voir Paris, aéroport saturé. Il y avait même eu des reportages, pénurie de taxi VTC. Bon, ça a duré 3 semaines, hein, c'était pas non plus la pénurie de l'année, quoi. Ouais. Donc ça donne un peu un avant-goût de ce qui peut se passer quand le système est en surchauffe. En plus, il va y avoir effectivement les sites olympiques. Bon, moi, je pense que c'est des sites qui seront à fuir, mais bon, chacun sera libre d'essayer d'y aller. Oh, j'irai peut-être une fois ou deux, mais après, je pense que ça va être compliqué, hein, vu qu'on n'a aucune autorisation. On va faire du sale boulot, quoi. Ouais. C'est pas ce qu'on veut, quoi. Ouais, se cacher, donc, tu veux dire, il va falloir se cacher, il va falloir être constamment dans la suppression, quoi. Ouais, ou lâcher les clients n'importe où, enfin, du sale boulot. Ouais. Donc moi, ce que je pense faire, c'est bosser, parce qu'on va en bénéficier hein, des JO. Ouais. Que tout ce qui sera fait pour les JO, bah, c'est du travail qui ne sera pas fait par ailleurs, quoi. Il faudra bien le faire. Il y aura toujours des gens qui vont partir en vacances, il y aura toujours des gens qui vont faire des trajets banlieue-banlieue. Donc moi, mon idée, c'est plutôt d'éviter les JO pendant les JO. Voilà. D'accord. De façon, parce que de toute façon, moi, l'été, je travaille, hein, et je pense que la plupart d'entre nous, on considère que l'été, il y a du boulot, quoi. Hein, ouais. C'est une bonne période, ouais. C'est là où tu fais un peu de chiffre, quand même, ça compense un peu les périodes de basse. Ouais, non seulement tu fais du chiffre, mais en plus, tu fais ce que tu as envie de faire. Moi, par exemple, mon but dans la vie, c'est de faire des réservations, plutôt la journée, plutôt en banlieue. Ce que je fais pas en ce moment, puisque en hiver, on fait pas ce qu'on veut, quoi. Là, en ce moment, je fais de l'abattage avec Bolt, Hitch, Free Now, dans Paris, la nuit. Donc, tout l'inverse, quoi. D'accord, ouais. Donc l'été, on fait ce qu'on veut. Et ben, ce que je propose à tout le monde, c'est que chacun fasse ce qu'il a envie de faire, parce que de toute façon, on pourra le faire. Si certains veulent aller sur les sites des JO, bah, qu'ils y aillent. Hein, mais après, ils verront bien, je pense que ça peut être intéressant de le faire une fois pour voir un peu ce que ça donne. Et après, voilà, qu'on t'y reprenne pas. Si c'est la merde, t'y retournes plus, quoi. Voilà, comme Gare du Nord. Gare du Nord, t'y allais quelquefois. On peut dire, bah, t'y vas plus. Ah ouais, ouais, donc, les sites des JO, t'y vas quelquefois. Si ça se passe comme à Gare du Nord, bah, t'y vas plus. Voilà. Tu le fais une fois, t'as goûté, merci, au revoir. Voilà. C'est ça. C'est ça l'idée que j'ai, moi, pour ces JO-là. Et bon, il y aura du taf, hein. Ça, on va bosser, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et surtout que d'habitude, la période des JO, c'est un peu la seule période d'accalmie de juin à septembre. Hein. Fin juillet jusqu'au 15 août, c'est le seul moment de l'été où ça se calme un peu, quoi. Donc là, ça ne va même pas se calmer. C'est plein de bourre, quoi. Ouais. Donc, on va bosser, quoi. Il y aura du business, quoi. On va bosser, quoi. Ouais. Voilà. Et sinon, le pire de tout ça, par contre, c'est l'arnaque des voies olympiques, quoi. Ouais. Parce que les voies olympiques, c'est pas des voies olympiques, c'est des voies qui sont olympiques et post-olympiques, quoi. C'est ça qui fait flipper. Ils ont posé des radars tout le long du périph', c'est pas pour les enlever après les Jeux olympiques. Hein. Et ouais, donc, on va se les garder. Ouais, ça va être la merde, par contre. Hein. Ah oui, et celle-là, on va la garder longtemps, la merde. Hein. Donc là, c'est un autre combat. Il va falloir le mener parce que c'est pas normal, ouais. C'est pas normal. Et puis l'idée, c'est que partout, il y a 4 voies sur le périph'. Il n'y en aura plus que 3. Ouais. Et on sait ce que ça donne, le périph', quand il n'y a que 3 voies. Ça s'appelle de la porte de Sèvres à la porte d'Orléans. Bah, c'est le merdier toute la journée, notamment périph' extérieur, quoi. Horrible. Intérieur, un tout petit peu mieux, mais extérieur, c'est le bordel toute la journée, quoi. Mais moi, je pense qu'il va falloir, justement... à la table des négociations, à l'ARP, il va falloir discuter de ça, il va falloir être ferme là-dessus et intransigeant sur la récupération de ces voix, hein, je pense. Hein. C'est fondamental, ça. Ça, c'est fondamental, moi, je pense. Hein. Et toi, ta stratégie niveau application pendant les JO, tu vas rester sur le même format, c'est-à-dire tu vas travailler avec les mêmes applis et tout? Je suis très embêté parce que je suis partagé. En fait, historiquement, je travaille beaucoup avec Allocable l'été. Ouais. Allocable, ils ont des réservations. Et le business des réservations, c'est un business de l'été. Ouais. Donc, et c'est bien payé, quoi. C'est 2 € du kilomètre, donc ça va. C'est très intéressant. Exact. Le seul problème, c'est qu'en hiver, ils me plantent Allocable. En ce moment, je fais rien du tout. Je fais 600 € tous les 15 jours. Je sais pas si tu vois, quoi. Que dalle. Ah ouais. Par contre, bah, on peut dire ce qu'on veut de Bolt, mais c'est eux qui me font bouffer en ce moment, en hiver. Ah ouais. Donc je suis partagé. Qu'est-ce que je vais faire, du Bolt ou du Allocable l'été? Vraiment, je suis partagé, quoi. Je sais pas quoi faire. Tu vas tester, tu vas regarder, tu vas voir, tu vas les connecter tous les deux. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, bah, c'est la plateforme qui me fait bouffer l'hiver que je vais privilégier l'été, hein, parce qu'on peut pas toujours courir après la meilleure course. Bon, c'est pas très... Comme une sorte, comme une forme de reconnaissance, quoi. C'est ça? Ouais, de fidélité. Moi, mon problème, si tu veux, depuis cette saison-là, parce que moi, l'hiver, c'est bon maintenant, avec Bolt et 3 autres applis, je passe l'hiver, quoi. Je passe pas trop mal. Mais historiquement, j'en avais que 2. Et j'avais vraiment un énorme trou l'hiver, quoi, de chiffre d'affaires, quoi. Donc, bah pour moi, la meilleure plateforme, c'est celle qui me fait passer l'hiver. Hein. C'est pas celle qui me fait passer l'été, parce que n'importe quelle plateforme peut me faire passer l'été. L'été, tu prends 5 plateformes, tu en prends une, tu décides, je vais travailler avec celle-là, tu vas bosser, quoi. Donc, c'est pas... Donc, je vais voir, je suis partagé. Mais bon, on va bosser, hein, c'est déjà ça, la bonne nouvelle, c'est sûr et certain, quoi. Ça sera mieux que 2022 encore, je pense. Ouais. 2022, c'était gros. Hein. Ah ouais, c'était un bel été, ouais. Il y en a qui ont confirmé dans le chat, ouais. Oui. Énorme. Retour de Covid. Alors, il y avait quoi? Il y avait ceux qui voulaient absolument voir Paris, qui n'avaient pas pu voir Paris depuis 2 ans. Il y avait ceux qui n'avaient pas pu aller en vacances à l'étranger, qui avaient absolument envie de se sortir de la France. Voilà, ça n'a pas arrêté, quoi. Ça n'a pas arrêté pendant 4 mois. Quoi. Ouais, le post-Covid, c'était quelque chose, ouais. Ouais, c'était beau. Eh ben, écoute, merci. Voilà. Merci, Heisenberg, pour ce... Et le business de la Met, ça marche toujours aussi bien? J'ai fait plier le cartel Free Now, là. Bientôt, il y aura le cartel Uber, là, qui va arriver. Tu aurais ma nouvelle carte, mon renouvellement de carte, c'est ça qui est dedans. Ah, t'es en plein dedans, là? Ouais. Je suis en train de renouveler ma carte. Elle a 5 ans bientôt. Tu l'as fait chez qui? De quoi? La formation? Non, le renouvellement, ouais. Ah bah, préfecture du 78, hein, il y a un dossier qui doit caler une armoire, hein, en ce moment. Là. Mais il n'y a pas une formation à passer aussi? Si, je l'ai faite. Mais moi, je suis dans l'ouest de Paris. Hein. Je suis pas allé, je suis en Poitou. Ah, d'accord. Je suis Je suis allé dans un truc à Sergi, c'était pas mal. En plus, surtout, ils m'ont pris sous 3 jours, quoi. Donc ça, c'était vraiment nickel. D'accord. Et t'as payé combien, 200 balles? Ouais, dans ces eaux-là, je me souviens plus trop. Ouais, c'est le tarif. Hein. Ouais, ouais. C'était intéressant. Parce que moi, j'avais même pas fait de formation pour ma carte initiale. J'avais fait le e-learning de Uber. Ah ouais. Donc, mais c'était une connerie parce qu'en fait, j'ai appris plein de trucs. Notamment l'infinie subtilité de la législation des VTC dans les aéroports, quoi. Ça, il y avait 2-3 trucs qui m'ont bien échappé. Ah ouais? Comme quoi, par exemple? Eh ben, le fait qu'on peut, en théorie, bon, en fait, il ne faut pas le faire, hein, qu'on peut stationner sur les dépôts minutes, et marauder hein, électroniquement, légalement, sur les dépôts minutes, parce que c'est la propriété de l'ADP. Mais bon, évidemment que tu te fais gauler par les boueurs, et que s'ils te cherchent la petite bête, ils vont te la trouver. Ouais. Donc, c'est pas forcément le truc à faire, quoi. Mais qu'on peut quand même, si on tourne dans l'aéroport sans s'arrêter d'un dépôt à l'autre, on a le droit. On a le droit. Hein. Ah ouais. Simplement, c'est toujours l'histoire du retour à la base, le fameux retour à la base. Ouais. Tout est dans la subtilité, puis, quoi. Ouais, c'est d'une infinie subtilité. Hein. C'est chiant. Même les flics, franchement, c'est chiant. Même les flics se plantent tellement c'est subtil, quoi. Ça aussi, à mon avis, c'est un truc sur lequel il faudra mettre un point sur la table aussi, je pense. Ceux qui veulent vraiment se battre, voilà, il y a des sujets comme ça forts qui sont plus importants que d'autres, et ça, c'en est un. Cette histoire de maraude, il est temps de régler ce problème. L'histoire des voies olympiques réservées, qui seront encore toujours réservées après les Jeux olympiques, et les rattachements. Pour moi, c'est 3 gros sujets là qui doivent être traités en urgence, à mon avis. Exactement, je suis complètement... Après, il y en a peut-être d'autres, hein, ça m'échappe là, mais voilà, en parlant avec vous, c'est des choses qui reviennent et qui pourrissent la vie. Et il y a un autre sujet qu'on va faire aussi, que je vais faire, une thématique, ça va être justement le harcèlement aux contraventions et aux PV. Voilà, je veux des retours d'expérience sur ça, parce qu'apparemment, tout le monde vit un calvaire. Les PV que reçoivent les VTC, c'est juste hors norme, hors norme. Ah, moi, c'est plus de 1 000 euros par an, hein, les PV. C'est un truc de fou, quoi. Et pourtant, t'es pas... Voilà. Et principalement de la vidéo-verbalisation, je pense. C'est de la verbalisation à distance, en plus. Ah ouais, tu sais pas d'où ça vient. Hein. T'as l'enveloppe avec la croix dans ta boîte aux lettres. Tu dis, ah bon, tu trouves le truc. Alors, un coup, c'est un sas vélo bidon. Tu sais, les sas vélo, c'est des trucs que les vélos n'utilisent pas. Donc, tu te coules 22 euros. Un coup, c'est... Couleur de bus, j'ai arrêté. J'ai essayé, mais bon, c'est pas bon. Ouais. Non, des fois, c'est un radar. Tu sais même pas qu'il était là. Enfin, putain, ça en fout. Tu sais pas d'où ça sort, en général, les PV. C'est tout de l'électronique, hein. Tu te fais pas arrêter, quoi. Bah bien sûr, ça serait trop facile. Bah en fait, si tu te faisais arrêter, t'aurais pas de PV, en fait. Bah ouais. Non, mais ils sont en train de généraliser ça, même pour les particuliers, hein. Moi, j'en ai reçu un aussi. Apparemment, j'ai pas mis mon clignotant pour prendre une sortie. Ouais. Tu sais que tu perds du point pour ça? Je l'ai fait, moi. Hein, 3 points. Ouais, 2 points. Ouais, perte de points, mais même le PV, il était juste incroyable. Le montant du PV, j'ai halluciné. Le montant du PV, il est faible, mais les points, par contre, sont énormes. Ah oui, je l'ai fait une fois, ça. J'ai tout fait, hein. Moi, j'en suis au 8e stage de récupération de points de permis. Donc, j'ai un peu tout essayé. Et tiens, en parlant de ça, il y en avait un qui avait donné une info. Je ne sais pas si tu l'as, cette info, ou si les gens peuvent confirmer. Apparemment, avec les assurances que vous avez, il y a des stages de récupération qui sont offerts une fois par an, inclus dans vos assurances. Ça, faut le savoir. Mais il faut le savoir qu'il faut être en dessous de 6 points pour en bénéficier. Et moi, j'attends d'être en dessous de 6 points pour faire mes stages. À 8 points, j'y retourne. Je ne savais pas ça, tiens. Mais donc, et tous les assureurs ont cette option-là? Je l'avais chez Allianz, en tout cas. Les autres, je ne sais pas. Ouais. Et il y en a qui ne vérifient pas et qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas, en fait. Vous avez droit à des stages une fois par an, un stage de récupération de points. Et de là, tu nous apprends qu'il faut avoir en dessous de, minimum 6 points. Enfin, voilà, faut bien lire le contrat. Chez Allianz, c'était en dessous de 6 points pour avoir ça. Le contrat. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, pour ta fidélité, pour tes interventions sur le live et sur Uberzone. Et j'ai pas oublié qu'on doit se faire un petit podcast, toi et moi, avec des sujets qu'on a déjà bien mis noir sur blanc. Faudra qu'on trouve le temps. Mais voilà. Ouais, quand tu as besoin de matière, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et quand tu veux, si tu veux que je te change le pseudo sur le forum, tu me le confirmes, je le ferai. Ouais, bah tu m'appelles Heisenberg, on va faire Heisenberg. Ah, ok, bah, je vais te faire ça. Et même s'il est pris, je vais supprimer pour te le donner à toi. Heisenberg 78, ça passe. Ouais, ok, ça marche. Merci beaucoup. C'est déjà pris, ça se passe dans le Nouveau-Mexique à Albuquerque. Hein. Ouais. Bon, ça marche. À plus, prends soin de toi. Allez, bon courage. Ciao, bonne semaine à toi. Ciao. Ouais. Ah, sacré personnage. Vraiment. Tout à l'heure, j'ai mis un... Top la libre antenne. Merci Ali, merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai mis un affichage. C'est quelqu'un qui m'a transmis ça, mais ça n'a pas l'air d'être un document officiel. C'est des tarifications de mise à disposition et tout pendant les JO 2024. Allô, allô. Allô, Hakim. Oui, Salem. Ouais, ça va comme ça va. Très, très bien. Et toi? Ouais, ça va, ça va. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Tariq. Moi, c'est la première fois sur mon live. Ouais, mais quand tu me dis Hakim, ça va, j'ai l'impression que je te connais depuis des années déjà. Ouais. Moi, je te dis, ouais, ça va très bien. On dirait un pote qui m'appelle, tu vois, c'est dingue. Tu fais partie de la famille. Mais bah toi, ouais, mais vous êtes ma famille tous, sans déconner. Sincèrement, vous êtes tous ma famille. Quand je décroche, j'ai l'impression de vous connaître déjà, d'avoir déjà parlé avec vous. C'est tellement, tellement fluide. Parce que déjà, c'était. Mince, putain. Rappel, frérot. Rappel, Tariq. Rappel. Ça a coupé. J'ai pas compris l'histoire, là. Ouais, donc j'ai projeté un truc. Attends, je vais peut-être le reprojeter, là. Non. Qui rappelle? Une histoire courte, ouais. Très, très courte. Qu'est-ce qui se passe? Il avait plus de batterie, peut-être? Dommage, putain, ça partait bien. Fais chier. Tariq, reviens. Remarque que j'ai ton numéro, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ami? Ah ben voilà, ça revient. Ah, t'es de retour? Ouais, excuse-moi, on a été coupé. Ouais, ben j'ai vu, ouais. Coupure nette. Excuse-moi. En fait, moi, je suis VTC depuis 2019. D'accord. Mais en gros, moi, je travaille pour les tours opérateurs. D'accord. C'est-à-dire quel tour opérateur? Les applis, tout ça, mais à un moment, quand les prix ils ont chuté, j'ai arrêté et je pouvais pas. Mmh. Je suis passé sur Telegram, après je suis passé avec les tours opérateurs. Et en fait, par rapport aux JO, déjà, pourquoi moi j'ai une petite expérience. Ça fait 2 ans que je suis avec les tours opérateurs. Déjà, au 2E, pour que les clients sortent, il y a au moins 1h20 d'attente. Ah ouais. Ah ouais. 1h20 d'attente. Là, maintenant, en ce moment, déjà, les parkings pro, ils sont complets. On n'a même pas besoin de JO. Donc, en fait, avec les JO, les mecs, ils vont prendre 2 heures, 3 heures pour sortir. Bah. Quand tu dis c'est complet, c'est-à-dire, en ce moment, c'est complet, il n'y a pas de place? Bah, ils sont complets dans le sens où il n'y a pas de place. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas les prendre en charge. T'arrives, tu vas pour te garer, tu ne peux pas, il n'y a pas de place. C'est tout est pris. Il n'y a pas. Ah ouais. Ouais, ça se remplit vite. Ah, c'est ça. Et il y a les taxis VTC pro, qui se mélangent. Non, non, non. Taxis, ils ont leur truc et nous, on a nos espaces. D'accord. Par exemple, pour le 2B, 2D, bah, ça va être la place. Mais par exemple, le 2E, 2F, qui est principalement pour Air France. Ouais. Et Air France, c'est les longs courriers. Ouais. Bah, il n'y a plus de place. Donc, ça veut dire, déjà, on va faire comment? Ouais. Déjà, ça va être difficile par rapport à cela. Ouais. T'as le badge aéroport et, ouais, et tu peux même pas en profiter. Pro. Bah non. Si c'est plein, c'est plein. Eux c'est pas leurs affaires. C'est incroyable. Maintenant, c'est ça. Donc déjà, premièrement. Après, secondo, déjà le matin, on prend plus d'1h20 pour un transfert. Ouais. Là, avec les JO, ça va être combien? Ah ouais. Donc au fond, il y aura du travail. Il y aura du travail, parce que comme les précédents interlocuteurs, ils ont dit, il y aura du monde, etc. Donc, les gens, ils vont sortir le soir, etc. etc. Mais après un moment, on a une vie, on a une famille. Ouais. On va pas avoir des journées à 20 h. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en gros, les gens, ils vont dormir dans leur voiture. Des journées à 20 h avec principalement de l'attente, en plus. Ou du bouchon. Bah, c'est ça. Ouais. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que si les prix, ils n'augmentent pas, bah, on est mort. Ouais. Toi, tu parles de tour opérateur, c'est-à-dire précisément, c'est quoi, c'est qui? Bah, en fait, c'est en gros, moi, je travaille avec des gens qui travaillent avec Disney, avec Booking. Principalement, ils ont des contrats. Des organisateurs de voyages, de séjours. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc après, bon, il y a des gens qui, moi, je suis en programme depuis plus de 2 ans. Ils m'envoient des programmes, j'envoie la facture à la fin du mois. Et tu remplis ton planning avec eux tranquille, complet. C'est ça, mais honnêtement, le problème des tours opérateurs, c'est qu'ils veulent toujours gratter plus. Donc il faut, bon, c'est bien, mais à un moment, il faut s'émanciper de tout ça. Ah, même pourquoi eux, parce qu'ils embauchent. Ils embauchent, c'est-à-dire ils ont leurs propres salariés. Ils embauchent, ils mettent à disposition des voitures. Ils disent au mec, voilà, bah, je t'enlève 20 € par rapport au prix, de vente qu'on fait aux gens, aux indépendants. Mm. Mais je te blinde le planning. Tu es prioritaire. D'accord. Donc les mecs, ils acceptent parce que c'est pas leur voiture. Ils disent, je m'en fous, moi je la tue. Je paye juste l'essence. Et à la fin, je tourne toute l'année. Ouais. Alors que là, par exemple, bah, il y a 6 mois, comme tout le monde le sait, 6 mois en France, à Paris, c'est calme. On va dire de novembre, il y a décembre qui marche un peu. Janvier, février, mars, là, c'était trop difficile. C'était trop difficile. Donc, ouais, sur les JO, le truc, c'est qu'il va falloir... Ça va être mitigé, moi, je dis. Mmh. On pourra faire, je pense, des bons chiffres d'affaires, mais il ne faut pas croire que ça va être la folie. Ah ouais. Il ne faut pas croire que ça va être la folie. Les gens qui vont venir, par exemple... Moi, je suis déjà parti à Nice, tout ça, pour travailler. Bon... Le décor, c'est pas le même. Hein. Ouais. Mais pour ceux moi, je pensais qu'ils allaient faire beaucoup d'argent, mais en fait, non, pas du tout. On fait les mêmes prix, je fais les mêmes prix que Paris. Ouais. Mais maintenant, ceux qui pensent qu'ils vont venir ici, par exemple de Lille, de n'importe où, qui vont venir, mais qui vont louer les logements à prix d'or, bah oui, qui vont dormir à 4-5 dans les appartements. J'allais te dire, moi, quand tu es allé à Nice aussi, tu as dû payer un logement aussi, tu as dû payer un hébergement. Franchement, j'ai pris un logement, il était exécrable. Ouais, mais moi, j'étais tout seul, donc après, je dis, vas-y, je m'en fous. Ouais. C'était pour découvrir, c'était juste une aventure. Ouais. Mais là, par exemple, je ne repartirai pas, peut-être avec, pourquoi pas, la famille, oui. Mais là, pour ceux-là qui vont venir, qui vont prendre des logements à 200-300 € la nuit, ouais. Alors, je sais pas où il est le bénéfice. Hein. Tu parles des chauffeurs. Non, si les mecs ils viennent, ouais, ils vont pas payer des logements à 200 €, 300 € la nuit. Je pense qu'ils auront des plans plus intéressants. Non, c'est qu'ils vont se diviser le truc. Ouais, voilà, ils vont se mettre à plusieurs et ça va leur coûter peut-être 200, 300 ou 400 € par mois pour le mois. Voilà, ouais, pour la quinzaine. Enfin, on va dire pour la quinzaine. C'est ça. Ouais. Juste le problème en fait dans ce métier, c'est que c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas assez d'amour propre déjà. C'est-à-dire que les chauffeurs, ça ne dérange pas de faire 15 heures, laisser leur famille chez eux. Moi, je pense que les vrais chauffeurs, ceux qui font tout carré et tout, eux, ils ont de l'amour propre pour leur métier, je pense. Oui, bien sûr. Ouais. Non, moi, par exemple, honnêtement, je commence à 6 heures, je ne veux pas dépasser 18 heures. Ouais. À 18h, c'est énorme. À 18h, tu veux dire 18h le soir? Parce que il y avait, par exemple, j'avais des chauffeurs J'ai un chauffeur, une fois, il m'a éclaté mon rétro. Il m'a dit, ouais, excuse-moi et tout, j'ai des soucis familiaux avec ma femme, tout ça. Mais c'est normal. Vous êtes 15 heures dehors. Vous êtes 15 heures dehors. Et le souci aussi, c'est que, comme ils ont dit précédemment, c'est que l'État, il ne veut pas réguler le truc. Là, aujourd'hui, moi, je suis, comme je t'ai dit, aux aéroports tous les jours. Il n'y a que des racoleurs. Ah ouais, tu les vois clairement. Ils cachent. Il vient, il dit taxi, taxi, taxi. Le mec, il dit, ouais, tu veux, ok. Il le met de côté. Il dit, vas-y, 70 balles, 80 balles. Il le met au parking pro. Même les taxis, ils racolent. Ah, j'ai vu. J'ai été racolé, moi, en tant que client. Déjà, on m'a racolé plusieurs fois à l'aéroport. Ah, voilà. Et est-ce que c'est normal ça? Ah non. Et pourtant, les mecs, ils sont là, ils se baladent comme ça dans les terminaux, tranquilles. Normal. Il y avait une enquête là, il y avait les mecs, je sais pas quoi, ils étaient en tour de contrôle ou dans les hôtels. Ouais. Même, ils disaient qu'ils prévenaient quand il y avait des contrôles de flics. Ouais. C'est passé sur le Parisien. Bah, tu vois, attends, moi en tant que particulier, j'arrive, je les vois de mes yeux comme ça déambuler avec des comportements bizarres. Ça se voit direct que c'est des racoleurs. Tu vas me dire que les flics, ils sont pas foutus de les choper? Faut pas déconner. Nous, on arrive à les reconnaître. Moi, je suis même pas un expert, j'arrive à les reconnaître. Et tu vas me dire que eux qui sont dans ce métier-là, ils n'arrivent pas à vraiment assainir tout ça. Faut pas déconner. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. C'est clair. Ça. Ouais. Moi, je pense que c'est simple. C'est comme le cannabis. Ils veulent pas légaliser parce que ça fait manger les gens. Ouais. C'est mentir. Hein. Ouais. Ça fait manger les gens. Donc, bon, après, c'est pas les mêmes. Comment dire, manger les gens, mais l'État, il mange pas, lui, dans l'histoire. Ouais, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Là, regarde, là, par exemple, le truc de VTC, ça fait baisser les chiffres du chômage. Bah, ce que je disais tout à l'heure, je trouve pas. Quand tu vois les rattachés qui sont en fait embauchés comme de simples particuliers, qui continuent de percevoir le RSA, qui continuent pour certains de percevoir le chômage, c'est pas des gens qui sortent des chiffres du chômage, au contraire. Donc, ouais, non. Mais honnêtement, Hakim, les rattachés, les mecs qui donnent des comptes, c'est des comptes perso ou des comptes des personnes. Ça veut dire que quoi? On veut les attraper, c'est très facile. Bien sûr que c'est facile. On trace le virement bancaire, merci. C'est facile. C'est facile, tu vas à la source, tu dispatches, c'est facile. Bah, c'est ça. Mmh. Moi, je connais des personnes, ça fait 4-5 ans, ils sont en rotation. Tranquille. Oui. Ouais. Pendant que toi, tu payes des taxes, tu payes ci, tu payes ça, tu payes ça. Ouais, ouais. Ça veut dire que quoi? Moi, pour moi, c'est l'État. C'est à cause de l'État, tout ça. Et eux, ça les arrange. Ouais. Et maintenant, revenons pour les JO, tout ça, bon, ça va marcher. Mais maintenant, par exemple, à Paris, l'été, un été comme un autre, on peut faire 200, allez, plus de 300 euros par jour. Ouais. Maintenant, peut-être ça va être un peu plus, mais il faut oublier les 600, 700 euros par jour. Ouais, c'est pas le jour de l'an non plus, ouais. Non, non. Ouais. C'est tout. Eh, écoute, toi, tu roules en quoi, toi? Moi, là, je suis en Hyundai actuellement. Ah, il y en a un qui sur le forum, il a eu un problème avec Hyundai. Tu l'as lu le message, la discussion? Même pas. Gros problème. Il faut que tu lises ça. Ouais, je vais le voir. Et je vais envoyer dans la newsletter. Je sais pas si tu es inscrit sur Uberzone. Je vais envoyer la newsletter là dans quelques jours. Ah, ouais. Les amis, il faut être sur le forum. Il faut aussi être sur le forum. J'envoie une newsletter mensuelle tous les mois, la revue mensuelle. En fait, c'est quoi? J'étais dans le forum. J'ai vu qu'il fallait s'inscrire. Tout ça, j'ai laissé tomber. T'as vu quoi? J'ai vu qu'il fallait s'inscrire ou un truc comme ça, non? Pas obligé si tu veux lire, mais après si tu veux participer, forcément il faut créer un compte. Ouais, c'était ça. Et après j'avais laissé tomber. Mais là maintenant que tu as développé comment dire, les podcasts et que tu as dit qu'il y avait plein d'infos dessus. Non, mais le forum. Bah ouais, je reviens dessus. Et là justement, ce que j'essaye de faire, et c'est du travail aussi, tous les mois j'envoie une revue mensuelle. C'est une sorte de concentré de tout ce qui a été intéressant sur le forum pendant le mois. Et là, cette discussion, elle est dans la newsletter que j'envoie. Ce n'est pas une newsletter commerciale, c'est la newsletter du forum. J'appelle ça la revue mensuelle. Donc, si vous êtes inscrit sur le forum, vous devez la recevoir. Maintenant, si vous vous désabonnez des newsletters, vous ne la recevrez pas. Mais c'est dommage. Oui. Donc, voilà. Et en tout cas, les discussions, elles sont lisibles tout le temps, régulièrement sur le forum. Hein. Donc, voilà. Et, oui. Et donc, il a eu un gros problème avec sa Hyundai. C'est FAOBS. Ouais. Sacrée histoire avec sa Hyundai électrique. Il faut que vous lisiez ce sujet. Je vais essayer de l'afficher tout à l'heure si j'ai le temps. Sacrée histoire. Ouais, bah tiens, je l'ai. Mon problème avec le SAV de Hyundai. Le topic est super long, hein, je vous le dis. Enfin, le message, mais en tout cas, il a tout détaillé. C'est une histoire incroyable. Donc voilà, c'est intéressant de voir un peu ce genre de problématique. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà, bah, tu vois, tu parles de Hyundai. Et donc, toi, c'est une 100% électrique ? Non, même pas, hybride électrique. Mais moi, bon, le truc, c'est que j'étais avec une Peugeot déjà à la base. Ouais. Où elle était périmée, j'ai eu un contrôle police, tout ça, il fallait que je m'adapte. Et donc, ils m'ont enlevé les macarons, tout ça. Mais bon, bref, ça, c'est rien. Ouais. Et donc là, j'ai dû acheter la Hyundai, mais honnêtement, c'est pourri. C'est pas que c'est pourri, c'est économique, mais le coffret est tout petit. Ouais. Donc, moi, pour les bagages, c'est pas intéressant. Et la voiture, elle est trop basse. Et trop basse, donc pour le dos ça va vite. Hein. Ça fait mal? Ça fait très mal. Ah ouais. Franchement c'est très mal, donc ça fait très mal. Donc quand on passe des 12 heures par jour dans une voiture, c'est dur. Voilà, c'est trop dur. Et t'as un projet de changer? Non, moi honnêtement c'est van. Ah. C'est soit van, soit on arrête. Ah d'accord. D'accord. Pourquoi? Parce que même si le van, bon maintenant le souci c'est qu'il y a beaucoup de gens en van. Ouais. Ouais, mais toi, tu as un pied avec les tours opérateurs, donc ça peut être intéressant. Il y a les tours opérateurs, ça marche. Ouais. Mais après, le problème des tours opérateurs, c'est que les transferts, ils sont pas ouf. Ah ouais. Ah, ils croquent eux aussi, ils sont gourmands aussi. Hein? Ils sont gourmands en commission. C'est ça. Non, c'est eux, ils disent quoi? Ils disent, nous, on fait un appel d'offres, mais eux, pour qu'ils aient le contrat, ils cassent les prix. Ouais. Donc, eux, et après, ils revendent moins cher. Bah oui. Et quand, en fait, et comme nous, bah, on n'a pas d'amour-propre, comme je t'ai dit avant, bah, on accepte des courses à, même en van à 80 €, 90 €. Il y en a qui se vendent au rabais. Bah, c'est ça. Et les mecs, quand ils n'ont pas de travail, bah, ils acceptent. Mais sauf que le van, il fait 50 000 €, le club. Bah oui, bah oui. À amortir, c'est pas la même chose. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, le souci, c'est ça. Mais honnêtement, par exemple, le van sur les JO, peut-être qu'il va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, bon, des gros morceaux, ils sont déjà partis voir les délégations. Ouais. Et quand il y a des délégations, ça, c'est des contrats, c'est autre chose. Ah ouais, non, mais ouais, ça, c'est ouais, autre chose. Mais ça, c'est intéressant, par contre. Hein. Voilà. Et quand là, tu décroches un truc comme ça, putain. Ouais. Bah, c'est ça. En fait, comment dire? Dans le VTC, il y a ceux qui sont là depuis longtemps, ouais, et qui mangent bien. Qui mangent bien. Ouais. Et il y a la masse. Ouais. Et il y a la masse, là. Ceux qui essayent de s'en sortir avec les applis. Mais les applis, ouais, c'est mort. C'est mort. Ouais. C'est mort, les applis. Il faut arrêter, il faut être solidaire et essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas comment, mais essayer de faire quelque chose, arrêter les... Je ne veux pas dire arrêter les applis, ils seront toujours là. Bah oui, tu peux pas, ouais. Mais soit faire des... Bon, là, il y avait des coopératives... Bon, il y a une coopérative de Ben Ali, mais... Ouais. Bon, c'est pas à lui, mais voilà. Mais, par exemple, c'est une bonne idée, mais il y avait déjà des coopératives avant. Moi, je voulais souscrire avec des coopératives, mais après, des fois, c'est politique. Ouais. Il y a une coopérative, par exemple... Bon, je n'ai pas envie de donner le nom, mais je suis arrivé. Je leur ai dit, OK, bon, il y a un conseil d'administration, je ne sais pas quoi. Ouais. Je leur ai dit, bon... Comment je peux déloger si le conseil les administrateurs ne sont pas bons? Il est où le contre-pouvoir? Ouais. Ils m'ont dit, il n'y en a pas. Ouais, donc c'est plus trop une coopérative, du coup. Ils m'ont dit, il n'y en a pas. Ils m'ont dit, bah, en fait, ils m'ont dit après cash, au bout de 2 heures de discussion, tu crois, nous, on est là depuis le début, et tu crois que tu vas venir, tu vas nous déloger? Nous déloger, ouais. Ouais. J'ai dit, mais donc, en gros, moi, je paye et pour que vous en profitiez, parce que, bon, moi, j'ai une expérience de comptable, je connais un peu, bon, j'ai fait plus de la théorie que de la pratique. Ils vont rapidement en profiter. Hein. Ils font des petites factures, c'est rapide. Ouais. Ouais. Et puis, bon, après même, donc, tu vois, tu parlais de la COP d'INV, là, c'est une B2B exclusive, hein, c'est-à-dire que c'est pas pour les particuliers. Ouais, c'est ça. Mais ouais, après, bon, je pense, B2B, si lui, il réussit à démarcher, ouais, des sociétés, tout ça, ouais, et que tout le monde mange, c'est-à-dire des bons prix, tu fais 3-4 courses, tu rentres chez toi. Ouais, mais il y aura toujours le marché des particuliers. Bah, ça, c'est sûr. Ouais. Mais je pense qu'il va y rentrer tôt ou tard. Et c'est les applis qui seront dessus, hein, qui sont dessus, bah, toujours. C'est ça. Uber en mais après, le B2B, juste par exemple, quand je vois les tours opérateurs, bon, ça, c'est particulier, mais... Il y a trop d'argent. Dans, ouais, le transport, c'est de la folie. Comme il avait dit Adam il y a longtemps, ouais, au début, il y a de l'argent. Dans le VTC, il n'y a pas de souci. Mais ouais, comment dire, on est trop. On est trop. Ça veut dire que sur celui qui va arriver en haut, bah, il y en aura 1 sur 1000. Parce qu'il faut arrêter de croire. Hein. Les gens, ils ne veulent pas laisser leur place. Hein. Les mecs à 60 ans, ils sont encore dans leur van, ils sont encore dans leur classe E, classe S. Hein. Ouais, ouais. Ils voient qu'il y a de l'argent, moi je le vois de mes yeux. Hein. Ouais. Ils bougent pas. Donc tout le monde dit, quand il y en a beaucoup, ils disent ouais, on est dans la ville la plus touristique du monde, certes. Ouais. Certes. Moi je travaille avec des personnes qui tournent autour de 200-300 courses par jour. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, si on ne devient pas solidaire, sachant que... Mais bon, ça, c'est une stratégie machiavélique de Uber, parce qu'ils payent les formations, comme ça, ils font un turnover, et ils enlèvent le noyau dur. Parce que tôt ou tard, le noyau dur, il en aura marre. Ouais. Et il y aura des mecs, bah voilà, ils se retrouvent à 2 800 €, ils passent à... Bon, ils se disent, j'ai un chiffre d'affaires de 4 000 €, c'est bon, c'est 3 500 € dans ma poche. Parce que la moitié, ils sont en rattachement. Ouais. Mais bon, c'est un long combat. Ouais. C'est un long combat, mais bon, pour finir et te laisser, ouais, les JO, moi, je pense que ça va être un vrai chaos. Ah ouais. Parce que moi, je te le dis, si tu t'attends un client 3 heures, ouais, non, ouais, Il n'y a plus de rentabilité là. Ouais, c'est voilà, pas de la MAD. Ouais. C'est de la MAD. Mais quand oui, t'es en MAD, ouais, c'est bon. Ouais, ben oui. Mais MAD, c'est l'élite. Ben oui. Ouais. Un truc. Merci Tariq. Ben, merci à toi en tout cas. Tariq ou Tariq? Tariq, moi. Tariq, ouais. Ah, merci, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi et tout ce que tu fais. Avec plaisir. Je le fais avec plaisir et c'est un plaisir de vous avoir à l'antenne et de vous avoir vous et de faire vivre ce live. C'est un plaisir. Ouais. Donc c'est un plaisir réciproque et partagé. Merci beaucoup. Merci à toi. Prends soin de toi et à très bientôt, j'espère. Merci à toi aussi. Allez, au revoir. Au revoir, Tariq. Il y a des nouveaux... J'aime bien, c'est ça. Parce que pour moi, le live, en fait... il en est toujours assez balbutiement pour moi. C'est toujours que le début, en fait. On a un peu avancé, mais pour moi, ça reste que le début. 3 mois, on peut pas dire que ça y est, on est déjà loin dans le... Non, on est toujours au début du live. Et c'est bien, parce que je vois que, voilà, il y a du nouveau monde, il y a les anciens sont là, les Spartiates sont là. On est sur une base qui tourne bien. Ça fait vraiment plaisir. Il y a un appel qui vient de m'échapper. J'ai raté la course. C'est Trip Radar. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris l'appel. Elle est partie direct. J'ai même pas eu le temps d'appuyer pour décrocher. C'est parti. Moi aussi j'ai le Trip Radar. J'ai pas cliqué assez vite pour répondre. Faut que je me jette sur les appels. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez sonner, laissez-moi le temps de décrocher. Laissez-moi le temps de décrocher. Le Trip Radar, ah, c'est quelque chose. Allez hop. Allô, allô. Allô, oui, ça va? Bien et toi? Ouais, ça va tranquille. Ah. Ça faisait un moment que j'avais pas appelé. Ouais, mais je m'entends là, frérot. Ouais, je suis en train de me couper. Ah, tu te coupes quoi? Les cheveux, les ongles? Non, non, je suis en train de couper les lives de ton côté. T'as dit je suis en train de me couper. T'as dit je suis en train de me couper. Oui, parce que je nous écoutais à l'instant. Comment ça va, Cucuy? Ouais, ça va, ça va. Tranquille. Je t'appelais, bah, pour... ouais, parce qu'il n'y a pas d'intervenant, c'était intéressant. Ouais, c'est intéressant. Même toi aussi, quand tu viens, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux nous raconter par rapport à ce topic-là? Ah, il y a plein de choses à raconter. Ah, ouais. Déjà, on parle, bah, comme tu disais, il y aura beaucoup de monde, mais pareil, les taxis, bon, déjà, avec le... on va dire c'est une majorité des taxis parisiens qui pourront travailler, tu vois, t'as pas beaucoup de... taxis des provinces qui pourront venir travailler. Donc, ouais. Le nombre de taxis sera limité vraiment. Et il y en a aussi qui ne voudront pas travailler. Mmh. Comme leurs tarifs sont réglementés, bah, ils ne pourront pas faire tant que ça de chiffres et ils préfèrent partir en vacances comme d'habitude. Ouais, il y a beaucoup de taxis qui travaillent en semaine parce que voilà, ça leur fait du chiffre. Ça fait un beau chiffre et après ils rentrent. Hein. Tu sais, il y a beaucoup qui font de la CPAM la semaine et le week-end ils ne travaillent pas. Je crois qu'on a eu un témoignage comme ça. Tu vois. Mmh, la majorité, t'en as beaucoup qui font ça. Quoi. Mais les taxis quand il y a une masse de touristes comme ça, crois-moi qu'il y en a certains qui savent utiliser ça et en profiter. Oui, max, je pense qu'il y en a quand même. Oui, il y en a qui vont rester, mais il y en a qui vont garder leurs habitudes. Tu vois. Ouais. Parce que la course en espèces, ça va y aller, là, je te le dis, avec les touristes. Et après, les gros contrats, tu vois, les hôtels sont déjà réservés. Ouais. Tout ce qui est centre de Paris ou même pour les gros palaces, tu vois. Ah, c'est fou. C'est déjà réservé. Ouais. Et eux, ils réservent pas que la chambre, ils réservent les trajets. Voilà, donc, tu sais, ces clients-là, ils ont déjà leur transporteur, quoi. Bah oui. Ouais, chauffeur attitré, quoi. Voilà, les gros contrats, c'est déjà prévu. Donc, après, comme on dit, il y a toujours des choses à faire après. Hein, tu as toujours du dépannage, des dernières minutes. Tu sais que j'avais des collègues qui travaillaient pendant le salon du Bourget. Tu as toujours une effervescence. Tu as toujours plein de contrats qui arrivent au dernier moment. Peut-être à 90 € de l'heure. Mais au dernier moment, il y en a qui prennent rien jusqu'au dernier moment, justement, pour avoir... les gros tarifs. Voilà, c'est ça. Ouais. On appelle ça les pompiers, parce qu'ils viennent éteindre le feu. Ah ouais. Ouais, parce qu'il faut assumer à ce moment-là, ils sont pris à la gorge. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, ils payent plein de... Voilà, tu vois, donc t'as toujours ça. Mais pour ma part, personnellement, moi, j'ai pas encore, de contrat, on va dire. Ouais. Je sais que ça va tomber. On a encore un peu tôt, 3-4 mois. T'attends. Ouais, j'attends. Ça attend. Ça attend, comme j'allais dire ça. Non, mais tu vois, il y a beaucoup de fédérations qui n'ont pas encore contacté. C'est tôt, ouais. Il y a encore beaucoup d'épreuves qui n'ont pas encore leurs équipes qualifiées, par exemple, tu vois. Des nationalités, ils ne savent pas combien de personnes sont prises pour, tu vois, pour leur JO, parce que tu as beaucoup de compètes avant, même pour la natation, qui sont genre un mois avant les JO, tu vois. Donc, même pour certaines délégations sportives, ils ne savent pas encore le nombre de personnes. Donc, tu as toujours un peu des contrats qui vont sortir au dernier moment. D'accord. Ouais, tu vois, donc... Et toi, tu as une... Comment dire, un objectif, pas un objectif, mais une sorte de... Une stratégie pour peut-être décrocher ce genre de contrat, là? Moi, c'est un peu particulier, comme je parle certains types de langues, tu vois. Je sors un peu du lot. C'est un peu la niche, tu vois. Quand ils cherchent des chauffeurs un peu... Des langues un peu spéciales. On peut le dire, tu parles chinois, c'est ça? Oui, je parle mandarin. Mais tu parles mandarin, tu parles chinois au sens propre du terme. Tu parles chinois vraiment, c'est pas chinois. Ouais, c'est ça. Et t'es en van en plus, toi? Ouais, je suis en van. Donc ça fait un peu niche, mais voilà, je pense que, tu vois, j'avais un ami, pour l'anecdote, j'avais un ami chinois, enfin qui est VTC, mais qui parle pas bien français. Et lui, l'année dernière, il m'a dit déjà, je vais essayer d'apprendre l'anglais parce qu'il va y avoir beaucoup de touristes l'année prochaine. Ouais. Donc ça m'a fait marrer parce que il parle déjà pas bien français. Ouais, c'est ça. Ouais. Il avait déjà anticipé l'arrivée des touristes. Et quand bien même c'est une niche et que voilà, tu parles le mandarin, etc. Oh, mais d'accord, mais comment proposer ces services et où trouver d'éventuelles offres? C'est ça ma question. Alors, moi, c'est vraiment... je ne vais pas faire la pub de ton forum, mais en disant ton forum, j'ai pris des connaissances à gauche, à droite. On m'a contacté par rapport à ça. Ah ouais, vois, excellent, ouais. Déjà. À force de poster des choses et les gens... Enfin, je ne veux pas dire que je suis expert en quelque chose. Tu vois, bien sûr. À chaque fois qu'il y a des questions où je peux répondre, je répondais. Et à force de répondre, justement, il y a des gens qui sont venus... me voir en privé, me discuter. Après, on s'est vu dans la vraie vie, tu vois. Tu as constitué ton réseau tout petit à petit, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ce que tu disais dans les premiers lives, c'est... Tu disais, justement, le VTC, c'est quoi? C'est des rencontres, tu vois. Ouais. Et ça t'ouvre des portes, tu vois. Ah, bah, bien sûr. Évidemment. Et moi, j'ai fait que ça. Tu vois, j'ai fait que rencontrer des gens. Bah, tu vois, quand on a fait la rencontre des modérateurs, des premiers modérateurs... Et puis il y a les clients aussi, les quelques clients que tu as eus, qui peut-être après avec le bouche à oreille transmettent, etc. Tant que tu es dans l'activité, en fait, il se passe des choses, c'est sûr. Pas... Oui, et j'appelais aussi pour ça, je me rappelais, parce que tu vois, j'ai toujours des clients, des anciens clients, que même tu vois, je suis en van actuellement aujourd'hui. Ouais. Je l'ai fait quand même au prix de l'écho, même de la berline. Enfin, j'augmente un peu mes prix, mais c'est pas au prix d'Uber non plus, tu vois, mais je les garde parce que c'est eux qui m'ont fait manger quand j'étais... on va dire au bas de l'échelle, tu vois. Je me rappelle, tu roules un Prius, ouais, tu vois, donc... t'as fait tes armes avec les applis, oui, c'est vrai. Tu vois, mais justement, à force de rencontrer du monde, ils montrent un peu d'autres personnes, et de fil en aiguille, tu remontes, et par là, je travaille avec des entreprises, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a pris sur Uber au tout début, quoi. Tu as vu, voilà, comme quoi. Hein. Ouais, c'est le fruit du travail aussi, parce que là, il met comment je travaillais, mon parler, mon professionnalisme, tu vois. Les rencontres, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les rencontres, le professionnalisme, et voilà, et ça avance tout doucement. Après, voilà, y a, comme il dit Aïssam aussi, il y a un peu de commercial derrière. Tu vois, oui, obligé. Un peu de com. Obligé. En fait, il faut avoir déjà en tête tes prix, plus ou moins. Faut pas bégayer quand on te demande les prix. Voilà, faut que tu sois sûr de tes prix, tu vois. Ouais, il faut que tu aies ta grille à faire. Voilà, faut que tu te prépares un peu déjà. Faut pas se dévaloriser. Faut pas dire que tu vends une course. Moi, je vends une prestation. C'est un service, quoi. Compris. Il y a la course, mais il y a le reste autour, tu vois. Donc voilà, les gens ne font confiance pas. Et ce que je voulais dire maintenant, par rapport aux JO, oui, voilà, que tu vois, même pendant les JO, moi j'ai quelques clients en B2B, je ne peux pas augmenter mes prix, tu vois. Juste pour les JO, c'est pas possible, tu vois. C'est que je vais augmenter mes prix, mais je vais les perdre, et après les JO, je ne les aurai plus, tu vois. Sauf qu'ils vont me faire manger après. Eh ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont dire, il a profité de nous, il profite de nous. Alors qu'on est avec lui toute l'année, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, par rapport à ça, je veux pas dire que je suis bloqué, mais moi, ça me fait plaisir de les avoir toute l'année, tu vois. Moi, ça fait, ça va être pendant un mois, 2 mois, ça va être un peu compliqué. Enfin, mais je vais faire au maximum, moi. Ouais. Et si je suis pas dispo, que je peux pas trouver chauffeur au prix que moi, je vendais. Ouais. Ça va être compliqué pour moi. Tu vas trouver, après, tu vas trouver sur Uberzone, tu vas trouver. Tu vois, là, je sais pas si tu as l'image du live en face de toi. Non, pas du tout. T'as tout coupé carrément. Bah, ouais. Enfin, ça s'est éteint en fait, comme j'ai appuyé. Ah, mais parce que tu regardes le live sur le téléphone avec lequel tu me parles. Non, parce que j'étais en train de regarder. Parce que là, je viens d'afficher des tarifs qu'on m'a envoyés. J'aurais bien voulu qu'on commente cette image, toi et moi, puisque justement, tu travailles avec un classe V, toi, c'est ça? Attends, je vais remettre. Juste, t'enlèves le volume. T'enlèves juste le volume, tu regardes que l'image. Ouais. Moi, je le vois. Et donc là, qu'est-ce que tu penses de ce tarif qui serait appliqué apparemment pendant les JO? Par exemple, transfert Paris-Intramuros ou gare parisienne. Les prix. Tu vois? Moi, ça vaut le coup. Il faut déjà pouvoir y arriver à le faire. Ouais. Parce que si tu n'as pas d'accréditation, comme tu en as parlé avec Elmi, ouais, et Arnaud, si tu n'as pas d'accréditation, tu n'as pas d'autorisation, comment tu vas faire? Ouais. Tu vas prendre la course à 200 balles et tu vas le déposer devant le grillage parce qu'il y a un mec qui te bloque. Tu dis, avec vos 4 bagages, il faut continuer 2 km à pied. Ce n'est pas possible. Tu vois. Ouais, non, mais là, c'est des tarifs transferts. Hein. Paris, gare. Ou Paris, aéroport. Paris, gare. Oui. Donc, ouais. Tu sais pas si tu peux le faire. Hein. Imagine, tu peux pas aller au Meurice récupérer quelqu'un et le déposer à l'aéroport. Comment tu fais? Après, tu sais, ça, c'est le grille tarifaire pour les prix net chauffeurs, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est ça, tu vois. Parce que ceux qui l'ont vendu, ils ont pris encore plus. Ça sûrement, dire, sûrement, ouais. Ouais, rien n'est gratuit. Hein. Ouais, c'est sûr. Voilà, je veux dire. Après, les prix sont corrects. Ils sont multipliés par 2 quasi pour la mise à dispo. Ouais. Peut-être par 2 aussi. 2, 3. Non, c'est intéressant. Bah, je sais pas qui a posté ça, mais il a bien fait ses prix. On m'a envoyé ça sur WhatsApp. C'est un auditeur. Ok. Ouais. C'est des beaux prix, on va dire. Mais je sais qu'on m'avait parlé qu'il y avait certaines sociétés qui pouvaient acheter des accréditations pour justement circuler. Tu vois. Je ne sais pas le prix de ça. Après, moi, je pense que nous, on est trop petits. Au niveau individuel, c'est un peu trop compliqué pour nous. Tu vois. Ouais. Et parce que tant qu'on n'a pas de contrat signé, on ne pourra pas se permettre d'acheter ça. Tu vois. Ouais, mais voilà, tu as toujours des contrats qui vont tomber. Voilà, je pense qu'ils vont tomber. Moi, j'ai toujours, entre guillemets, mes contrats qui étaient présents et que je vais honorer, tu vois, à mes prix que je fais d'habitude, quoi. Malheureusement. Heureusement pour moi, toute l'année, on va dire. Tu as des réservations pendant 2 mois. Tu as des réservations déjà pour la période des JO? J'en ai pour début juillet. Pas pendant dans le dur des JO. Du JO, mais 26 juillet, ouais. J'ai pas ça. J'ai peut-être une mission jusqu'au 20 juillet. D'accord. Ah ben c'est bien ça. Juste un petit peu avant les JO, quoi. Voilà. Et donc les JO, donc, tu vas tâtonner, c'est-à-dire tu vas fonctionner. Je vais attendre un petit peu avant. Ouais. En fait. Vraiment, si vraiment j'ai rien ouais, et que j'ai pas d'accréditation, j'irai pas faire de l'appli sur Paris. Ah ouais. C'est pas un truc, tu vois. Aller dans le flou, tu vois, c'est pas moi mon truc. Ouais, c'est plus ton truc, ça, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Tu vois, donc. Mais tu veux bosser par contre. Tu veux rester bosser par contre, ouais. Après, j'ai d'autres pistes, tu vois. Après, mais voilà, mais... C'est-à-dire partir en vacances? Non, me former, tu vois. Tu vois, je me dis, si t'as que 15 jours à rien faire. Ouais, autant te former. Ouais, donc voilà. Je pensais à ça aussi. Ouais. Donc, il y a toujours des choses à faire, quoi. Ouais. Mais après, pour ceux qui ont l'argent, pour rentrer, entre guillemets, d'une façon légale, c'est d'avoir comment on appelle ça, un dispositif TPMR dans sa voiture. Ah. Ceux qui sont apparemment Uber Access, eux, normalement, ils ont le droit. Hein. Ah ouais. Ils ont le droit, c'est-à-dire d'emprunter les voies réservées, tout ça. Voilà, c'est ça. Ils peuvent rentrer, ils peuvent rentrer. Normalement, ils peuvent même rentrer dans les zones rouges. Ah ouais. Ouais, donc ça fait qu'ils peuvent faire d'une pierre deux coups, du coup, ouais. Je vois. Voilà. Grâce à ça, c'est un peu leur laisser passer, quoi. Ah bien. Il dit de se former dans quoi? Bah, tu te formes dans ce que tu as envie, tu vois. Là, moi, j'aimerais former dans le numérique. Ça peut t'aider à... Bah, j'avais déjà une formation dans le numérique par rapport à la création de sites internet ou l'AdWords. Voilà, c'est ça, par rapport au référencement. Ouais. Tout ça, j'aimerais bien pousser un peu plus le truc. Ouais, c'est bien ça. Soit ça, soit tu peux... T'as vraiment rien à faire, tu peux faire une formation taxi. Tu vois, tu sais que j'habite un peu éloigné de Paris, tu vois. Ouais. Toujours des trucs à apprendre là-bas si jamais t'as envie de travailler en tant que taxi, tu vois. On sait jamais, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu peux passer une formation TPMR, toujours intéressant aussi. Ça, tu connais un peu, t'as des notions là-dessus sur le TPMR? Tu sais un peu c'est quoi là? Très vaguement. Je peux pas te dire, mais je sais qu'ils te forment à la prise en charge exactement. Et après, comme c'est que 2 jours, je pense pas que ce soit quelque chose de très compliqué, tu vois. C'est 2 jours seulement? Oui, c'est 2 jours. Ouais. 2 jours de formation. C'est pas, en fait, c'est pas une formation pour créer une société TPMR. C'est plus pour toi, tu puisses être formé à transporter des personnes qui sont en mobilité réduite. D'accord. Mais bien sûr, il faut le véhicule qui va avec. Après, oui, il faut avoir le véhicule qui va avec. Ça peut être intéressant pour plus tard, si toi, tu as envie de faire justement... si tu as envie, par exemple, de te spécialiser dans le transport, par exemple... d'enfants autistes ou des choses comme ça. Ouais. C'est vraiment un peu niche, tu vois, mais c'est possible. Tu peux avoir des contrats à l'année sur ça, sur des choses comme ça. Il y a French Riffy qui dit « J'ai passé le TPMR, c'est 2 jours. » Voilà, tu vois, 2 jours. Bah... Et les TPMR et les urgences sont autorisées. Voilà, tu vois. Et donc, alors, le fait d'avoir passé le TPMR et d'avoir le diplôme TPMR, ça y est. Il faut avoir le véhicule. Ah, il faut le véhicule, ouais. Voilà, c'est ça. Le véhicule de la formation ne suffit pas. Voilà, c'est ça. Sinon, c'est un bon plan. Hein. Bah oui, comment on passerait la formation? Ah bah t'imagines, si juste l'attestation de TPMR suffit, et même avec n'importe quelle voiture, à emprunter tous les trucs, c'est un régal. Bah oui, en plus, j'ai vu que l'application Uber, ils offraient la formation. Et ils font profiter. 2 jours, là. Ils vont en profiter. Bah oui, mais c'était aujourd'hui et demain, je crois. Ah ouais? Je n'étais pas au courant, tu vois, l'info n'a pas. Oui, mais comme tu n'es pas chauffeur, tu n'as pas l'appli, ils ne t'envoient pas de mail, tu vois. Ouais, mais sur le forum, c'est dommage qu'on n'a pas eu cette info là. Ils n'ont pas dit. Oh, bref. Ouais. Ah, tu vois, j'ai dit, Chabé recrute 1000 chauffeurs. Ouais, VTC. Ça c'est vrai. J'ai l'info et d'ailleurs, ils vont faire une communication sur Uberzone. Ok. Ouais. Ah, c'est bien. Félicitations à toi alors, du coup. Ils m'ont contacté récemment. Je ne voulais pas le dire tant que tout n'est pas finalisé. Mais tu l'as dit, du coup. Bah ouais, parce qu'il y en a qui le disent dans le chat, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, moi, ils vont la faire quand même, la com, hein, donc c'est bon. Ouais. Bah, quelque part, leur com a déjà commencé, tu vois, voilà. Ouais. Et en plus, ça passe même pas par moi, c'est les membres qui le disent, donc c'est très bien. Ouais. Tu vois, comme quoi, les meilleurs représentants, c'est les chauffeurs. Hein. Donc, ils vont recruter des chauffeurs secs, c'est bien ça. Ils vont leur passer les véhicules. Ouais, en salarié, par contre, hein, c'est vrai qu'ils cherchent des salariés, mais pas que pour les JO, il y a aussi d'autres événements. Enfin bref, il y a une. Oui, d'habitude, ils font ça. Enfin voilà. Par exemple, je sais qu'ils faisaient aussi Roland Garros, des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant pour certains chauffeurs qui commencent. Ah oui, tu parlais des capacitaires, rattachés et des rattachés, voilà. Ouais. En fait, j'avais dans mon entourage un ami qui travaille dans les hôtels, mais lui, par exemple, son carte de séjour, il peut pas être patron, tu vois. Et donc, c'est un des cas où le rattachement pour travailler en tant que VTC, c'est sa seule possibilité, tu vois. D'accord. Il peut pas faire auto-entrepreneur, il peut pas, tu vois, il peut aucun statut de chef d'entreprise, quoi. Pourquoi? Parce qu'il est juste résident, il n'a pas encore la nationalité. Il a que la carte de séjour, je crois, courte, mais bon, non, pas courte, parce qu'il a réussi à faire venir sa femme et ses enfants. Ouais. Ouais, donc il a un titre de séjour de 10 ans peut-être. Je crois, parce qu'il travaille là depuis très longtemps, mais il peut pas créer sa boîte. D'accord, parce qu'il faut la nationalité pour créer sa boîte? Je ne suis pas sûr. Hein. Non, Ça, je sais pas. Je pense que ça doit dépendre de la nationalité, ça doit dépendre. Tu peux créer une entreprise. Lui, sur sa carte de séjour, il y a écrit que salarié. Enfin, que embauché, tu vois, que employé, tu vois. D'accord, ok, je vois. Et tu vois, malheureusement pour lui, tu vois, je cherchais, tu vois, pour lui, mais bon, il a trouvé une combine, c'est de passer par un oncle qui crée la boîte et. Après, il faut vraiment être en confiance, tu vois, mais son oncle créera la boîte et lui, il gérera tout, quoi, pour lui. Ouais. Ah ben écoute, voilà. Merci hein, pour tout ce passage encore très instructif, pour ce témoignage. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de t'avoir à l'antenne. Tu fais partie des piliers du forum, hein, Cui. Hein, merci. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Je te le dis sincèrement. Ouais. J'ai hâte que Spike passe en live aussi. Ouais. Bah, t'as vu, il est ressorti là. Il a posté récemment. Oui, il nous a sorti un message des. Ouais. Il nous a surpris tous. Hein. Ouais. C'est un peu Noël quand il. Quand Spike. Ouais. Putain. Alors qu'avant c'était un message par minute. Mais. Ouais. Là, mais tu sais qu'il m'a dit, comme lui et moi, enfin, je me rappelle à l'époque, il me disait parce que moi je l'ai déjà vu plusieurs fois en vrai. Ouais. Et il me disait, c'est vrai que c'est très chronophage quand tu es dedans. Ouais. Moi, au début, tu vois, moi, je l'ai lâché depuis. Ça fait un moment que j'ai lâché. Et quand j'ai revu certaines de tes vidéos, ça m'a remis dedans. Ah ouais. Après, tu en es addict. Hein. Bah oui. Et Spike sur Lyon aussi, il est à fond. Hein. C'est un mec qui c'est un vrai entrepreneur, hein, Spike. Hein. Attention, ça rigole pas, là. On est sur un gars qui a développé des business. Il est à fond dans ses business aussi, donc c'est normal. Il n'a pas le temps, en fait, tu vois. Et voilà, c'est très bien. Oui. Mais ouais, j'aimerais bien, lui carrément, j'aimerais bien l'interviewer. C'est pas juste, je veux pas juste le faire passer à l'antenne. Lui, je veux aller le voir là-bas et faire une vidéo avec lui parce que c'est une mine, ce mec. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent pas développer. Depuis le Covid, les dés ont été relancés, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu des contrats, qui ne travaillent plus, par exemple, ou qui n'ont pas assumé. Ou qui ont fermé leur boîte et tout. Ouais, ou qui étaient trop gros, tu vois, qui ne pouvaient pas assumer leur chauffeur, etc. Ouais. Et qui n'ont pas été payés, par exemple, à temps, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été... Enfin, tu vois, tout est encore possible. Quoi. En plus, avec les JO, c'est pareil, tu vois, tout est encore possible, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, il y a... Et là, il y a Farid par rapport à ce qu'on disait sur les TPMR dans le chat qui dit « Je transporte des enfants ou des personnes âgées tout à fait mobiles mais qui nécessitent une attention particulière. » Donc le TPMR, c'est pas que des fauteuils roulants. Enfin, faut le savoir. Oui, mais il faut quand même... Je crois que pour être un véhicule TPMR, il faut au minimum la planche. Ouais. Tu sais, d'appui. Ouais, la passerelle, la barre. Ouais. Ou une petite barre, tu vois, pour te maintenir. Ouais. Voilà. Après, je dis pas que c'est pas possible, hein, mais... Pour passer dans Paris, il faudra le véhicule, il me semble. Voilà, je peux pas... Après, lui, s'il fait ça habituellement, et que, tu sais, tu as beaucoup les voyages scolaires et qui font les deux, tu vois. Ouais, ça peut être intéressant d'avoir l'information là-dessus, hein, parce que ça peut être pas une faille, mais un petit truc à exploiter peut-être, qui sait. Bah, chaque niche, dans le VTC, c'est très large, il n'y a pas que Uber. Ouais, bien sûr. Ça, c'est la leçon à prendre aujourd'hui, on va dire. Il y a tellement de besoins. On va dire Uber, ça répond peut-être à 80-90% des besoins. Ouais. Et le reste, c'est vraiment... tout le monde a sa carte à jouer sur le reste. Quoi. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui t'a écrit en chinois. C'est lisible pour toi ou c'est du vent? PMC, il t'a écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Ça se lit? Oui, mais il écrit en ancien chinois. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit merci. Ah, voilà. Il me souhaite quelque chose. Ouais. Travail. Voilà, tu vois. Ah, ouais. Transporteur, il dit je vais coller un macaron Uberzone, comme ça je vais passer. Essaye toujours. Tu verras. Tiens, j'en ai là, si tu veux. Tiens, ton macaron. Voilà. Il met police, il passera sur. Il va le faire le fou ou pas? Ah, d'ailleurs, je veux bien un mug. Faut que tu m'en balances un. Toi. Je vais passer commande. Je vais commander. Okay. Je vais commander des produits et bien sûr, il y en aura un pour toi. J'ai trouvé le fournisseur grâce à un gars du forum d'ailleurs, Miguel. Ah oui, ça va, tu m'en parlais. Pas Miguel de Lyon, mais Miguel de Paris. Merci beaucoup. Cui. Le Miguel du 92. Exactement, ouais, c'est ça. Ah ouais, d'ailleurs, tu voulais rentrer en contact avec lui? Oui, je les attends toujours. Je crois que tu avais donné mon numéro. Mais non, j'ai zappé. Autant pour moi, j'ai zappé, mais je vais m'en occuper. Okay. Et puis de toute façon, s'il écoute là, le live, s'il est là ou s'il écoute en replay, il faut qu'il sache aussi que tu es joignable aussi sur Uberzone, les gars. Vous êtes joignables aussi mutuellement sur Uberzone. Oui. Après, c'est vrai que voilà, j'ai tellement de choses, j'ai complètement zappé. Tu m'excuses, mais voilà, j'y penserai. J'essaierai de lui transférer ton numéro et lui expliquer. Ok, ça marche. On fait comme ça. Ouais, bon. Merci beaucoup. Bon, bon courage tout le monde. Ouais. C'est un peu difficile en ce moment. C'est un peu calme, mais ça va reprendre avec Pâques. Moi, j'avais espoir. Voilà. Ouais, ouais. Ah, tu vois, il est là. Il est 95, Miguel Cortez. Tu vois, il est là. Ah oui. Ouais, ah oui. Il est là. Okay. Ouais. Ils sont là, les Spartiates, je vous dis. Ils sont là. C'est ça qui est bien. C'est trop bien. Bon, à bientôt. Je vous laisse. Merci. Ciao, ciao. Bonne nuit. À bientôt. Courage. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eh ouais, il est là, Miguel. Il m'a contacté, Cui, pour avoir ton contact. Parce qu'il t'a trouvé intéressant et potentiellement, il voulait t'intégrer un petit peu dans son réseau, voilà, pour partager des choses et tout. Donc voilà, quoi. Allô, allô. Oui, frérot, comment tu vas? Ça va et toi? Quelle surprise. Ça va? Tu m'as pris par surprise. T'as vu? Je regardais si j'étais sur le bon numéro. J'ai dit, je sais plus si c'est lequel. Je sais plus. On a trop de téléphones, trop de numéros. Mais comment tu vas? Ça va? Ça va très très bien. D'habitude, tu nous fais une petite intervention dans le chat, mais là, non. T'es venu direct. Parce que j'étais absent. Je viens d'arriver. D'accord. Donc direct à l'antenne, direct. Pas de. C'est ça. T'as pris un raccourci. J'ai dit la surprise. Voilà, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça va, ça se passe bien l'émission. Ouais, c'est super. C'est très bien. Ouais. C'est très très bien. Miguel, bah, j'ai dit, je voulais intervenir quelques minutes pour les JO. Ouais. Moi, ce que je pense, alors regarde, je vais donner mon avis, ce que je pense. Ouais. Je pense que ça serait dommage que les chauffeurs qui sont à Paris, ils participent pas aux JO. Voilà. Moi, je pense que. Après, il n'y a pas de garantie, tu vois. On peut pas être sûr, que ça va marcher. Mmh. Mais c'est un peu, tu vois, comme si tu es sur la Côte d'Azur. Et l'été, tu pars en vacances, tu vois? Ouais. Tu peux pas, en fait. Moi, si par exemple, je suis sur la plage, je suis restaurateur, je peux pas partir au mois d'août. Là, c'est un peu pareil, tu vois? Et malgré le fait qu'il y ait des embouteillages, sûrement, ça, tu vois, c'est logique, quoi. Il va y avoir des embouteillages, il va y avoir ça. Mais ça va se compenser, je pense. Mmh. Forcément, les taxis, c'est ceux qui vont gagner. Pour moi, je te donne mon avis à moi. Je l'ai dit tout à l'heure. Les taxis, ça va être les grands gagnants. Ah, ils vont croquer à mort, ouais. Voilà. Pour l'instant, eux, c'est bon, c'est les grands gagnants. Mais s'il y a des VTC qui pensent prendre des vacances, moi, j'attendrai un peu encore. Voilà. C'est le message. Moi, c'est le conseil que j'attendrai parce qu'on a vu que. Pendant la Coupe du Monde du rugby, il y a eu quand même des belles courses. Tu vois ce que je veux dire? Malgré les embouteillages, après, bon, ben, y a ce problème de cette zone, tu vois, où c'est qu'on va pouvoir déposer les clients. Ouais. Mais pour moi, à un moment donné, regarde, si les taxis déposent, eux, ils vont pouvoir déposer, d'accord? Mais les taxis vont être submergés de travail à un moment donné. Donc, les clients, ils vont faire quoi? Ils vont passer par des VTC. Bah oui, s'ils ne trouvent pas de taxi à porter, forcément. Ben, voilà. Donc, plus, à un moment donné, ça va être… Parce qu'il y a un énorme engouement, tu vois. Il y a le prix des hôtels, il y a tout qui a explosé. Donc, je ne vois pas pourquoi le transport, ça ne va pas exploser. C'est clair. Donc, je pense que, tu vois, même s'il y a des zones, il va falloir marcher, ben, les gens, ils marcheront. Hein. Les gens, ils marcheront. Ouais. Moi, quand il y avait la Coupe du Monde de rugby, là, à Marseille, moi, je sais que j'ai conduit pas mal de personnes, des Anglais et tout ça. Et les gens, ben, ils ont accepté. Hein. Je leur ai dit, écoutez, moi, je vous ramène, il faut y aller franco, tu vois. Tu discutes avec eux. Ils comprennent, les gens, la situation, tu vois. Ils comprennent quand il y a des embouteillages, quand c'est compliqué. Alors, après, tu as toujours le client qui va être relou. Tu en as un de temps en temps, il va te dire, ah non, mais moi, je veux que vous m'emmeniez… Même si ça prend du temps, démerdez-vous, tu vois. Mais la majorité, ils comprennent. Et tu les laisses, ben, ils marchent un peu. Hein. Moi, ça m'est arrivé pour la Coupe du Monde. Ils marchaient 10 minutes, ils marchent 10 minutes. Hein. Ouais, ça fait pas de mal, ouais. Ça fait pas de mal. Et comme je te dis, regarde, moi, j'ai eu même des clients, même de eux-mêmes. C'est des gens qui sont allés voir l'Angleterre, par exemple, le match de l'Angleterre de rugby. Ouais. Et c'est de eux-mêmes qui m'ont dit, regardez, dès qu'il y a les prolongations, on commence à sortir. Tu vois ouais. Après, comme je t'ai dit, tu peux tomber un peu sur tout. Mais je pense que ça va se rattraper. Et puis, les prix vont être en conséquence. Et c'est dommage, c'est un événement mondial, planétaire, tu vois. Oui. Donc, vous, à Marseille, vous avez, deux sites. Hein. Vous avez le stade de Marseille et vous avez la marina de Marseille. Hein. C'est ça. Il y a la, apparemment, il y a la voile. Du coup, il y a tout ce qui est sport nautique, tu vois. Il y a tout ce qui est sport nautique. Après ça, je ne sais pas comment ça va apporter. Après, à Marseille, précisément, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être la folie. Et il y a les matchs de foot, tu vois. Mais après, les matchs de foot au stade de Marseille et la marina, c'est sûrement des compétitions de natation, je pense. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est la voile. Il y a la voile, par exemple. Il y a, je suis sûr qu'il y a, le kitesurf ou des trucs comme ça. Marina, vois, c'est le port, ça. Tout ça. Mais après, est-ce que les gens ils sont vraiment fans? Peut-être, je ne sais pas. Après, c'est quoi le plus gros des JO? C'est l'athlétisme, les trucs comme ça. Ça va être pareil. Il y a des fans dans tous les sports, il y a des fans en fait. C'est ça. À plus grande échelle dans certains, mais il y a des fans dans tout. Il y a des fans de voile dans le monde. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et quand moi je vois par exemple pour le rugby, tu vois, parce que moi je me disais, nous on est foot et tout, donc là je me suis dit le rugby, mais il y a des gens, ils sont fanats de rugby à mort, tu vois, et j'ai vu qu'en plus c'était des gens qui avaient de l'argent, alors j'essaie de faire un peu la comparaison, et je me dis que pour les JO, c'est des gens aussi qui ont des sous, et ils savent que tout va être cher, donc même si on est dans les bouchons, tu sais, il y avait des prix de fou, hein. Moi je sais, je parle pour moi, pour la Coupe du Monde là, de rugby à Marseille, les prix, c'était des prix beaucoup plus hauts que les prix qu'on a, tu sais, pour les mois d'août, de juillet. Là, c'était largement au-dessus. Hein. Tu avais des courses, même sur les applis, tu avais des courses de 10 km à 100 euros. Incroyable. Ah ouais. Ça sonnait à 10 km. Ah non, c'était des... Après, ça ne l'a pas fait à tous les matchs. C'est quand il y a les Anglais. Mais là, je me dis, si c'est similaire, ben écoute, à un moment donné, si on est dans les embouteillages, on est dans les embouteillages. On les facturera. Ouais. Et le fait de se dire dès maintenant, bon ben non, ça s'annonce mal et tout, je vais réserver mes vacances et tout, pour moi, après c'est mon avis, je sais pas ce qui va se passer, moi j'ai pas la boule de cristal, mais j'attendrai, je jouerai le jeu. Et je tente, et si cet été finalement, ben qu'est-ce que tu veux faire? Si c'est pas la folie, c'est pas la folie, mais de te dire, t'es VTC parisien, tu es là toute l'année, tu galères quand c'est l'hiver, tu es là, tu regardes les courses à 9 euros. Et quand tu es susceptible de bien travailler, même s'il n'y a pas de garantie, toi, tu pars. Ah non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Après, personne qui va te les donner, les garanties. Moi, je dis aux gars, il va avoir des majorations et ça peut péter. Ça peut... Eh bien, si ça ne pète pas, ça ne pète pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu auras l'esprit tranquille, tu es professionnel, c'est ton métier, tu es là. Pas de regret, quoi. Et pas de regret. Il y a Yo qui te dit il ne veut pas que les VTC débarquent en force dans le sud pendant cette période. Non, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que ces événements-là, c'est largement au-dessus des tarifs qu'on peut pratiquer sur la Côte d'Azur, tu vois. Si en appli, t'es à 10 euros le kilomètre, alors tu vois, c'est... Il y a eu des tarifs dans le privé, là. Il y a eu du 20 km de 100 euros. C'était des gros... C'est exceptionnel, tu vois. Des fois, on galère avec des courses à 9 euros. Et puis... Mais là, non, je pense qu'il y a des gens qui ont énormément d'argent. Il va falloir le mettre en valeur. Ceux qui peuvent, qui ont les sites, ils commencent à travailler, voir un peu les réservations. Moi, je serais optimiste, tu vois. Franchement, si ça pète vraiment et que toi, tu as pris tes vacances, il ne te reste plus que tes yeux pour pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et même moi, au contraire, moi, si ça serait moi, je serais à Paris et que ça serait mon métier principal comme ça, moi, je prévois de faire des heures maximum, tu vois. Tu te déchires au taf. Et on met le paquet. C'est tellement important dans le VTC de prendre le travail quand il y est. Pour moi, c'est une des bases du métier. C'est dans toutes les activités, dans tous les métiers, c'est comme ça. Mais dans le VTC, ça échappe pas à la règle. Et quand c'est calme, on fait quoi? On profite de nos familles, on profite, on fait ce qu'on a à faire, on va à droite, à gauche. Mais quand il y a du métier, quand il y a du travail, il faut être là, tu vois. Au contraire, il faut essayer de se... Et les 15 jours qu'il y aura, il faut se dégager l'emploi du temps maximum, tu vois. Prévoir des très grosses journées, bien sûr. Bon, après, il y a la fatigue, il y a la santé, tout ça. Bien sûr, tu vois, on ne va pas revenir sur ça. Mais moi, je dis aux gars, si vous êtes sur Paris, c'est un événement que... Je ne sais pas c'est quand qu'il y en aura un autre comme ça. Prévoyez même des journées si vous y arrivez physiquement. Après, comme j'ai dit, la santé. Mais si vous pouvez faire des 15 heures, c'est le moment de mettre à gauche. Hein. Et l'hiver, les courses à 9 euros, on ne les prendra pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est clair. C'est clair. C'est un point de vue qui s'entend, hein, clairement. Mais c'est vrai. Et moi, plus, je dis, franchement... J'imagine que quelqu'un, en plus, qui a développé, qui a commencé à avoir du réseau, etc., il se peut que pendant cette période-là, son réseau le sollicitent plus que d'habitude. Mais oui, c'est ça. Aussi, mais ouais. Je te jure, il y avait plus de chauffeurs. Ouais. Là, pour te dire, les événements comme ça, mondial, les Coupes du Monde, des trucs comme ça, il n'y a plus aucun chauffeur de disponible. Même que ça soit chauffeur privé. Alors eux, les gars sur réservation, ils sont... Là, il y en a déjà qui ont booké déjà. Hein, ça commence déjà. Ouais. Alors, je te dis même pas... à la dernière minute, il n'y aura plus personne. Non, moi, j'y crois. Après, oui, la problématique, tout ça, la mairie de Paris, elle n'a pas fait d'efforts. Mais comme je t'ai dit, les taxis vont être saturés. Les gens, il faudra qu'ils marchent. Eh ben, ils marcheront, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Il faudra les faire marcher, leur expliquer. Ça ne sera pas des distances de fou non plus, je pense. Hein. Bah, de toute façon, comme je t'ai dit, s'il n'y a pas le choix. Et puis, je pense que ça va faire l'offre de... Je ne pense pas que les applis vont brider les prix à ce moment-là. Je ne pense pas, moi. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Bah, on a cet exemple-là de la Coupe du Monde qui est récent, où les prix avant la Coupe du Monde, ils étaient faibles et ça a explosé. Après, pourquoi ça n'a pas explosé à tous les matchs, je ne sais pas. Je sais pas. Ça, c'est... Il y a des trucs un peu qu'on ne peut pas savoir. C'est un peu comme les algorithmes, les trucs comme ça. Parce que, alors, il y en a qui ont dit, quand c'est des numéros étrangers, ils ont pris des commandes en France, comment dire, les prix sont plus élevés, je sais pas. Ça avait vraiment explosé cette journée-là, tu vois. Les gars en appli, en 10 heures, ils faisaient plus de 1 000 €. Tu vois. Ouais. Si tu passes à côté de ça, voilà. Moi, c'était mon message. Moi, jamais de la vie, je prendrai déjà mes vacances, je réserverai mes vacances maintenant. Au pire des cas, si vous n'êtes pas sûr, attendez, laissez-vous encore du temps, mais allez-y les gars, moi je reste ici dans le sud parce que j'ai plein d'activités, mais franchement pour ceux que... Moi j'y crois, hein. Après on verra bien, de toute façon on en reparlera d'ici là, de toute façon je pense. Bien sûr, ça va être énorme, ouais, ça va être énorme. T'as vu ouais. Je sais pas si tu as vu l'engouement qu'il y a autour de ça, c'est un truc de fou. Hein, ça occupe une grande place dans les médias, en tout cas. Hein. Eh ouais, non. Attends, les gars, ils sont... Même le métro, je crois, il a augmenté, c'est ça. Hein. Le métro, je crois, ils ont augmenté même. Hein. Non, mais ça, c'est pas correct. Je crois qu'ils ont... Je veux pas dire de bêtises, mais je suis presque sûr qu'ils ont augmenté même le prix du métro. Ils l'ont mis beaucoup plus cher, tu vois. Je te parle même pas les Airbnb et tout. Ouais. Donc, pourquoi ça va pas suivre le transport ça va suivre. Et en plus, s'il y a plein de chauffeurs qui se disent « moi, je pars », franchement, c'est… Non, voilà. C'était mon petit message. Bah, intéressant. Merci pour ton intervention. Ça donne un point de vue différent. Des arguments qui s'entendent. Hein. C'est vraiment intéressant ce que tu as dit. Moi, je trouve que… Moi, personnellement, tu vois, c'est vrai que je pourrais être facilement partisan du « je me taille ». Tu vois toi tu... Ouais. Mais après, je suis pas dans le business comme un vrai chauffeur, etc. Mais là, je l'entends. C'est vrai que si j'étais dans l'activité et que j'ai une vision annuelle, etc., je pense qu'un événement comme ça, en effet, je crois que tu m'as convaincu que c'est un truc dont il ne faut pas laisser, faut pas passer à côté, peut-être, je pense. Ah non, moi, je suis à 100%. Après, je comprends toutes les trucs, mais dans ma tête, c'est 100%, il faut rester. Même pas, je dis 99%, pour moi, c'est 100%, il faut rester. Il faut jouer le jeu. Tu ne peux pas, comme je t'ai dit, c'est ton truc, c'est ton territoire. Le monde entier vient dans ton territoire et toi, tu vas partir. Ouais, c'est ton business. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Les gens, ils payent des 1 500 € la nuit. Tu crois qu'ils vont pas te lâcher un billet, toi? Eh ben, si finalement, ils arrivent à trouver des transports, tout a augmenté, nous, on n'augmente pas, ben, c'est un truc de fou. Ben, tant pis, on aura essayé, mais je crois pas. Ils sont venus de l'autre bout du monde, Il faut pas être parano, tu vois. Il faut pas être parano. Tout qui a explosé, ça a explosé. C'est des prix incroyables, tu vois, des hôtels, t'as suivi tout ça, tout. J'ai vu pas mal de reportages à la télé aux États-Unis. Les gens, et du coup, ces gens-là, ils ont un budget bien sûr énorme. Après, je dis pas que c'est tous des gens super riches, mais en tout cas, ils viennent avec un gros budget. Et ils savent que, et je pense que ça va suivre la nuit, ça va se reporter en banlieue. Nous, par exemple, quand c'est Marseille, l'événement il est à Marseille, eh ben, les petites villes autour, ça prend aussi. Hein. Le soir, ces gens-là, ils vont sortir. H24, tu vois. H24. Ah bah écoute, merci pour ton intervention, frérot. Et... Mais merci à toi, merci, c'est un sujet intéressant. Ouais, écoute, les lives sont intéressants, tu sais qu'on a un bon public, toi et moi. Hein, on a un bon animateur aussi. Ouais, c'est gentil. On a un bon animateur, non, félicitations, franchement, merci. C'est pas pour dire, mais merci. Moi je me régale à écouter. Moi je me régale à écouter. Bah, moi c'est pareil, je me régale aussi quand je viens sur les tiens. D'ailleurs, le tien mercredi soir, j'y crois, j'ai vu passer l'information. Ouais, le sujet, c'est. Attends, dis rien, je l'ai vu, dis rien. Est-ce qu'on est des vrais entrepreneurs? Ouais, c'est ça. Voilà, hein, c'est ça le sujet. Que... J'ai vu, tu vois. Eh ben, tu vois, je suis connecté. Ça rejoint avec le. Ouais. Ça rejoint un petit peu avec les JO. Hein. Si on est des vrais, si on pense que c'est qu'on est des chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise, ils prennent leurs responsabilités. Et quand il y a du boulot, ils partent pas. Ils partent pas. Donc mercredi 22h30, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Mercredi 22h30. T'as poussé d'une heure, toi aussi. C'est mieux, je pense, en cette période. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, je pense que c'est bien cette période. C'est comme ça, si jamais il y a des gens, bah, tu vois, s'il y en a, ils veulent faire le jeûne, ils font le jeûne, le ramadan, ils profitent de la soirée en famille, et après ils viennent sur le live tranquille. Exactement. Ouais. Et puis nous, ça nous change pas grand-chose parce que tu vois, parce qu'au final, voilà, ça fait 22h30, c'est pas quelque chose de fou. Après, c'est pas très tard non plus, tu vois. Ouais. Donc le live de VTSLA mercredi soir à 22h30, sommes-nous des vrais entrepreneurs? Et comme tu le dis, ça rebondit pas mal aussi sur ce sujet, entre autres. Eh ouais, voilà. Écoute, frérot. Merci beaucoup. Merci, frérot. Et merci à toi. Reste comme t'es, change rien. Tu es au top. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et au chat aussi, hein, j'ai oublié de saluer le chat. Hein, Salut le chat à tout le monde. Mais je vais venir écrire là un petit peu. Ah, je suis là, je vais rester un peu. Ouais. Ok, c'est cool. Allez, bonne soirée. Allez. À plus tard. Merci, frérot. À bientôt. Bye. Eh ouais, VTSLA, il nous a pris par surprise. D'habitude, il passe par le chat d'abord, mais là, il a appelé direct. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On m'a envoyé un petit message, je vais vous le transférer le temps que l'antenne soit occupée, libre. C'est Farid qui m'a envoyé ça, et il a dit, regardez... Qu'est-ce qu'il a dit comme message ? Comment les syndicats taxis mettent la pression sur les politiques. On regarde son extrait. Je ne l'ai pas regardé, hein, donc j'envoie direct. Un petit mot pour les taxis, parce que là, pour tenir le coup, on attend avec impatience les élections. Mais là, on est... C'est pas la question. Juste après, je ne pars pas complètement. Ne vous inquiétez pas, je vois monsieur qui m'a demandé, et après, je vous vois. Allô ? Ouais, j'ai eu un appel entre temps, j'ai pas eu le temps de finir la vidéo. Je vais la remettre. Attendez, il y a monsieur Della qui m'a demandé. Merci bien. Juste après. Oui. Oui, madame Simonet, donc là on est submergé de VTC, je sais pas si vous voyez. Hein, on est. Et donc on commence à craquer. Il y a plein de taxis. Donc vous nous dites quoi là par rapport à. Allô Miguel. Monsieur Hakim. Comment ça va? Laisse-moi juste quelques secondes pour finir la vidéo que je viens de lancer et je te prends juste après. Ça te dérange pas? Non, il n'y a pas de souci. Merci, c'est un truc intéressant. C'est apparemment comment les taxis mettent la pression sur les politiques pour se faire entendre. Et ils parlent des VTC, donc cette vidéo est intéressante. Merci à toutes. Vas-y. Tout ça, parce que... Eh bien que le programme de Jean-Luc Mélenchon, il est clair là-dessus. Il faut revenir à la loi de 2009. D'accord. Vous allez revenir aux taxis et aux grandes remises, à ces deux métiers-là. Et on ne doit plus accepter le développement et l'exploitation de ces statuts d'auto-entrepreneurs qui permettent, que ce soit dans la filière VTC, mais que ce soit dans plein d'autres filières de services, de surexploiter les travailleurs avec quasiment pas de droit. Parce que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas... la plateforme ne cotise pas à votre sécurité sociale. C'est un modèle esclavagiste. Qui ne crée pas d'activité, qui fait une substitution. On paupérise les taxis d'un côté, on paupérise les VTC de l'autre, et c'est pareil dans les autres secteurs. Donc on doit continuer à se mobiliser. J'espère qu'il va être élu, parce que bon, on voit personne d'autre. Hein, sur cette thématique-là, on est les seuls. Bien sûr, on est les seuls. Donc ça veut dire qu'il va quoi? Qu'il va... Bah, il faut abroger la loi de 2009. Il faut en finir avec le statut d'auto-entrepreneur. Et quand il y a dans quelques secteurs que ce soit des plateformes qui veulent s'installer, eh bien il faut qu'elles soient contraintes de passer une procédure d'agrément, procédure d'agrément par l'État, qui les oblige à respecter la réglementation du secteur dans lequel elles viennent, la réglementation des métiers, les obligations sociales et fiscales. Ça veut dire par exemple que si une plateforme veut venir sur le secteur du taxi, eh bien pourquoi pas, mais ça veut dire qu'elle propose à des taxis la mise en relation avec des clients. Bien sûr. Et elles respectent toutes leurs obligations. Parce que là, ils ont chopé un loti il n'y a pas longtemps, on a vu l'amende, 68 €. Bah, c'est ridicule. C'est ridicule. Hein. Mais bien sûr, c'est du foutage de gueule. D'accord. Donc il faut attendre patiemment les élections. Patiemment, il faut convaincre autour de soi. Vous savez, si tous les taxis arrivent à convaincre 10 personnes, qu'est-ce qu'il faut leur dire, madame Fumet, pour les convaincre à fond? Ah, mais chacun va trouver dans ses convictions ce qui peut permettre de convaincre autrui. Il n'y a pas une recette magique, hein, sinon ça se saurait, on l'utiliserait à fond. Hein. Donc il faut chacun avec ses convictions essayer de convaincre. Et Asselineau, vous pensez qu'il est là pour diviser ou pour pourquoi? Vous savez, Asselineau, il a des positions quand même très ambiguës, très comment dire, nationalistes, qui frise avec le racisme d'une part, avec des délires complotistes de l'autre. D'accord. Mais il n'est pas là pour piquer des voix à Mélenchon ou à Front National, à Marine Le Pen. La vérité, c'est que c'est pas, c'est absolument pas un candidat qui peut permettre de faire changer la donne. Aujourd'hui, Mélenchon, vous voyez, il est en progression. Ouais, non, non, lui, il est clair et net. 130 000 marches à la manifestation de la Bastille. Au débat, il a cartonné, il était au-dessus du lot, mais alors de loin. Et BFM qui dit. Macron, c'est normal. Macron, il faut comprendre que c'est la voie directe des lobbyistes, notamment d'Uber & Co. Voilà. Non, on est tous pour Mélenchon, madame Simonet. Et puis, vous savez quoi, dimanche, c'est ma dernière représentation de mon spectacle, Uber, les salauds, mes ovaires, au théâtre, à l'Apollo Théâtre. Alors, il faut venir. D'accord. Voilà, à quelle heure? 16h30 dimanche. Dimanche. Voilà Farid, j'ai partagé cette vidéo. Je vais prendre maintenant mon ami Miguel qui attend patiemment. Salut Miguel, bonsoir, comment vas-tu? Ça va et toi? Très très bien, très très bien. Alors... Bon. Je sais pas, j'ai appelé, je voyais qu'il y a quelqu'un qui voulait rentrer en contact avec moi. J'ai pas trop bien compris, j'ai pris le live en cours de... De route? De route. Parce que là, je suis sur le terrain, hein. Bah, c'est Cui, notre modo, Cui, tu le connais. Je sais pas si tu l'as déjà vu passer sur Uberzone, mais très connu. Ouais, j'ai voulu lui envoyer un message, mais ils m'ont dit que son quota a été dépassé. Où ça? Sur Uberzone. Mais non. Bah écoute, je sais pas, j'essaie de lui envoyer un message. Il veut pas s'envoyer le message. C'est incroyable. Je vais regarder s'il peut pas recevoir, ou alors à lui de faire un peu le ménage dans sa boîte de messages privés sur Uberzone. Je savais même pas que c'était limité, ça tient. Tu m'apprends quelque chose là, sur mon propre forum. Bah ouais, écoute, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Je vais te mettre en relation avec lui directement, je vais te filer son numéro et inversement. Et vous pouvez... Ouais, donne-lui, tu lui donnes mon numéro, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, alors, tu as commandé tes super mugs? Toujours pas, mon ami, mais je suis sur 1000 trucs en même temps. Mais ouais, je vais m'en occuper. Et, par contre, je t'ai dit, je t'avais expliqué que le gars, c'est intéressant les produits qu'il a, mais il n'y a pas de simulateur. Du coup, il faut que je l'appelle, je ne l'ai pas appelé. Il faut que je l'appelle pour y voir plus clair. Mais je vais m'en occuper. Ouais, parce que le matin, comment tu veux que je bois mon café et que je le savoure? Je peux plus après, je peux pas. Je peux pas. Et sinon, par rapport à ce sujet du soir, tu avais des choses à nous apporter? Bah écoute, moi personnellement, les JO, je suis un peu mitigé. En toute sincérité, je suis un peu mitigé parce que je me dis qu'au final, est-ce que les applis vont pas garder leur prix un peu merdique? Dans le sens où tous les VTC vont débarquer à Paris. Donc en fait, ils vont se dire que tu vas avoir, je sais pas, peut-être 70 000 chauffeurs VTC qui vont venir, tu vois, par rapport à la masse de recrutement. Ouais, ou même de touristes en fait. Donc tu dis qu'il y a énormément de VTC en fait qui va venir. Donc du coup, au final, est-ce que ça va changer grand-chose? Est-ce que ton chiffre il va augmenter ou quoi qu'est-ce? En toute sincérité, je sais pas. Après, ce que disait VTSLA, c'est vrai, c'est une opportunité où il faut sortir un peu les doigts de derrière, tu vois, pour charbonner fort. Et répondre présent. Voilà. Donc après, c'est chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi je te cache pas, ouais, essayer une fois la journée. Après, je suis pas spécialement de la journée, mais je préfère la nuit. Mais essayer de voir la nuit ce que ça peut donner. Après, j'ai envie de te dire, comme tu auras quand même pas mal de clients étrangers, l'avantage, faut dire ce qui est, hein, en France, après c'est tout bête, tu vois, mais les pourboires, la clientèle étrangère, ils donnent, contrairement aux Français. Exact. Tu vois, donc ça, c'est pas un point à négliger. Donc du coup, en fait, même si entre guillemets tu fais des courses de merde à, entre guillemets, je sais pas, 6 km pour 9 € ou 10 balles, Derrière, si tu tombes sur un client américain ou anglais, tu sais que tu vas aller avoir ton pourboire, du moins plus souvent que si tu n'avais pas... on va dire que si tu avais une clientèle française, entre guillemets. Ouais, classique, ouais. Ouais. Classique. Donc, voilà, mais... je sais pas, c'est quand même mitigé, tu vois. Tu te dis quand même, est-ce que aller travailler pendant les JO, ça vaut le coup ou quoi qu'est-ce? Les gens qui font ça la journée, déjà chapeau. Moi, je te dis franchement chapeau. Parce que tu fais tes 2 km en 35 minutes, 40 minutes. T'as de quoi serrer, mais tu craques, quoi. Mais fort. Hein. Ah ouais, oui. Typiquement, tu vois, je vais te donner un exemple. Hein. Hier, j'ai craqué. Hein. Hier, quand je te dis j'ai serré hier. Ah ouais, oui, j'ai serré. Je fais... 2 km un dimanche à 19h pour Gare du Nord. Ouais. Oh, j'ai mis 30 minutes et j'ai dit au client, monsieur, si à la limite, désolé de vous dire ça, mais votre train, il est dans 15 minutes. Je dis là, on est à 1 km de la destination, on n'a toujours pas bougé. Je dis, à mon avis, si vous n'y allez pas à pied, vous ratez votre train. Ah ouais. J'étais obligé de dire ça au client. Parce qu'on n'avançait pas. Et tu sais quoi, au final, le temps que j'arrive à Gare du Nord, et 1 km, il m'a fallu encore 25 minutes pour les faire. Oh là là. Un dimanche à 19h. Je suis devenu fou. Ouais, qu'est-ce que je fous là, quoi. En fait, je me suis dit, mais sur le moment, je me suis dit, on est dimanche. À l'heure où j'ai pris la course, normalement, ça devrait le faire. Ouais, rien du tout. Quelle connerie. Déjà, quand j'ai vu rue de Dunkerque, Paris, j'ai dit, mais Miguel, pourquoi t'as pris ça? Ouais, déjà, ouais. Pourquoi? Déjà, l'erreur. J'ai dit l'erreur, tu vois, et je le sais pourtant, mais je me suis dit, vas-y, un dimanche, allez, je vais tenter. Non, c'est pas possible. Ouais, mais c'est bon. Donc, ça a servi de leçon, ça. Ça m'a servi de leçon. Alors, je me dis que pendant les JO, ça va être quelque chose. Mais je rejoins VTSLA sur le fait de sortir un peu les doigts du cul, tu vois, et de se préparer psychologiquement et surtout mentalement, hein, mais vraiment se préparer fort pour aller bosser, faire ce sacrifice-là pendant les 3 semaines, voire 1 mois, et voir ce que ça donne. Ouais, mais bosser intelligemment toujours. Hein. Oui, bien sûr, tu bosses intelligemment, mais tu peux pas, même si tu vas prendre ta petite course de 9 € pour 2 km en période de JO, alors déjà que dans un temps normal, en journée, 2 km, tu les fais en je sais pas combien de temps, mais là en période de JO, avec l'afflux de touristes, les trottinettes, tout le bazar qu'il y a à Paris quotidiennement, en combien de temps tu vas le faire? Ouais. En fait, le gros problème déjà de base, c'est le temps. À Paris, en fait, ce qui nous plombe, c'est le temps. Les bouchons. Ouais, les bouchons, tout, en fait. L'infrastructure générale, les travaux, les bouchons. Voilà, c'est ça. Et on sait très bien que déjà, les travaux ne vont pas être terminés pendant les JO. Ouais. Et en temps normal, là, ce n'est pas les JO et c'est déjà le bazar partout. Alors, imagine avec 50 millions de touristes en plus. Ouais. Mais toi, tu as prévu de rester, en tout cas. Tu n'as pas prévu de partir. Écoute, moi, je te dis franchement, ça serait moi, j'irais me pavaner au bled. Ah ouais. Tu vois? Mais je me dis qu'il faut que je profite pendant que j'ai encore ce fameux Pôle emploi, faire ma trésorerie et que j'aille charbonner et que je me force et que psychologiquement, il faut que je me prépare. Parce qu'en fait, j'ai pas le choix. En fait, si plus tard, entre guillemets, l'année prochaine, je vais être un peu plus tranquille, façon de parler. Mais il se peut que ton chiffre sur cette période vienne compenser justement ce que tu disais quand tu étais venu au live, vienne compenser les saisons basses, quoi. C'est pour ça que voilà, l'été, il y a de la matière, quoi. Ouais, bien sûr. Après, je pense que faut réfléchir à plein de choses et entre guillemets pas trop se poser de questions non plus, parce que je pense que peut-être qu'on anticipe un peu trop en disant ça va être le bazar, ça va être ceci, ça va être cela, et en fait ça se trouve qu'au final ça va être comme d'habitude et on va même pas, ça se trouve même pas voir la différence. Bon, j'y vais un peu fort quand je dis ça. Hein, ouais. Donc pour l'instant, je sais pas. J'avoue que je suis mitigé. Moi, la plupart du temps, quand tu écoutes les Parisiens, tous les Parisiens veulent partir de Paris pendant les JO. Ouais. Tu vois, donc. Ouais, mais les Parisiens, ils partent, ok, mais les touristes, ils seront là, par contre. Ouais, bah oui, ils seront là, forcément, et qu'ils seront là, mais je sais pas, est-ce que ça fera la balance entre ceux qui partent, ceux qui arrivent, mais ça reste quand même un événement, quand même... Et les tarifs, faut voir les tarifs des applis à ce moment-là. Écoute, je sais pas si les tarifs des applications vont augmenter ou pas. Voilà, vont suivre. En toute sincérité, je sais pas, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu as la moitié des autres chauffeurs VTC qui débarquent à Paris, au final, on va être je sais pas combien, Uber, Hitch ou Bolt, ils vont se dire, c'est bon, de toute façon, il y aura toujours un pigeon pour prendre une course. Ouais. Eh ben écoute, Miguel, merci pour ton intervention. Ah, pas de souci. Je te mets en relation avec Cui. Je te remercie aussi pour le plan que tu m'as donné pour les goodies. Je vais creuser. Pas de souci, avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Et puis, je dis encore un bonjour à monsieur AZF. Ah, tu l'as croisé? Bah, on a été boire un café tout à l'heure ensemble. Ah, mais c'est bien ça. Ouais, non, franchement, stylé. Super sympa, super cool, très, très, très bienveillant, de très bons conseils, comme la plupart des gens avec qui j'ai pris contact d'ailleurs sur Uberzone. Excellent. Il y a des connexions, c'est bien, il y a des connexions. Ouais, bien sûr. Cool. C'est cool. Voilà, cool. Monsieur Hakim. Merci, Miguel. Bon, bah écoute, je vous souhaite une bonne soirée, moi je vais continuer la mienne. Et elle a commencé comment, là, pour finir? Écoute, j'ai bien commencé au début, puis après je suis allé boire mon café, et du coup, après, dès que j'ai commencé à me reconnecter, silence radio. T'as commencé à quelle heure? J'ai commencé à 19h15. T'as combien là? 19h15, et j'ai arrêté, il était à 23h à peu près. Ouais. Et j'ai fait 113 balles en 4 heures. Ça va. Ouais, c'est pas dégueu. Pour un lundi soir, je trouve que c'est correct. Oui, c'est pas dégueu sur le ratio. Hein. Ouais, c'est pas dégueu sur le ratio. Sur 4 heures, ouais, ça va. Ça va, c'est pas dégueu. Ok, Miguel, bon courage pour la suite. Ouais, merci, monsieur Hakim. On se retrouve bientôt. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ciao, poto. Ciao. Miguelito. On a deux Miguel sur le live. Miguel Paris, Miguel Cortés et Miguel de Lyon. Ah ouais, il y a du Miguel. Il y a du Miguel sur le live. Ouais, c'est pas mal tous ces petits témoignages. Voilà, on aura traité le sujet quand même. On l'a traité le sujet. Pablito, comment estás? Ouais, molto bene, amigo. Molto bene, tu nous as fait un mélange. Molto bene, c'est de l'italien. De l'italien. Come estás, c'est espagnol. Non. Tu nous as fait... Mucho caliente aquí. C'est la fuerza. Pablito. Quand tu prends des clients et tout. Et je te jure, tu apprends des langues des fois. Et des fois, c'est vrai que le latin, tu mélanges tout. Ça fait un bail. Bah ouais, ça fait un bail. Mais en tout cas, c'est bien. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de te voir sourire. Et des fois, les gars, juste pour te dire, surtout avec Aïssam, mais des barres. Ah ouais. Et j'ai l'impression, je me dis, bientôt, il va passer le mec sur Netflix, sur Amazon Prime et tout. Ah ouais, carrément. Et les punchlines, des fois, les anecdotes et tout, comment ça rigole. Je te jure, c'est devenu un truc, mais au-delà du VTC. Mais c'est naturel, frérot, c'est naturel. On est au naturel, en fait. On va dire la commu, Uberzone, les mecs, tu vois qu'il y a de la qualité. C'est du ouf. Donc le barbecue, franchement, les beaux jours, là, il faut il va falloir faire un truc. C'est obligé. Juste pour rigoler, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, ça sera une soupape aussi pour beaucoup, pour se rencontrer, etc., échanger. Comme disait tout à l'heure le collègue, tu vois, c'est des connexions. Et c'est ça ce qui est bien chez toi, c'est les connexions. Ouais. Bref, mon ami, moi, juste rapidement par rapport au sujet, parce que c'est un sujet très, très, très chaud, très intéressant, tu vois. Ouais. Moi, j'aurais tendance à te dire, c'est la politique du verre à moitié plein, à moitié vide, tu vois. Ouais. Chacun, Et d'ailleurs, je te jure, j'ai été captivé depuis tout à l'heure. Ouais. Et d'ailleurs, la vidéo, je te l'ai envoyée. Pourquoi ? ouais. Par rapport aux élections, tu vois, ouais. Bah après Mélenchon et tout, on s'en bat les steaks, c'est pas ça. Ouais. C'est juste pour te dire que le lobby taxi, il lâche pas la grappe. Peu ouais. importe le candidat, voilà. ils sont sur tous les fronts. Ouais, 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 ouais. C'est ça les gars. S'il n'y a ouais. pas que Hidalgo, la politique, c'est de la diplomatie, tu vois. C'est du lobby. Lui, assis, voilà, ils sont partout, sur tous les terrains, etc. Ouais. Donc effectivement, ils vont croquer, tant mieux pour eux. C'est des collègues, machin, j'en connais, même dans la famille et tout. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je pense qu'il y a, voilà, pour tout le monde. Maintenant, par rapport au VTC, pour revenir à cette politique du verre, voilà, à moitié plein, à moitié vide, c'est les bâtons dans les roues. Et par rapport à ton coup de gueule tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Il y en a trop, il y en a marre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire les voix, les trucs, t'as pas accès, t'as pas ceci, à dire que les mecs, ils sont là pour je sais pas quoi, pour déranger. Au contraire, c'est l'attractivité de Paris, machin, etc. Tu vois. Et quand tu me parles, par exemple, de rattacher eux par rattacher tout à l'heure, je comprends. Mais ça, je pense que l'être humain, il a toujours besoin d'un coupable. Certes, il faut réglementer. Certes, il faut faire du ménage. Et il y avait un autre intervenant qui avait parlé des fausses cartes à l'époque, des cartons et tout. L'activité, elle a augmenté. Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Moins de chauffeurs, plus de clients. Là, plus de chauffeurs, moins de clients. Et ça s'équilibre, ça se déséquilibre. C'est des cycles, en fait. Tu vois, c'est des cycles, c'est des mouvances. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que là, pour l'instant, ils se prennent pas la tête avec ça, et peut-être l'année prochaine, ils remettraient le couvert, ils vont essayer, si justement il y a des syndicats, etc., une corporation qui commence à se structurer, et qui soit uniforme, pas chacun il tire la couverture dans ce sens-là, tu vois, et là peut-être ça va se réglementer un peu plus. Par rapport à cette histoire de rattacher, tu vois, parce que sur les derniers lives, ça insiste beaucoup, machin, etc. Moi, mon avis, mon humble avis, c'est quoi? C'est que comme ça draine beaucoup de monde, il n'y a pas que forcément des RSA et tout, hein. Attention, hein, tu as des mecs qui sont bien, ils payent leurs impôts, ils sont salariés, mais ils n'en peuvent plus. Le mec, il paye déjà assez d'impôts, il se dit pourquoi je vais me faire carotter encore. Il y a de tout. Hein. Il y a de tout, c'est hétérogène. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai dit RSA, mais c'est pas généralisé. Ouais, pas que ça. Hein. RSA moi, chômage, mais c'est pas généralisé, c'est vrai. Voilà, en Berlin et tout, ils font ça, tu vois. Donc, un mec en Tesla, il n'est pas au RSA. Hein, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Donc, il y a de tout. Moi, une fois, un collègue, il m'avait montré là, tous les mecs qui sont dans son truc, et tu vois rien que la gueule des baliens, tu sais que derrière, voilà. Mais les mecs, ils en ont ras le cul de payer des impôts. Ouais. Ouais. Donc, mais toi, si par exemple, là, ton taf et tout, déjà, tu claques 5 balles, 6 balles dans l'année, pourquoi tu vois ce que je veux dire? À un certain moment, elle est où la renta? Là, là, par exemple, tu vois, c'est intéressant l'exemple que tu me prends. Tu me dis les gars qui sont déjà salariés. Mais les gars qui sont salariés, justement, c'est à eux de trouver la structure où ils vont pas avoir à payer encore des cotisations sociales, etc. Par exemple, la SASU à l'IS, c'est parfait, il va payer ses 15%. On est d'accord. Tu payes tes 15%. Voilà. Mais tout le monde n'est pas sachant, Hakim. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais. Voilà. Moi, je préfère être carré, quoi, tu vois. Je paye un peu d'impôts, bien sûr, j'en paye. Par rapport à ça, une fois, t'en as parlé et tout. Mais après, pareil, les mecs ici, il y a des fiscalistes, des avocats, des comptables dignes de ce nom, mais des vraies pointures, c'est pas pour rien. Tu le payes, mais le mec, tu sais que derrière, tu récupères tes sous. Ouais, voilà, ouais, il va t'optimiser le truc. Moi, je vais pas. Il va t'optimiser, il y a moyen d'optimiser à mort. D'ailleurs, le problème, encore, plus tu gagnes d'argent, moins tu payes. Ouais, exactement. Mais là où je rebondis encore sur ce que tu dis, c'est que le problème des gars, quand ils sont calés, qui commencent à avoir du volume et de la masse, ils n'arrivent plus à faire du personnalisé, de l'individualisé, au point qu'ils finissent par délaisser, c'est juste de l'enregistrement, vas-y, paye tes adhésions mensuelles, et c'est tout. Mais il ne va pas venir vraiment au cœur du problème et au cœur de ta situation pour te l'améliorer. Le problème, dans les boîtes, elles font du volume. Et quand ils font du volume, il n'y a plus d'individualisme. Voilà, c'est ça le problème. Tout à fait, mais tout à fait, c'est exactement ça. Tu vois, c'est exactement ça. Donc, il y a à boire et à manger. Moi, je pense, par rapport à ça, dis-toi bien une chose, Uber, etc. Pareil, les mecs, c'est des lobbyistes, comme la vidéo que je t'ai envoyée tout à l'heure. Donc, tu n'as pas intérêt à soulever ce qu'il y a sous le tapis, tu vois. Tu dois laisser la merde, la poussière, parce qu'il y a derrière du volume derrière. T'imagines, demain, tu mets un pied dans la fourmilière et tu leur enlèves 50% de leur putain de chauffeur. Ils font comment? Ah, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Donc, c'est pas prêt de bouger. Non, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, parce que derrière, il n'y a pas un truc à l'unisson. Comme c'est des trucs indépendants, bah, les mecs, ils font 200, 300 euros par jour, pareil, paye ses cotises, machin, etc. Il fait ça en complément. Mais c'est bon, pourquoi tu veux qu'il aille se casser la tête? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Et là, ils surfent sur ça. Là, il faut peut-être, il y a peut-être une carte à jouer là, avec les prochaines élections, non? Justement, c'est pour ça que je te dis, voilà, il faut s'inspirer. Les mecs, ils sont sur tous les fronts, ils lâchent pas. Il n'y a pas un candidat, même si le mec, il est pareil, mais au moins, il pousse. Donc, quand tu as justement des pressions à droite, à gauche, eh ben les gars, on vous met les voies réservées, vous mettez un petit peu le bordel. Ben, c'est bon, on vous le laisse, après, on vous le laisse pas, et après. Donc, c'est ça le truc. Donc, les gens, ils ne sont pas respectés. Tu vois, ils ne sont pas respectés. Et tout à l'heure, il y avait, je crois que c'est Tariq, il a voulu nuancer. Et mais Tariq, moi, je te le dis, hein, avec Hakim, il n'y a pas de tabou. Tant que c'est... on connaît les communautés, les Noirs et les Arabes, ils disaient, on laisse les mecs dans leur merde. Basta. Moi, je vais être franc et cash, tu vois. Tu vois pas ça dans d'autres villes et tout, tu vois. Donc, ouais, bien sûr. Voilà, il y a aussi de la discrimination. Ouais, dans le sens où on ne mérite pas d'être aidé, quoi, c'est ça? Exactement. Ouais. Voilà. Parce qu'on est une certaine frange de la population, donc finalement, voilà, on n'est pas si intéressant que ça, quoi. Voilà. Mais cette frange de la, voilà, mais elle paye des loyers, elle paye des impôts, elle a des enfants qui vont à l'école, etc. Donc l'argent circulaire, il reste quand même dans le pays, donc il faut légiférer. Et donc là, ou sinon, il faut sortir du T3P. La question que tu viens de soulever. À partir du moment où on n'est pas considéré parce que peut-être on est d'une certaine ethnie, entre guillemets, etc. Oui, c'est ça, il faut dire les mots comme ils sont. Donc à nous de nous structurer, de nous organiser pour nous faire entendre. Il y a un minimum de fierté. Voilà, parce qu'on pèse. Mais moi, je vais te dire un truc et j'ouvre et je ferme la parenthèse. Quand tu vois ce qui se passe dans le monde, attends, moi je vais te dire, quand tu vois ce qui se passe dans le monde actuellement par rapport à l'actualité, tu vois les mecs faire leurs courses, si tu regardes rien que la gueule du cours, voilà, tu te dis, le mec, il n'est même pas concerné. C'est même pas ce que ça veut dire le boycott, il n'a aucune fierté, il consomme, c'est des mecs vaches à lait. Qu'est-ce que tu veux instruire une population qui est inculte? Voilà. Je suis désolé, moi je suis quelqu'un de cash. Non, non, mais c'est clair, on n'est pas rigoureux. Voilà. Et pourtant, on pèse. Mais si on est rigoureux, exactement. On pèse lourd, je te jure. Mais rien que par rapport à la consommation de tous les jours. Et demain, tu as une marque, tu décides de cette marque que je n'achète pas, je te jure, elle vient à genoux te demander. Voilà. Moi, je te dis, je sais qu'on peut faire fléchir beaucoup de choses. Mais en fait, on n'est pas bien structuré, on n'est pas assez solidaire entre nous. Tu l'as dit tout à l'heure, les Spartiates, 300, ils sont combien? Ils sont 300, on est 300. Non, mais c'est ça. Mais moi, je suis convaincu. On est 300 avec de la fierté. Je suis convaincu qu'on pèse. Mais on n'est pas... On a 3000 qui n'en a rien à foutre. On ne parle pas d'une seule voix. Ben voilà, tu sais, parce qu'à chaque fois qu'il y a des manifs ou des mecs qui veulent se bouger le cul, ben les autres ils se disent, ah ben tiens, il y a manif, donc on va faire plus de chiffres. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, les mecs, vous ne faites pas respecter. Comment tu sais, à quel moment j'ai vu qu'on pesait, et je crois qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi. T'as vu quand Mélenchon a quasiment frôlé le deuxième tour? Oui, à 19,6. Ben, tu sais, c'est grâce à qui ça? Bah c'est grâce aux mêmes. Hein, tu sais que c'est grâce à nous. Ah, tu sais que c'est grâce. Ah oui, oui. Ben oui. Ben ah oui. Ben oui. Et il le sait, ben il le sait. Hein. Ils le savent tous. Hein. Il le sait. Mais par contre, moi, je pense qu'au-delà du fait que. Bon, après, le problème, c'est une question de. Bon, on sort du sujet, c'est une question de casting, c'est une grosse gueule, machin, etc. Mais il a des trucs justes, il a des trucs. Voilà. Mais c'est comme partout. Il y a, tu vois, il n'y a pas. On va dire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais des fois, il y a des trucs sensés, il y a des trucs insensés, comme partout. Maintenant, pour terminer sur les JO, parce que j'aime pas trop monopoliser le truc, non, pas de souci. C'est que, encore une fois, qui vivra verra. Moi, j'aime bien, j'ai bien aimé l'intervention de VTSLA. Et mec, c'est vrai, si vous êtes des entrepreneurs, etc., chacun sa niche, chacun machin, chacun son mindset, mais qui vivra verra. Donc, il faut bosser. Après, c'est qu'une fois dans une vie. Hein. Les derniers JO à Paris, c'était il y a 100 ans. Donc, ça ne sera pas demain. Donc, autant le vivre. Mais par contre, là, les élections à la con, là, en mois de mai, posez, je suis désolé, vos cojones sur la table. Dites, écoutez, les gars, c'est simple. Il y a pas de... C'est sans nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas le bordel. Et c'est tout. Ferme la 1-1, fermez. Et ferme la 1-1 et tu vas voir. Ils vont verbaliser tout le monde. Il faut se structurer. Il faut se faire entendre. C'est tout, ouais. Parce que si tu ne te fais pas respecter là, maintenant, devant ces JO-là, la con, ouais. Tu ne te feras respecter jamais. Et je ne sais pas c'est qui l'intervenant qui avait dit que les radars à la con, c'est pas pour demain, c'est pas pour faire joujou, hein, c'est pour tout le temps les radars. Merci Chris. Ouais, ouais, ouais. Ah, ben oui, merci pour les tipeurs d'ailleurs. Ouais, merci pour la force. Ah, merci beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire derrière, il y aura un impact. Ça veut dire si pendant des événements internationaux comme ça, il ne se passe rien par rapport à votre corps de métier. Si vous en faites ça par passion, par besoin, j'en sais rien, mais il ne se passera plus rien après. Ouais. Parce que malheureusement, je ne sais pas c'est qui avait dit ça, c'est que par la force. Les gens, ils ne savent pas, tu vois, se faire respecter. Voilà. Moi, je l'ai dit. Hein. Moi, je l'ai dit. Il n'y a que des coups de pression qui permettent de faire changer les choses. Mais des vrais coups de pression. Tous les acquis dans ce pays. Pas des miettes. Tous les acquis. Tous les acquis, l'histoire l'a prouvé. Voilà, ça, en France, c'est comme ça. Malheureusement, ouais, comme ça. La mentalité, c'est au combat. Ouais. Voilà. Tout a été obtenu par la lutte. Ouais. Ouais. Et par la lutte, mais à côté, on te met une entourloupe de l'autre côté. Tu le sens après, tu vois. On te donne, mais on te le reprend ailleurs. Hein. Mais t'inquiète, ça aussi, on est habitué. Par contre, le premier intervenant, je ne sais pas c'est qui. Je crois que c'était Arnaud, je ne sais pas quoi. Arnaud Demestre, ouais. Voilà. Lui, il était un peu soucieux par rapport au contexte géopolitique, ouais. Et personne n'en a parlé derrière. Ouais. Et je pense qu'il faut garder ça dans un coin de sa tête, ouais. Parce que le monde ivrie. Ouais. Et dis-toi bien, et je dis ça et je dis rien, et j'espère vraiment pas, parce que comme il y aura tous les projecteurs sur la France, les JO, tu vois, envoyer un message, pour pas citer le truc, voilà, pas un message, mais enflammer la mèche encore plus qu'est-ce qu'elle est, quand un président qui s'excite tout seul à vouloir faire le bras de fer avec la Russie. Et qui n'est pas légitime, finalement, même auprès de son peuple. Quand plus, tu regardes, ouais. Je me dis, si l'autre là-bas, il décide de répondre pendant ce rendez-vous-là, ça risque d'être vraiment catastrophique, tu vois. Et ça, pourquoi je te dis ça? C'est non négligeable. Voilà, parce que Arnaud, il n'en a pas parlé, et je le rejoins dans son inquiétude, c'est que quand il y avait Charlie Hebdo, machin, les attentats, etc. Et ben, je peux te dire que les étés derrière, c'était mort. Ouais. Les annulations à tout va. Hein. Il n'y avait même pas les yeux. Il n'y avait plus de touristes, moi. Ah ben ouais, non, mais c'est clair. Mais nous, les premiers, par exemple, si demain il se passe un truc, par exemple, en Turquie ou je sais pas où, tu t'annules ton voyage. Il y a déjà eu des événements comme ça en Turquie, au Maroc. Exactement, ou... en Tunisie. En Tunisie, ouais. Ouais. Avec le musée, là, le musée, comment il s'appelait le musée, là? Bardo, ouais, là tu fais marche arrière direct, il y en a plein qui annulent. Hein. Voilà. Ouais. Donc après, voilà, on n'est pas dans cette, malheureusement, dans cette perspective-là. Et donc, comme on aime prévoir, mais il y a des choses, malheureusement, qu'on ne peut pas prévoir. Donc, il faut être vigilant, il faut faire attention, il faut jouer le jeu, comme disait VTSLA, et qui vivra, verra, et voilà, qui vivra, verra, et voilà, après... Ouais. Mettre des plans sur la comète, etc. Et on vit le jour. Et voilà, après, chiffre d'affaires catastrophique ou pas catastrophique, ben ça sera justement l'occasion pour les syndicats de légiférer derrière et de dire « Ah là, maintenant, c'est bon, stop, là, c'est la cerise sur le gâteau, un événement comme ça et c'est le bordel, ben derrière, il faut structurer le truc. » Et peut-être ça serait peut-être un mal pour un bien. Ouais. Que sais-je? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, pour faire le ménage, pour enlever les rattachés, pour structurer le truc, pour avoir peut-être pas les mêmes droits que le taxi, mais au moins se faire respecter. Tu vois. Des droits propres au VTC, mais voilà, avec au moins de la justice, déjà. Bien sûr. Ouais. Écoute, je vais dans beaucoup de pays, je voyage beaucoup, il y a des VTC, il y a machin. Alors, il y a des pays, ça se passe pas du tout, mais il y a des pays, ça se passe très bien. Chacun sa clientèle. Je sais pas c'est qui l'intervenant qui disait, effectivement, je l'avais dit une fois, que le VTC, il a créé, on va dire, de la demande. C'est pas les mêmes clients. Tu vois, le mec qui fait, comme disait le collègue Villepin, je sais pas moi, Bagnolet ou je sais pas quoi, c'était pas un mec taxi, hein, le mec de banlieue. Ouais. Tu vois, donc il y a pour tout le monde, sauf il faut structurer. Si tu dis demain au taxi, il va y avoir 40 000 ou 50 000 VTC, on va essayer de structurer le truc et machin, peut-être par rapport à l'examen. Et c'est vrai, hein, il y avait un autre intervenant, c'est pour ça que j'aime vraiment tes lives, parce que les intervenants sont de qualité. Ouais, il y a des mecs. Pourquoi? Moi, je me rappelle même à l'époque, c'est pour ça que je te dis un peu de discrimination. Mais le mec, il est américain, il est à Paris, il te dit « Where are you from ?»« Mais Tara, je suis ici, moi, qu'est-ce que tu me parles ?» tu vois ce que je veux dire? Le mec, il voit ta tranche, il te dit « T'es de quelle origine ?» T'es pas français pour lui. Pourquoi? Voilà, parce que ça peut être transparent. Ouais, mais c'est comme chez eux, hein, les latinos. Hein. Ben oui. C'est pareil. Hein. Mais pour te dire, c'est que non. Mais parce qu'il y en a vraiment qui ne savent pas ni lire ni écrire sans être vraiment péjoratifs. Ouais. Et voilà, à boire et à manger, reste, c'est Allah qui donne, tu vois. Mais ça dénigre le métier, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, aujourd'hui, quand tu dis tout à l'heure 113 €, mais Hakim, 113 €, je t'avais déjà envoyé des lives, des captures écran. C'était le prix d'une course à l'époque. C'était quoi ça, le 113 €? Le collègue, il disait, il a commencé à 19 h, à 23 h, ouais. T'as dit, c'est bien. Bah, ouais, j'ai bien rigolé. Bah, moi, je me base, il a fait ça en 4 h, je me dis qu'en 8 h, il aura fait 220 €. Une journée de 8 h, les mecs disent, ils font à peu près 200 €, c'est les chiffres actuels, quoi. En gros, c'est ça. Mais quoi. Attends, toi, t'as connu l'époque. Bon, mais dis-toi bien que même lundi soir, à l'époque, il y a 10 ans, là, aujourd'hui, le standard, c'est 200 balles, mais à l'époque, le standard, c'était 500. Si t'avais pas fait 500, t'étais rien. Ah ouais. Ouais. Donc ça a changé et pourtant l'inflation elle a augmenté, donc tout a augmenté, ouais. Les assurances, les trucs, les machins, les prix, augmente. Il a baissé, ouais. Les prix des courses, ils baissent, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chauffeurs, donc c'est l'histoire de la politique dans le marketing, de la vache à lait. Si je fais un petit chiffre sur une grosse quantité, c'est plus bénéfique pour moi de garder la clientèle que de cibler qu'une clientèle aisée ou qui a les moyens d'avoir un service, etc. Pour preuve, il fallait un costard, une chemise, des bonbons, de l'eau, voiture noire. C'était pas le même délire, c'était de la grande remise, plus ou moins. Là, aujourd'hui, Prius, rien à foutre, qui date de 2019 ou de 2009, encore, même, 2019, tu peux faire avec. Ouais, voilà, mais même il y a 10 ans, tu peux faire. Donc, peut-être ça, à ce niveau-là, il faut restructurer. Mais la faille, c'est quoi? C'est comme c'est du privé. On peut pas restructurer quelque chose de privé. C'est comme ça, l'État. Enfin, il dit, ouais, non, mais Uber, mais c'est privé, une boîte privée. Elle pratique ses prix, elle fait ce qu'elle veut, ouais. D'accord, elle pratique ses prix, elle fait ce qu'elle veut, et elle ne paye même pas d'impôts, machin, etc. C'est que tu vois qu'il y a derrière, il y a du lobby, il y a des trucs qu'on ne connaît pas. Ouais. Et, voilà. Et pour ce faire, il faut se faire respecter. Et pour se faire respecter, ce n'est pas vis-à-vis de l'État qu'il faut structurer, c'est vis-à-vis de l'appli, parce que l'appli sans les chauffeurs, c'est personne. C'est clair. Donc j'espère qu'au mois de mai, et tu avais promis de faire une table ronde avec les différents... Je vais le faire après, je vais voir s'ils vont répondre positivement ou quoi. En tout cas, moi je vais l'organiser. J'espère. Ouais. Et je guette vraiment ça, et j'aimerais vraiment... Après, c'est une petite suggestion, parce que là, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Il faut vraiment faire ça, peut-être un jour, il faut vraiment sonder, faire un petit sondage sur le forum, quel est le jour propice. Parce que là, franchement, il faut poser des questions. Ou limite, il faut même te les préparer, les questions, il faut te les envoyer. Faut faire vraiment un truc quali et ressortir avec des trucs. Ouais, bien sûr, clairement. Voilà, c'est ce que je t'invite à faire. Ah, mais clairement. Excellente idée, ouais. C'était plus ou moins prévu. Hein. Ouais. Vous me faites les top 10, top 20, top 30 questions. Quel est le jour propice? Et on sait que ce jour-là, il n'y a pas de taf. Voilà, on discute parce qu'on parle d'avenir. Quitte à le faire, par exemple, un dimanche après-midi. Tu sais que tu bookes ton dimanche après-midi, le jour de repos, ou peut-être un jour dans la semaine, un après-midi, ou j'en sais rien, moi, un mardi après-midi, je sais pas, par rapport au... Il faut faire un sondage. Il faut se mettre autour de la table et bien cibler les trucs, et voilà, et bien animer le truc comme tu sais le faire, et sortir avec des trucs, pas avec des promesses dans l'air, voilà, des trucs à la con. Là, on parle de choses concrètes. Il y a un minimum de fierté, quoi. Et je remercie tous les intervenants. Aïssam aussi, franchement, il fait marrer avec ses petites voitures et tout. Merci, Farid. Voilà, franchement, lâche rien, et t'es sur la bonne voie. Merci beaucoup. Et big up à toi. Big up à toi. Merci beaucoup, Pablito. Allez. Hasta luego. Ciao. Hasta luego. Hasta la mañana, amigo. Ciao. Bye bye. Et voilà, notre Pablito. Et pas mal de choses à dire. Et on partage l'essentiel de ce qu'il a dit, hein, évidemment. Bon, les amis, ben voilà, hein, il est 2 h du matin. On va clôturer. On est à 3 h 20, c'est ça, hein, 3 h 22. C'est bon, hein, je pense que c'est une bonne durée. On va essayer de pas aller plus loin. Je garde un peu d'énergie pour vendredi. Je vous remercie à tous pour cette soirée. On pourrait encore continuer, mais bien sûr qu'il faut temporiser. Ouais, il parle bien, le frérot, bien sûr. Merci pour votre participation. On est sur une bonne moyenne. Une très bonne moyenne. Et allez, je prends le dernier appel. Allô, allô. Allô, Hakim. J'allais clôturer, mais bon, je te prends. Ah oui. Bon, bah de toute façon, c'était juste... c'est pour faire en bref. Tu vas bien? Ça va très bien, et toi, Benji? La pêche? Ça va, tranquillement. Ouais. Tranquille. Quoi de neuf? Tu bosses là? Non, je suis à la maison, repos. Enfin, j'ai bossé un peu, mais je suis rentré de bonne heure en fait, parce que c'était trop calme. J'ai craqué. À Rennes, c'est calme, ouais. Déjà qu'à Paris, c'est pas, pas le feu. À Rouen, pardon. Ouais. Ouais, c'est pas grave, c'est pareil. C'est en province. Ouais. Mais ouais, moi, je voulais juste... Bon, on n'y est pas, mais au 1er mai, il y a ces fameux 30 € de l'heure en heure de course. Apparemment, si... C'est bien, je dis s'il n'y a pas les réajustements comme on fait maintenant à l'heure d'aujourd'hui, en mode juste après la course ou après notre journée, on voit les courses où il y a besoin d'un réajustement. Imaginons, on ne peut pas réajuster et il y aura des bouchons comme ça, monstres à Paris. Notez bien vos courses. Moi, c'est le conseil d'amis que je peux donner à tout le monde. Notez bien vos courses, screenshots, tout ça, des temps, si on doit pas, si c'est réajusté sur le mois. Parce que ça va être de la douille, parce qu'il y a certaines courses, on peut les oublier, ou tu vois ce que je veux dire, Hakim? Clairement. Sur l'appli, je parle. Donc, est-ce que tout ça, c'est pas programmé exprès aussi d'un côté pour... Merci, Chris. Bah, pour niquer sur le temps de course, quoi. Ouais, ben tu crois, tu penses que ces ajustements tarifaires là, c'était. Est-ce que c'est pas lié avec les JO là, qui savent qu'il va y avoir des bouchons? On le sait quand il y a des événements. Moi, c'est ce que j'avais dit. Quand il y a des événements, les infrastructures, nous, ça a été pareil. Quand il y a eu un gros événement tous les 4 ans, l'infrastructure, elle a pas tenu. C'était des bouchons horribles. C'était. Au final, on pensait faire x2 sur 2 semaines, mais que dalle quoi. On n'a pas fait ça. C'est ce que je t'avais dit, je crois en off ou je sais plus qui, mais en fait. Il y aura de la perte de temps, quoi. Mais après, les Parisiens vont être motivés. Je pense qu'il vaut mieux rester, comme il a dit VTSLA. Et toi, tu vas faire un événement, faut rester. Tu vas venir sur Paris pour bosser un peu? Non, ça ira. Merci. Ah ouais. Et puis de toute façon, j'ai même envie de partir un mois en vacances cet été. Alors tu sais, JO, pas JO. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois, je pars qu'une petite semaine ou quoi. Tu vois, j'ai vraiment envie de me reposer. Tu vois. Ouais. Faire un bon truc pour les vacances. Quoi. Ouais, vraiment, ouais. Bah, il faut, hein, c'est important. Ouais. Prendre un mois complet de vacances, quoi. Et qu'est-ce que tu as pensé du live dans sa globalité? Ce live c'était sympa. Après, bon, comme d'hab, j'ai pas tout écouté, mais j'ai quand même plutôt bien suivi. Ouais. Et puis, il y a eu un peu de tout en intervention. C'est resté sur le thème des JO. Ouais. Moi, j'essaie de rester sur le thème des Jeux Olympiques. J'ai pas grand-chose à dire, hormis faire attention à cette histoire de réajustement avec les applications. Conseil que je peux donner à tout le monde, bien noter ses courses, quoi. Bien noter et voir un peu le temps de parcours, s'il est plus important de faire des réclamations à ce moment-là, quoi. C'est ça, et ça va être plus difficile pour des nouveaux qui débutent dans l'activité parce qu'ils se rendent un peu moins compte que quelqu'un qui a plus d'expérience de terrain où il sait tout de suite que sur la course, il se fait, comme on peut dire, un peu niquer. Donc, il va demander un réajustement pour être payé à sa juste valeur. Merci VTSLA. Merci. Non, mais c'est bien ce que tu dis. Maintenant, merci beaucoup VTSLA. Un petit remerciement pour tout le travail fourni. Merci beaucoup VTSLA. Ouais, ce que tu dis là, c'est intéressant dans le sens où à partir du moment où ils vont mettre en place de nouvelles tarifications et qu'ils comptent faire des réajustements tarifaires sur le mois, est-ce qu'ils vont pas justement zapper? J'espère qu'elles vont continuer. Moi, je veux qu'elles continuent à l'instant T. S'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux. En plus, j'ai vu que Uber, ils ont modifié récemment leur système d'assistance. Ils essayent de l'automatiser, entre guillemets, et d'être réactifs. Et des fois on est déçu parce que c'est pas la bonne décision qu'on attend, ou des fois on est content parce qu'on est réajusté. Mais ce système de réajustement à la course, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a rien de mieux en termes déjà de transparence envers leurs chauffeurs pour les plateformes et tout ça. Moi, je le prends un peu comme de la douille si il n'y a plus de réajustement, qu'on n'a plus la main dessus et que on doit demander des réajustements, qu'on a des décisions si c'est mensuel, si c'est... Non, enfin, on n'aime pas ça. On est habitué d'être payé à la semaine. On a l'habitude que ça aille de plus en plus vite. On le voit, de toute façon, on le voit. Dans tout, hein. Ouais. La technologie, quoi. C'est clair. Donc, moi, ce que je te disais, c'est est-ce qu'ils ne vont pas dire maintenant les réajustements course par course, on n'en veut plus, on vous réajuste à la fin du mois en fonction de la tarification qui a été imposée. Moi, c'est ça que je crains, en fait. Non. Ça, c'est la merde, honnêtement. De toute façon, on peut pas le savoir tout de suite. Hein. Mais bon, avant les JO, il y aura déjà le mois de mai et le mois de juin. Ouais, le gars qui roule en privé, voilà, qui a son client privé, qui établit son prix, voilà, est-ce qu'il y a du dépassement, est-ce que voilà, après c'est son client, il s'arrange. Mais le gars qui travaille avec la plateforme et qui malheureusement se retrouve dans une course une course noire, comme on dit, une course mauvaise, une course, je sais pas comment dire, une course à pas faire, quoi, une course à bannir. Et il doit, enfin, faut qu'il ait la main, le gars, pour se permettre de pouvoir réajuster à l'instantané, quoi. Après, bon, c'est la plateforme qui décide, tu vois, mais au moins pouvoir faire sa demande immédiatement. Moi, je suis comme ça en vrai de vrai, quand il y a un litige ou quand il y a quelque chose ou quoi, je le fais immédiatement, quoi, quand, sur une course. Et quand tout se passe bien, bah, je passe à autre chose, tu vois. Ouais. Bon. Donc, bah voilà, quoi. Bah, merci pas... Benji. Merci beaucoup. Parce que je pense que personne n'en avait parlé de ça. Non, non, c'est vrai, tu es le premier à parler de ça, justement, ouais. Ouais. Bah moi c'est ce que je souligne, quoi, pour ceux qui travaillent avec l'appli, de faire attention à ça, de bien noter, quoi, screenshot ou même noter manuscrit, je sais pas, mais de tout noter si admettons il y a, et je l'espère pas, hein, franchement, Hakim, mais j'en entends beaucoup parler que les réajustements se feraient mensuellement, comme il y aurait une sorte de lissage de 30 € de l'heure en heure de course. Ouais. Mais bon, moi, je trouve que déjà, c'est entre guillemets gagnant pour les gens qui vont être dans les bouchons ou ceux qui travaillent la journée. On avait souligné ça dans le forum. Ouais. Mais le gars qui travaille de nuit, honnêtement, c'est 30 € de l'heure en course, je répète, pas en heure en ligne. Bah, il n'est pas intéressant pour le chauffeur de nuit, quoi. Course plus approche, ouais. Course plus approche, oui, c'est ça, temps de course. Ouais, eh ben, on va rester sur ces mots-là. Merci beaucoup, Benji. Tu vas clôturer voilà. la libre antenne ce soir. Ouais, bah, pas un live sur Benji. Bah oui, j'allais le dire, tu vois, tu me l'as enlevé de la bouche. Ça fait plaisir. Bien le bonjour chez toi, mon frérot. Et, merci. Et toi aussi. Garde la force. Reste focus sur tes objectifs. Parce que j'ai vu que. Oui, toujours. Voilà. Ouais, t'inquiète. Et puis on est là, quoi. Ok. Et puis là, vous êtes à combien? À 50% du ramadan? Là, vous êtes à la moitié? On a fait la moitié, ouais. C'est ça, ouais, bon. 50%, tranquille. On est sur, sur un rythme. On est sur des rails. Bon, bah c'est bon. Si je calcule bien, je serai sur le jour de l'Aïd. Moi, je bossais comme un fou et puis je serai normalement sous bonus avec Uber. Donc, je vais me mettre bien. J'ai calculé. Je suis trop malin. Tu vas te faire ton Aïd. Toi aussi, tu vas te faire ton Aïd. Ouais. Et tu sais, nous, l'Aïd, quand on était petit, tu sais, c'était quoi notre kiff quand on était petit le jour de l'Aïd? D'accord. C'était pas les gâteaux ou quoi, hein, ou la fin du ramadan. En plus, quand on était tout petit, on faisait pas le ramadan. Les cadeaux? Non, c'est l'argent. On nous donnait de l'argent. Ah, d'accord. Ah, okay. Quand on allait chez la famille à gauche à droite, là, il donnait une pièce d'1 franc, 2 francs, 10 francs, 5 francs. Tac, tac, tac. À la fin de la journée, t'avais un paquet de pièces. T'étais le roi du pétrole. C'était un délire, ça. Ouais. Ah ouais, ouais. Non, c'est. C'est normal, c'est votre moment, c'est votre fête. Moi, à Noël, je travaille pas, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, après, c'est sûr que c'est pas la même période. Puis vous, c'est des heures et tout ça, mais bon. Ouais. Et c'est comme quand, je sais plus, Marco Benz, il m'avait posé la question, tu travailles à l'heure du tour? Tu travailles à quelle heure? J'ai dit avant, pendant, après. Moi, c'est une période où bah, je vais plus manger. Bon, je mange beaucoup à l'extérieur et tout ça, mais c'est une période où je vais plus manger à l'extérieur et je vais travailler sur ces créneaux-là, tu vois. Bah oui, bah, t'as raison, normal, tu vois. S'il y a de la demande à ce moment-là, on peut en profiter, hein, bien sûr. Ouais, bah, bon, voilà, presque, on va dire que je critique tout ça, mais ça se perd. Honnêtement, c'est plus ce que c'était par rapport aux premières années où là, je travaillais pendant ces heures-là et tout ça. Ouais, ça valait vraiment le coup. Ouais. Maintenant, je te dirais à l'heure d'aujourd'hui, non. Il y a peut-être une petite journée dans la semaine ou quoi qui va ressortir du lot, mais c'est plus... Ouais, c'est plus aussi lucratif qu'avant, quoi. Ouais, voilà. Avant, c'était vraiment bien marqué. On sentait vraiment la différence. Là, maintenant, bah, de toute façon, ça va de pair avec la baisse tarifaire et tout, quoi. Donc, en fait. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Bah écoute, merci Benji. Prends soin de toi. Allez, de rien. À bientôt. Bonne semaine. Allez, ciao. Frérot. Ciao. Merci. Ciao. Voilà, les amis. Je vais faire ma petite conclusion. Hakim, il y a un groupe WhatsApp pour les membres et quelles sont les conditions pour accéder? VTCYQ, il n'y a pas de groupe WhatsApp pour Uberzone, il y a uberzone.fr. Et je ne ferai pas de groupe WhatsApp depuis 10 ans, je l'ai fait la première année, c'est parti en live. J'ai décidé de ne plus jamais faire de groupe WhatsApp. Le groupe Uberzone, c'est www.uberzone.fr, le forum unique et exceptionnel sur le net en France. Il n'y a pas d'équivalent. Vous pouvez trouver des groupes Facebook, des pages, des trucs, des télégrammes, tout ce que vous voulez. Mais en 3W, il y a uberzone.fr. Soit vous en êtes, soit vous n'en êtes pas. Nous, on y est et ça se passe très bien. On veut échanger, on échange, on discute, on partage, on publie, on parle en privé. Il y a un chat en direct. Les vrais le connaissent. C'est ça. Il y a le live YouTube. Il y a la chaîne YouTube. Il y a le live sur Twitch, Twitter, Facebook. Une assurance en partenariat avec Uberzone, oui, il y a Yit Assurance, c'est le seul assureur actuellement partenaire. Il y a d'autres, mais ils ne sont pas partenaires du forum, donc je ne vais même pas en parler, mais c'est pas compliqué de les trouver. En tout cas, il y a Yit, Philippe Decodin sur le forum Uberzone, il y a sa bannière qui est facilement accessible. Il peut être joint assez facilement. Ils ont un système un peu spécial avec une appli qui récompense et qui fait baisser le tarif au fur et à mesure de la bonne conduite. La bonne conduite au sens propre du terme. Les likes, j'aurais voulu atteindre les 200. J'ai dépassé les 1000 vues, mais je n'ai que 150 likes. J'ai eu beau le répéter, mais apparemment, il y en a qui oublient de liker, qui passent et qui oublient. Il y en a qui, bon, je sais que la grande majorité, vous êtes là, vous avez tous liké. Mais c'est pas grave, je pense que les 200, on les attendra sur le replay. J'en profite encore pour remercier tous ceux qui ont fait un geste concret ce soir. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous remercier, mais voilà, rien que verbalement, déjà, c'est très important. Sachez que j'ai encore pas mal d'investissements à faire pour faire évoluer. Là, je suis à la maison, je vous dis, mais le studio Uberzone va venir au jour. Et il y aura donc la déco, l'éclairage et tout. Et voilà, donc, bah, écoutez, moi, les revenus que je génère par mon activité Uberzone, je les investis automatiquement parce que je compte vraiment faire un truc à la hauteur. Je veux que ce soit un truc professionnel. C'est votre espace Planète VTC. C'est votre site uberzone.fr. Moi, je prends plaisir à faire ça parce que je trouve que c'est très divertissant. Ça me passionne, ça me fait palpiter. Je ne suis pas du genre à faire des choses que j'aime pas. En fait. Voilà. Quand je suis créatif, c'est parce que j'aime. Et j'ai une idée précise de ce que je veux, du studio, du studio podcast, la déco, etc. Et donc, franchement, je vous dis, je vais avancer tout doucement. Je l'ai dit au début du live, pour moi, c'est que le début, ça. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est le brouillon de ce que va devenir Planète VTC, le vrai Planète VTC, parce que c'est un espace dont les VTC ont besoin, et je le sens de jour en jour. Tous les messages que je reçois, les appels, il y en a qui m'appellent, ils me disent « je peux pas passer à l'antenne, je veux pas qu'on me reconnaisse », mais franchement, j'avais envie de te remercier personnellement. On m'appelle, on me dit merci, je remercie tous ces gens-là, la force que vous me donnez par vos messages, par vos gestes, par vos dons, par vos encouragements, par vos likes, par vos commentaires, tout ça. C'est voilà, c'est autant de choses qui me boostent, qui me motivent. Et voilà, donc c'est quand je vois que voilà, même quand je finis, je descends pas en dessous de 100 et qu'on est qu'au début, vous inquiétez pas, ça va faire son chemin. C'est comme Uberzone au départ. Rappelez-vous, ceux qui me connaissent, quand j'ai commencé, quand j'ai créé le forum, j'ai créé 3 comptes, je me parlais tout seul. Aujourd'hui, Uberzone, c'est 80 000 à 100 000 visites par mois. D'accord ? 10 ans après. Hein. On avoisine les 100 000 sessions, 100 000 visites par mois sur uberzone.fr. Alors, il y a des groupes, il y a des trucs dans les réseaux sociaux à gauche, à droite. Et je dis, j'insiste. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est ton bébé. Ouais, c'est mon bébé. En tout cas, je sais que ce truc-là, c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. C'est pas un truc servi sur un plateau d'argent, tout fait déjà et contrôlé par je ne sais quel réseau social. C'est un vrai réseau qu'on a créé. Et Cui est venu tout à l'heure et il en a encore témoigné. Donc voilà, merci vraiment de votre participation, merci vraiment pour votre sympathie, les gens le remarquent, il y a un public de qualité, un chat de qualité. Donc voilà, merci Hakim d'animer ce live pour les VTC, on te donnera plus de force et infos possible, et merci la communauté, on fait vivre aussi ce live, force à nous, merci Benji, t'es un des tout premiers, Hakim ton forum c'est une mine d'informations, ah oui clairement, Hakim mérite de finir sur les bandes FM. Ouais, aujourd'hui, même les bandes FM, les anciens des bandes FM sont sur des podcasts et sur des radios online et tout. Donc, on va se servir des nouvelles technologies de toute façon. On va essayer de faire un podcast qui sera même sur Apple Podcast, Spotify. Voilà, là, je vous dis, on est en train de le construire, le truc, tout doucement. Et de toute façon, ça évoluera forcément. Moi, je suis pas quelqu'un qui reste statique. Je suis pas statique. Dans ma vie, je suis pas statique. On en a encore sous le pied, exactement, Fafa. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Mais voilà, encore une fois, moi tout seul, je pourrais pas tout seul. Donc, Café Uberzone, ouais, non, ça sera le podcast. Après, Café Uberzone, faut des locaux, faut payer, c'est hors de prix tout ça, frérot. Nous, on va essayer de travailler, tu sais, nous, on crée de la richesse, entre guillemets. C'est pas non plus, tu vois, j'ai pas des ambitions de malade, on n'est pas une multinationale. mais on crée à partir de notre création, à partir de notre créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, moi je veux que ce soit l'espace de référence pour les VTC, tout comme Uberzone l'est. Je veux que ce live devienne la référence pour les VTC. Et donc, il faut que le studio soit à la hauteur aussi. Pour qu'on dise, voilà, vous voulez cracher sur les VTC? Regardez les VTC, ce qu'ils ont comme espace. Vous avez la même chose. Nous, on n'aura rien à envier au Moscato Show ou au Rotten sans flamme ou n'importe quelle autre émission. On arrive, vous inquiétez pas. Doucement, mais sûrement. On arrive tout doucement. Pierre après pierre. Paris ne s'est pas construit en un jour. Et le live Planète VTC, vous êtes parmi les premiers là, les 3 premiers mois. On se revoit dans quelques temps, Inch'Allah, si on a encore envie. D'accord? On se revoit dans quelques temps et vous verrez la progression. Vous allez voir. C'est garanti. Voilà, voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et soyez prudents sur les routes. D'accord? Parce que ça, c'est important aussi. Vous êtes tout le temps sur la route. Soyez prudents. Ne vous faites pas allumer comme ça par des contraventions. Faites attention. Ils peuvent vous plomber votre journée, votre chiffre d'affaires en un claquement de doigts. Vous vous trimez pendant 8-10 heures et ils vous flinguent votre chiffre avec un simple PV. Soyez irréprochables dans vos habitacles. Protégez-vous. Dashcam, j'ai encore envoyé la dernière fois aussi une vidéo que j'ai balancé, j'installe, je reçois des appels, j'installe des dashcams. Vous pouvez le faire tout seul aussi, d'accord? Mettez une dashcam dans votre véhicule, protégez-vous, d'accord? 20% avec le code Uberzone sur le site de Ventroux. J'ai même été approché par 2 autres marques là. Donc là, j'ai des dashcams qui vont arriver. Je vais pouvoir faire des démonstrations en vidéo YouTube et je vais pouvoir en offrir aussi dans les lives. Parce que en fait, à chaque fois, je leur dis, ok, vous voulez que je montre votre dashcam? Pas de problème. Par contre, vous m'en envoyez une en plus ou 2 pour que je puisse l'offrir à un de mes auditeurs pendant les lives. Ils me disent tous, pas de problème. Donc là, j'attends. Normalement, il y a du matos qui doit arriver. Notamment une nouvelle marque. Je vous la présenterai quand je recevrai concrètement le matos. Et là, il y en a une qui est là. J'attends un gros live un vendredi parce que ça s'y prête beaucoup plus pour la faire gagner. Et donc voilà. Voilà, voilà. Donc merci le Bastin, merci à tous. De la valeur ajoutée. Force à vous Hakim, merci savoir danser. Ouais, là vos messages font vraiment plaisir, sincèrement. Ça va finir en radio avec une régie. Bah ouais. Je t'approuve complètement, ouais non c'est cool. Bonne soirée la team, demain c'est 6h30 le réveil. Bon courage, ça va piquer Man in Black. Bonne nuit les Spartiates. Ouais, sinon t'as la matmout. La matmout. Eh ouais les amis. À bientôt. Ça reçoit là, ça attend.